Salut à tous. Nous sommes évidemment totalement prêts pour vous donner du rêve pendant 2 heures à base de sorts, de créatures et autres artefacts. Aujourd'hui, on va jouer... Waouh, comment tu l'as trop bien aujourd'hui, eh bien, nous allons jouer comme prévu les decks Commander. Tiens, prends ta flotte. Merci beaucoup. Oui, parce que je voulais me mettre là et puis Xari m'a fait changer. Ah non, ben non. Non, mais c'est infâme. C'est infâme. Attends, mais il y a un problème dans mon deck. Il nous a quand même dit non, je suis obligé de me mettre là, j'ai l'habitude. Non, j'aime bien être là. Et du coup, en fait, il faut quand même mettre le plus petit ici, le plus grand, maximum. Et oui, la seule chose qui compte, c'est la taille, évidemment. C'est la caméra. C'est la cam. Allons-y. Donc, on joue des decks Commander. Les decks Commander, c'est quoi, Maxildan? C'est quoi? Eh bien. Ce sont des decks de 100 cartes qui sont présentes en un seul exemplaire dans le deck. Voilà. C'est 100 cartes différentes. La différence, c'est que dans le deck, il y a aussi un commander, comme son nom l'indique. C'est un commander, du coup, que vous allez choisir parmi certaines créatures légendaires, voire planeswalker. Ça dépend. Alors, il y a certains planeswalkers qui disent « Ok, j'ai le droit d'être en tant que commander », mais normalement, c'est des créatures légendaires. Et une fois que vous l'avez sélectionné, en gros, cette créature, elle est un petit peu à part sur le terrain de jeu. Et vous avez le droit, du coup, de la summon, je vais pas le... De l'invoquer. De la lancer. De manière tout à fait... normal. Tout le temps. Voilà. Ça. Donc là, par exemple, si je décide que mon général, est-ce qu'on a un petit zoom sur, Kadina. Sur le champ de bataille? Kadina, sorcière, c'est la sorcière ondoyante. Alors, on n'a peut-être pas preset la cam qui permet de zoomer sur les cartes. Parce que regardez là, je ne sais pas si vous avez vu, on a vu ça avec Chloé tout à l'heure. Elle est en train de s'entraîner. On a 4 caméras parce qu'on va jouer non pas en 2 contre 2 comme la dernière fois, mais en 1 contre 1 contre 1 contre 1. C'est-à-dire en multijoueur. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc vas-y, zoom sur Kadina la sorcière. Ouais, déjà, si vous dites, mais oh là là, mais comment, c'est quoi cette grande carte? C'est juste qu'en fait, dans ces decks-là, comme ça fait un peu joli, eh bien, du coup, ils mettent une version agrandie de certaines cartes, en l'occurrence du commandant. Donc là, c'est bien, vous allez mieux voir, encore que c'est foil, donc c'est pas forcément terrible à la caméra, donc ça va à peu près. Mais ça, c'est juste pour faire joli. Vous Parfait. Avez, voilà, on va sortir de notre deck de 100 cartes exactement le commandant. On appelait général avant. Et donc, cette. Oui, très bien, je vais couper mon son. Ce commandant a la 3 couleurs. Eh bien, ça veut dire que l'identité couleur de ton deck, ce sera noir, vert, bleu. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer autre chose, donc de sorts qui sont. Même si, par exemple, il y avait du hybride vert et blanc, je pense à Fourbe de cuisine, par exemple, il ne pourrait pas le jouer. Ça compte aussi. Ce qu'il y a à l'intérieur du cadre ici. Donc, si jamais il y avait marqué engagé à ajouter un mana blanc, mettons, et ben du coup, l'identité couleur aurait été blanche. Ok. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisque l'intérêt de surtout de cette émission, c'est que pour une fois, on va jouer tous les quatre, mais en chacun pour soi, avec un deck, donc 200 cartes, avec, comme l'a dit Max, des cartes en un exemplaire, sauf le terrain de base évidemment. Et donc, les decks vont être très variés. Des cartes qui vont être en plus inédites, parce que à chaque saison de Commander, eh bien, ils éditent des cartes uniquement pour ce format-là. Alors qu'ils nous préparent les dés. Et normalement, on a 40 points de vie chacun. Le principe d'un commandeur, ça c'est vraiment cool ces decks-là, c'est pour pouvoir faire une grosse soirée entre amis. Tu mets celui-ci. Pour faire une grosse soirée entre amis qui va durer jusqu'au bout de la nuit. Là, on n'a que 2 heures et encore un petit peu moins. Ça va sans doute prendre toute l'heure. Oh oui, je pense. Et du coup, on va commencer à 30 points de vie. Ok. D'accord, pour peut-être éviter les soucis. Et normalement. Pour qu'on puisse terminer quand même, quoi. Voilà ça. Ce serait cool qu'on puisse terminer parce que si on termine pas, c'est d'une tristesse. Infinie. Et donc, peut-être que tu peux nous afficher les points de vie qui commencent à 30. Regardez. Oh, parfait. Alors. On a bricolé un petit peu ça, un peu comme on a pu, parce que normalement l'overlay de base est uniquement pour 2 joueurs. Donc voilà, vous nous pardonnerez, c'est pas forcément aussi joli que d'habitude, mais ce qui est important, c'est que ce soit pratique. Et si Ponce aime bien, c'est que c'est validé. Alors les gars, on a 4 decks différents. On a un deck. Wow, Gesundheit. Pardon. L'ingé son en PLS avec les oreilles qui sont. Ok. On a un deck. Avec Sévin le Chronoclysme, impeccable, qui est une de 2 pour, je sais pas si tu peux zoomer là-dessus, qui est une de 2 pour 5, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à elle ou lui. À chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou rituel depuis votre cimetière chaque tour, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Attends, est-ce qu'on peut afficher les cartes? On vous les met au bon endroit s'il faut. C'est maintenant, voilà. Okay. Voilà, parfait. Ça, c'est nos commandants. Et donc, quoi. Ça... Vas-y, zoom et non, on bougera les cartes. Voilà, ça. Ça, c'est le deck bleu-blanc-rouge, évidemment, le deck patriote, qui va jouer plein de sorts et qui, notamment, va jouer des sorts depuis le cimetière. Comment? Eh bien, grâce, par exemple, à la capacité flashback qui permet donc de
rejouer nos sorts depuis le cimetière. Moi, je ne les ai pas testés, c'est un petit peu... Alors, je sais un peu ce qu'il y a dedans, mais ça va être un peu le test. Vous non plus. Mais Max, tu les as déjà joués ? Est-ce oui. que tu peux... N'hésite pas à rajouter. Si tu alors, dis, tu ah, les oui, as déjà joués... oui et non, c'est-à-dire, j'en ai joué un. Voilà. Oui, mais tu n'as pas autres, joué du tout les autres. Mais j'ai vu un petit peu comment ça se jouait. Joué, alors, on en a joué que trois. En fait, je ne vais pas dire de bêtises. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas joué... On a joué quoi ? On a joué... On n'a pas joué le rouge, ouais, c'est ça. Donc on a dû jouer... Ah ouais, mais attends. Parce que moi, je leur ai donné le choix. Tu sais, il y a plusieurs... Oui, mais là, ils n'ont pas le choix. Eh bah, du coup, il y en a plein que j'ai pas vu. D'accord. Je crois qu'on a vu non, mais juste ces au niveau, deux-là. Au niveau du jeu, celui-ci, on est d'accord, c'est avec du flashback. Ouais, mais ça change beaucoup. D'accord, okay. En fait, en fonction... Y a, va... En gros, dans les decks, il y a trois créatures légendaires. Et du coup, tu peux utiliser n'importe laquelle de ces créatures comme commandeur. Le truc, c'est qu'en fonction de celle que tu prends... Ça change tout le gameplay. Je vais finir d'expliquer. Après, évidemment, vous essayez de là vous dire quel est le deck qui vous plairait le plus et on se les partagera. Celui-ci, est-ce que tu veux qu'on bouge ou est-ce que tu veux bouger toi-même ? Oh, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est une 2-5 pour 5. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 4-4 avec le piétinement. C'est un rhinocéros. Et à chaque fois qu'il attaque, on peuple. Peupler, c'est ce qui a marqué juste en dessous. Pour peupler, créer un jeton qui est une copie d'un jeton de créature que vous contrôlez. Et en plus, il arrive engagé et attaquant. Ce qui est sympa, c'est que là, si, de base, vous pouvez copier votre 4-4, mais si jamais vous arrivez à faire une 8-8, par exemple, au cours de cette partie, eh bien, vous pourrez peupler dans cette... Donc ça, c'est vraiment un jeu qui se base sur les tokens, les jetons de créatures. On passe à la suivante. Ouais. 1-3, célérité. Pour 3, c'est un vampire, on l'engage. Défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Et à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, il y a la folie, dégagez, machin. Alors, la folie, qui a ce deck-là ? Que c'est sûr. Je veux juste me trouver un petit truc avec la folie. Et pour le coup, effectivement, elle va bien te chercher des trucs dans le cimetière aussi. Hein. Et oui, tout à fait. Oui. Parce qu'en gros, tu jettes une carte et tu la ramènes immédiatement. Ça. Et parce que folie, c'est pareil. C'est si vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous le faites, lancez-la pour son coup de folie au lieu de son coup total. Donc en général, c'est une de moins. Et mettez-la ou mettez-la dans votre cimetière. Donc en gros, au moment où tu as défaussé, t'es en mode ah. En fait, non. Ça. Normalement, défausser, c'est un défaut à Magic. Là, on défausse au moins pour piocher, donc c'était pas très grave. Mais en plus, on peut faire une capacité qui pourrait faire du card advantage. Donc, c'est ça. Pas mal. Et enfin, Kadina, la sorcière ondoyante, alors, c'est elle que j'ai jouée la dernière fois. Le premier sort de créature face cachée que vous lancez à chaque tour coûte 3 de moins à lancer. Et d'ailleurs, on a complètement oublié de dire à Zulu. Oui, normalement, on devait inviter Zulu parce que c'était, il y avait une principe de je mets une carte face cachée. Eh bien, tant pis. Tant pis, voilà, c'est tout, j'ai pas plus à dire. La mue, donc on joue une carte qui a pas l'air très forte, mais qui en fait peut se retourner pour être une carte surprenante. On va pas la mettre maintenant, parce qu'en plus ça va peut-être gâcher un peu la surprise. Donc, on va faire quoi ? Ponce ? J'avoue que là devant moi j'ai ce deck là, mais j'ai pas envie de le jouer. D'accord, mais franchement il y a pas de. J'avoue. Y a pas de le rhinocéros, j'aime bien. Ouais, bah c'est assez simple. Vas-y. Parce qu'effectivement, alors c'est la couleur, enfin c'est ce qu'on appelle le plan de Naya. L'éclat Naya et blanc, vert, rouge, c'est assez bourrin, ça met des grosses bêtes. J'aime bien ça, moi. Ça me plaît. Tu pars là-dessus ? Ok, très bien. Xari, plutôt la mue, plutôt les sorts qui se rejouent depuis le cimetière ? Celui-là, il a gonflé tout le monde, je crois. Non, celui-là, il a moi, j'aime bien le jeu, il est trop bien, surtout toi qui joues à Yugi, en vrai. Tu veux remplacer Zulu en mettant des cartes face cachée. Je crois que ça, c'est pour toi, Ponce. Vérifie, mais je crois que... Rouge, vert, les deux me vont, alors on va faire au hasard. Ouais, c'est ça. Et ça, ça fait partie du deck ? Ouais, c'est bien. Alors justement, sors le commandant qui est... La carte commandant ? Ouais, toi aussi d'ailleurs, je crois que c'est celui-là. Vas-y, choisis. Je choisis ? Bah vas-y, de toute façon c'est du hasard. Donc, forcément, celui-là. Et ben voilà. Parfait. En vrai, si tu veux changer, je suis ok parce que... Non. D'accord. Ok. déjà, évidemment. Ouais, moi les sorts, bon, j'aime bien, hein, je vais évidemment gagner cette partie. Alors... Mais c'est vrai que je préfère les crates. Falkenrat ? Ya ! Au moins, je serai patriote avec Sévin. Alors, Falken. Elle est où, Falken ? Donc voilà, recherchez votre Planeswalker, parce que ça, c'est juste pour faire joli. J'ai fait ma main, moi, direct. Oui, la grosse carte, vous pouvez vous la mettre au cul, elle sert à rien. Commandant, c'est 7. Votre commandant. Parce que j'ai vu des gens dans le chat qui disent « Ouais, les grosses cartes, c'est de la merde, ça ruine tes deckbox. » Oui. Il n'y a pas de... C'est oui. C'est nul. Après, elles sont jolies, moi, je kiffe. C'est joli, tout à fait. Oui, mais tu les mets où ? Oui, c'est... En fait, le problème, c'est que c'est instockable. Et donc, c'est de la merde. Non, mais je disais, je suis obligé d'être honnête. Okay. C'est vrai. C'est chiant à stocker. Là, personne n'a une boîte pour ça, donc c'est terrible. On a sorti les commandants du deck. Spéciaux pour ça. Donc les commandants, on est. Mais pas des boîtes ? Si, il y a eu des boîtes. Non. Mais qui avaient une tête très bizarre. Tu mets ton commandant et t'as ton deck, donc ça faisait une sorte de. Ah oui. Ouais, c'était un peu chelou.
Ça n'a pas bien marché. Non. Ça n'a pas. Donc ça a existé, mais ça n'a pas très bien marché. Allez, on shuffle un petit peu nos decks et on va partir. Moi, j'ai shuffle, j'ai pioché, joli. Hein. Alors, ça peut être pas mal de mettre nos decks, si vous voyez la caméra, en, tu vois, ton deck là, mon deck là, comme ça, c'est collé à nos caméras juste au-dessus, ça ne prend pas d'espace, c'est bien. Ok, chacun prend, allez, on va dire 2 dés. Très bien. Et on va essayer de voir qui a le plus de chance. En fait, on peut prendre chacun une couleur de dés, comme ça c'est peut-être plus clair. Nos commandants, on les met où tant qu'ils sont pas... Ici, dans la zone de commandement, en fait, c'est un peu comme la zone d'exil, quoi. C'est un truc que tu mets de côté, la face visible. Prends les verts, toi. Là, tu vas prendre les rouges. Est-ce que je peux avoir le chat en retour, s'il vous plaît? Oui, j'avoue, il n'y a pas le chat sur la... me trigger. Ah oui, c'est vrai, tu n'en as qu'un. Est-ce que c'est possible de l'avoir là, Chloé? Est-ce que je dois changer de place? Bah, t'es là-bas. Ok, on va lancer sur 2D. Allez, 2, on est combien? Allez, 2D, on fera s'il y a des égalités. À 12. Ouais, quoi? Ça, regardez-moi ce boss. Voilà, qui... non, on lui arrive pas à la cheville. Merci. Voilà. Ok, alors, Shadow dernier. C'est bien de commencer? Alors, comme on est en multijoueur, ah, celui qui commence pioche. Ah, donc c'est bien de commencer. 100%. bah, je commence. Voilà. Et donc, tu pioches une carte. Je prends la main. Tout simplement parce que sinon, il va dire bah c'est celui d'avant qui commence, c'est un peu chelou. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, vous avez le droit à un mulligan gratuit. Je suis sympa, et surtout parce que, et encore une fois, comme on est en multijoueur, vous avez le droit, si vous voulez, donc, si vous n'êtes pas content de votre main, de faire votre premier mulligan gratuitement, donc de repiocher cette carte. 2, 4, 6, 7. Il veut dire que c'est OK. Ouf. Et c'est peut-être ce que je vais faire. De quoi? Moi? Ah non, enfin, je t'assure, je n'avais pas forcément. Oui, ça me fait chier, mais. Ah, c'est peut-être pour ça que je vais être là-bas aussi. À droite, hein, ça me. Quel enfer. Bah, c'est à toi, du coup, je suppose. On tourne comme ça, je suppose. On tourne en sens des aiguilles, non? Ah, quand on tourne comme ça, ok. Ça va être à... Alors attends, juste déjà, est-ce que Ponce, tu es content de ta main? Je vais la garder en tout cas. Quoi qu'il arrive. Content, je sais pas, mais garder, ouais. Ouais, pareil, je suis pas non plus fou, mais. Je vais garder. Refait de ouf, mais je suis. Moi non plus, j'espère que je vais piocher du thé. Alors après, comme on est en multijoueur, on a beaucoup plus de temps. Bien sûr. On a 30 points de vie chacun, enfin, c'est pas grave si. Voilà. Mais moi, il manque une couleur, ce qui m'embête un petit peu. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, pareil, ouais, il manque une couleur. Ouais, c'est vrai. On est sur du tricolore, alors sauf toi qui es en bicolore. C'est vrai. Donc forcément, ça. C'est plus difficile, d'autant plus que, comme c'est des decks préconstruits qui vendent pour entre 30 et 40 euros, encore une fois, il n'y a pas tous les bilans, évidemment, sinon ça coûterait beaucoup plus cher. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire ça. Alors, c'est 40 en multi, depuis quand tu joues en 30 points de vie en multi? Et bah, je l'ai expliqué tout à l'heure, normalement, effectivement, je sais que c'est 40 points de vie, mais comme on a moins de 2 heures, et que je voudrais quand même on doit jouer vite, on va partir à 30. J'ai une question. Les... Toi, t'as pas... Attends, pourquoi t'as joué alors qu'il a pas joué? Oui, pourquoi t'as joué, mec? Ah, parce qu'il va beaucoup plus vite que la musique. Les sanctuaires, si jamais j'ai aucun truc à sacrifier, je peux pas les poser. Si j'ai aucun terrain à sacrifier. Il y a marqué quoi sur le sanctuaire exactement? Il y a écrit quand le sanctuaire arrive sur le champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. En fait, c'est-à-dire que tu vas le poser, il va se renvoyer lui-même. Ouais. D'accord, c'est oui. C'est ça, on avait déjà c'est, vu. Ouais, c'est ça. Fumé. Ok, et eh bien là-dessus, je prends complètement l'avantage en posant une forêt. C'est assez. Ah, j'ai pas pioché. By the way. Fait. Oh là 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 là! Est-ce que ça change complètement ton play? Ouais, en vrai, oui, par contre, oui. Je mets un autre qui arrive engagé, donc c'est le refuge qui. Voilà, tout simplement. Et je gagne un point de vie. Parfait. Alors, ouais, donc du coup, je on a pensé qu'à 31. Est-ce que ça va aller, Miss Chloé? Ah, tu veux qu'on le voit en entier? Pardon. Je vais le faire, t'inquiète. Désolé. Putain, la table, elle colle, c'est un cauchemar. Ah, je me suis beaucoup pillé dessus, ouais. Alors. C'est une scène ce que je fais, moi. Fin de tour. Bon, en même temps, bon, c'est normal au début qu'on est pas... Au début, c'est le premier tour, on y va gentiment. Je vais mettre une crique qui est plutôt tranquille. Moi aussi, je gagne un point de vie, je passe à 31. Et c'est une fin de tour. Ah, moi, je pioche. Yes, un terrain que j'ai déjà. Je suis bien content. Je suis au fond. Je vais pour deux poser un truc assez hallucinant. Non. Le résonateur cistrionique. Pour deux, j'engage et je copie une capacité déclenchée ciblée que vous contrôlez. Alors attends, là comme c'est un... Voilà, les terrains, on va pas vous les montrer, mais tout ce qui est bon, carte... Ça, je vais pas l'utiliser complète. Avant Belle Lurette. Voilà. Vous pouvez regarder une nouvelle pour cette copie. Voilà. C'est vrai qu'il y a l'anneau solaire dans ces decks. Ça, c'est, oui. C'est très très fort, ça. Clairement. Bah, copie une capacité déclenchée ciblée que vous contrôlez. Il peut doubler un effet, quoi. Est-ce que t'as une capacité déclenchée sur toi? Alors, déclenchée, je rappelle vite fait ce que c'est. Tu peux me montrer ton... Non, j'ai pas. C'est tous les trucs où il y a écrit quand, lorsque... Voilà. Et le à chaque fois que, c'est aussi une capacité déclenchée. Donc, c'est quand, en fait, il y a un effet qui en déclenche un autre, tout simplement. À chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur un bataille sous votre contrôle, piochez une carte.
Ta pioche. Si jamais il a suffisamment de mana pour le copier, bah du coup il va piocher deux cartes. Voilà. Alors ça marche s'il y a un truc qui te dit quand blablabla meurt, gagner un plus 8, plus 8. Le quand, le au début, à la fin. Et bah, tu payes 2 et tu regagnes plus 8, plus 8. Quel plaisir. Oui, enfin bon, on n'en est pas là, gros. Hein. Oh, tu verras. Ça va aller très vite. Et ben, Ponce Fest, je crois que c'est à toi. Oui, je dégage. Pense à si tout le monde peut retweeter le magnifique tweet de Emmanuel Verne. C'est tellement vrai. Propre. Et donc, du coup, je pose maintenant le sanctuaire qui arrive engagé. Je renvoie un terrain dans, et là, dans ça, ma ça main. Fait deux man. Ça fait 2 man et potentiellement un PV de plus récup, quoi. Bien joué. Bon, et bien, fin du tour. Ah, on est. Ponce est parti dans. Alors là, vraiment, au sommet des points de vie. Il est donc à 32, c'est ça? 32, ouais, je suis juste le boss. Ah non, 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 t'es pas à 32 maintenant. Non, non, je suis à 31. Pardon, oui, je alors, suis à 31. Attendez. Il va se passer quelque chose. Quoi ? Quoi ? De difficile si tu fais ça. Est-ce que tu peux me dire combien tu as de cartes en main, s'il te plaît, Ponce ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est l'horreur du joueur français. Pourquoi c'est pas ? C'est 7 cartes maximum à la fin de son tour. Si jamais tu fais ça, tu vas te défausser d'une carte. Ah. Tu peux aussi ne pas le faire. T'as pas de terrain ? T'as pas un autre terrain ? je t'ai fait remettre en question ta condition. Terrible. Ouais, je le sens. T'es chiant. Non, mais je suis désolé. Non, t'es chiant. Et en fait, c'est classique que du coup, quand on ne commence pas et qu'on ne fait rien en tour 1 et qu'on joue ce terrain-là c'est 7, tour 2. C'est 7 le max. C'est à la fin de ton tour. Donc, si c'était, t'avais pioché au tour de max, c'était OK. Mais à la fin de chacun de tes tours, tu regardes et si t'as plus que 7, eh bien, tu te défausses pour arriver à 7. C'est que ça change vraiment en fait, toute ma stratégie dans l'idée. Je comprends ouais, bah bien, je, ouais. Mais c'est la règle en fait. Sinon, je t'aurais pas fait. Je suis sûr, sinon, je t'aurais laissé faire. Je suis pas super fan de règles. Il vient de TH1, ouais, mais je m'en bats les couilles. Ouais. Je suis pas super fan de règles, mais il va falloir le faire quand même malgré tout. Ah, je suis obligé de garder ça, c'est trop fort. Hein. J'ai des sinon, cartes trop fortes. Non, mais c'est vrai. Peut-être défausse pas. Juste mets un autre terrain, non t'as juste ça. Je veux pas dévoiler ça. Ah, tu veux dire là maintenant? Oui, à la plaine. Oui, tu vois. Ah, mais gros, j'ai besoin de la plaine en fait, pour tout te dire, pour être honnête avec toi. Non, mais replay pour l'instant. Du coup, non, c'est bon, je défausse ma forêt. Ah oui. Okay. Oui. Tout va bien. Si. Quelqu'un de particulier là. Si. Le truc que t'as mis tout à l'heure, il ajoutait pas du blanc? Non. Non, c'est le seul truc que j'ai qui ajoute du blanc et en vrai j'en ai besoin parce que voilà. Et aucun souci, gros, fais comme tu. C'est ma strat, les gars. Tout va bien. Allez, on y va. Voilà. Il y a aucun souci. Allez, à vous. Donc toi t'as mis un terrain qui j'avais déjà pioché. Qui joue le meilleur terrain, un des meilleurs terrains, c'est tour de commandement, vous l'avez tous. Il y en a dans chaque deck commandeur tout simplement. Je le mets là. Ajoutez un mana de n'importe quelle couleur de l'identité couleur de votre commandant. Donc, c'est parfait puisqu'il ajoute le mana dont tu as besoin, ça que tu voulais. Oui. Et que tu n'as pas eu. Alors du coup, est-ce que je peux jouer un truc là? Oui, je crois que c'est possible. C'est possible, ouais, c'est possible. J'ai peur que si je fasse ça, je vais me faire focus. Oh, alors, c'est un peu tout probable, le problème. Oui. C'est que, ouais, j'aime bien. Alors, pose ton anneau. Ouais, je suis. Non, je l'ai pas. Je suis, moi, pas trop fan de Free for All parce que quand on essaie de bien jouer, de faire des bons plays, on a trois mecs qui nous regardent et qui nous foncent dessus. Du coup, je vais juste jouer une sauveteuse à flanc de falaise qui fait une 2 de vigilance. Je l'engage, la sacrifie. Et le permanent ciblé que vous contrôlez acquiert la protection contre chacun de vos adversaires jusqu'à la fin du tour. Ça permet de se protéger de quelque chose, puisque je sens que ces animaux vont vouloir me faire du mal. À toi, Xari, pendant que peut-être Chloé pourra zoomer sur la carte, parce que c'est une carte inédite, notamment. C'est une carte que vous pourrez trouver que, me semble-t-il, dans ces decks commandeurs-là. Sachant que ces cartes-là sont du coup autorisées en commandeur, évidemment, mais aussi dans les formats anciens comme le Vintage, le Legacy, mais pas le Moderne. Voilà. Très bien. Voilà. Donc on est sur une première créature a priori de cette table, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis méchant, voilà, juste que bah, je mets de quoi me défendre. Je vais jouer ça, donc c'est un terrain qui est engagé sauf si j'ai deux autres terrains. Et c'est pas deux autres... Deux terrains de base. Deux terrains de base, donc tu as deux forêts. Donc alors là j'ai une question, je sais pas, est-ce que c'est worse quoi. Je suis pas sûr. En gros j'ai ça. Pareil, Tezzeret, ouais. Alors, je peux le jouer, ouais. Mais je me dis, est-ce que ça sert à... Est-ce que ouais, elle était en premier... Première sur vous avez retourné la Zénith. Ah, mais t'embête pas, si. Mets que au milieu. Laisse ouais, au milieu. Ouais, laisse que comme ça. Si jamais on veut revenir sur quelque chose, on la mettra là. Je pense que ça va être le mieux. Paris de Tezzeret, effectivement. Il y a marqué, piocher deux cartes, puis proliférer. Il peut le jouer pour 3 seulement, parce que ce petit mana là, il peut donc soit payer un mana bleu, soit payer 2 points de vie, comme il en a 30, il peut être à peu près tranquille. Sauf que là, proliférer, ouais. C'est... Alors, en gros, pouvoir rajouter des marqueurs. Et là j'ai y a rien. Aucun marqueur à rajouter. En gros, la question pour moi, c'est si t'as une main qui est vraiment bof, bah fais-le maintenant, tu pioches 2 cartes. Il vaut mieux que j'attende en vrai, non? Sinon, t'es tranquille. Surtout que, comme il le dit, c'est le format FFA, on est 4, on a le temps. Donc je pense qu'il faut pas trop se précipiter. Ouais, je pense que j'ai le temps, donc du coup, en fait, je vais faire autre chose. Je vais mettre ce terrain-là qui arrive engagé. Ok.
Parce que j'ai rien à jouer de toute façon. Et c'est ça. Une fin d'ute. Et fin d'ute. D'accord, le symbole qu'il y avait en haut de sa carte, tu viens de l'expliquer. C'est juste, je peux payer des points de vie à la place de mana. D'accord. Ouais, c'est le mana Firaxion. Ok, ça me va. Fin d'ute. À toi. Ouais, je dégage, du coup, je pioche. Je suis refait. Et des commandeurs, ça se joue aussi à deux. En fait, à la base, le commandeur a été fait pour jouer en multijoueur. Même à la base, c'était fait pour jouer à 5, ni plus ni moins. Et en France, notamment, il y a ce qu'on appelle le duel commandeur, qui est juste pour moi un des meilleurs formats de Magic, où on joue à 1 contre 1, mais du coup, on est à 20 points de vie. On est à 20 points de vie. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? La banlist est différente, parce que des cartes qui sont très fortes en multi peuvent être... Bon, bref, la banlist est différente. Okay. Notamment le Sol Ring, donc l'anneau solaire qu'il y a dans chacun de nos packs, est une carte qui est absolument bannie en 1 contre 1 parce que c'est beaucoup trop fort, ça ajoute 2 mana. C'est un artefact pour 1 qui ajoute 2 mana. Du coup, je remets cette carte de tout à l'heure. Donc là, je regagne un PV. On est, pense qu'il est à 32. Et j'engage mon sanctuaire pour mettre exactement la même carte que toi, Olivier, Sauveteuse à flanc de falaise. Ah tiens donc. Voilà okay. Donc effectivement, sur le même... deck commande, enfin sur le même saison de commandeur, on peut avoir des cartes identiques. J'ai mec, c'est exactement la même technique. Tu peux y aller ? Ouais. Ouais. Alors, à savoir que là, il te restait un mana. Ah non, parce qu'il arrive en engagé. Il arrive en engagé. My bad. T'as raison. Ouais, deux trucs. Effectivement, faut pas oublier, ça c'est un petit peu pénible en stream parce qu'on oui. nous pose pas mal la question. Mais ça, c'est des doubles, enfin, c'est des vrais doubles T1, c'est-à-dire qu'il rajoute vraiment deux mana. Oui. Et, un blanc, un vert pour celui-là. Et en l'occurrence, un blanc, un vert, mais l'autre arrive en jeu engagé. Okay. Comment je capte rien. Alors pour ceux qui viennent arriver et qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'on fait, vous allez sur... vous pouvez la regarder parce que ça va être que du bonheur. Mais vous pouvez également aller sur elle tient vraiment à aller partout. Hein. Ouais. Tu vois, elle a un petit... elle commande, pilote un peu la caméra, elle veut aller pas. Ah, très bien. Après, tu sais, s'il y a des contre-roues, faisons ça alors. Change le sens. C'est la bosse. C'est tout. Faisons ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, en VOD sur YouTube, vous avez quoi, rien trouvé... Non. Bah c'est à toi, d'accord. Du coup ça arrive en jeu engagé ? Tu viens de le jouer ? Pardon, voilà. Ok. Et donc du coup je disais quoi ? Oui, la première VOD de cette saison, on apprend à jouer à Magic à Kyria, qui se débrouille plutôt pas mal, et donc du coup ça vous fait une bonne vidéo de tuto. Donc je vais mettre une île. Et donc là voilà, on arrive au moment où j'ai mis une créature depuis un tour et je peux attaquer. Et là, c'est tout le problème un petit peu diplomatique de dire Xari, par exemple, j'ai regardé Max, son regard m'a totalement... Voilà. Et en fait, quand je sais ce qu'il a fait au JDR hier soir, moi, je ne l'attaque pas du tout. Xari, je vais venir t'attaquer, mais pas parce que je t'aime pas, juste parce que tu n'as pas de créature et tu vois, il y a zéro souci avec toi. Ouais, vas-y. Donc, elle a la vigilance, donc attaquer ne les fait pas s'engager. Et du coup, il n'a pas normalement de bloqueur, il se prend 2, Xari est à 28, mais encore une fois, dans la joie, à la bonne humeur. Ouais. Ensuite, on va mettre un serre de Carla, évidemment, puisqu'il est bruni. Et on a une 2-2 pour 3. On paye 3, je le sacrifie, je cherche dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Je les mets sur champ de bataille, engagé, et je mélange ma bibliothèque. Voilà, un petit cerf tranquille. Trop fort ! Je suis pas agressif, à tout. C'est fumé, ça. Mais c'est pas mal. En commandeur, ça fait partie des cartes qui sont bah, mauvaises en 1 contre 1. Parce que c'est vraiment ça te rajoute lent. 2 mana. Par contre, ouais, c'est plutôt cool en. Ah oui, c'est fumé de sa mère. Attends, c'est quand que ça rajoute 2 mana ? Non, il faut que je le paye 3, que je le sacrifie. Et là, je vais chercher 2 terrains que je vais engager. Donc, c'est un peu mou, quoi. Oui. Ok. Voilà, j'ai 4 mana. Donc, si j'avais les bons, j'aurais pu invoquer ça. Mais j'ai pas les bons. Et ben, et ça, voilà. Ça te permet pas de. C'est... Ah, il faut repayer des trucs. Ah, ils vont engager. Ok. Et ben, ta vie est horrible. Mais en même temps, c'est moins grave de perdre un tour en multi qu'en 1 contre 1. Il réfléchit vite fait, est-ce que je fais ça hein. Ronflo, ce diplomate qui lance ses outils. Ouais, bah justement, c'est pour ça que j'y vais en mode gentil, tu vois. J'ai envoyé mon émissaire. Bon, le défaut quand même que je trouve au commandeur, c'est que c'est long. On se fait chier. Ouais, non, mais c'est le principe. En vrai, je vais faire ça. Hein. Moi, je suis pas trop d'accord. Oui, moi, ça fait un peu justement soirée entre potes. Je refais ma phrase. Nous sommes un peu mous, je trouve. Ok, mais moi je suis chaud. Toi, t'as rien à jouer. Moi je suis juste chaud en fait. Ouais. Juste ça, gros. Ouais. Moi je suis juste chaud. Et c'est vraiment que ça. Max, et puis c'est les premiers tours. Bah, Max, je t'attaque. Ah, ouais, vas-y, mais moi, c'est même pas plus de jouer. Au bout d'un moment, vous allez voir que. C'est quoi ces terrains ? Ah, c'est que terrain de base, je suppose. Voilà, ouais, alors on va les lire parce que. On va les mettre là parce qu'en plus, Max a la même, donc ça évitera qu'on la remette deux fois. Donc il arrive en jeu engagé, il peut ajouter un mana incolore, donc c'est pour ça qu'il pouvait pas jouer son truc parce que ça demandait du noir notamment. Ou alors on peut payer 2, l'engager, le sacrifier, chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain. Hein ? Un type de terrain de quoi ? Mettez-les sur champ de bataille, engagé et mélangez ensuite votre bibliothèque. Alors c'est un peu alambiqué, mais en gros, il faut que tu ailles chercher soit 2 marais, soit 2 forêts, soit 2 îles.
Et, ben, je vais prendre... Et alors, pourquoi ils n'ont pas juste parce dit parce que type de terrain, tu peux aussi prendre des montagnes, forêts, montagnes, marais. Parce qu'il y a marqué jusqu'à deux cartes de terrain de base. Oui. Alors, à votre avis, on me dit que c'est jusqu'à deux cartes de terrain de base. Pourquoi qu'ils partageraient un type de terrain? Bah, qui doivent être deux montagnes. Voilà. Mais en fait, aussi, on peut aller chercher notamment des terrains enneigés avec ça. Ah. Aller chercher, si tu veux, un terrain normal, un terrain enneigé. Bon. Ok. C'est un peu. C'est à toi. C'est un peu dit, je vais faire de compliqué. Plus. En vrai, c'est juste qu'il va. Du coup... Donc là, t'es allé chercher deux noirs. Bah, du coup, ouais, parce que ça fait une île, donc je suis en mode. Bien vu. Cimetière. Est-ce que c'est à Pompon? C'est à Pompon qui a déjà pioché. Il est en plein dans sa game. Pompon qui directement, le joueur français qui va poser sa montagne. Il va engager sa montagne. Il va utiliser le refuge pour faire une montagne. Et il va utiliser ça. Et du coup, il va. En soi, il va un petit peu overuse ses terrains parce qu'il va poser le Feldon de la troisième voie. Je le mets ici. Donc, du coup, et oui, effectivement, j'utilise un terrain. Du coup, elle de a trop. Dit qu'elle nous suivait. Donc, ouais, alors, ça veut dire que là Chloé, s'il le met comme ça, tu peux aller directement sur lui en moins de 5 secondes. Voilà. Du coup, il faut que je mette. Pardon, désolé. C'est quoi? On va essayer de rester maintenant sur nous. Voilà, restez. Donc, sur nous. Pour 3 de terrain, dont 1 dans une montagne, créez un jeton qui est une copie d'une carte de créature ciblée dans votre cimetière, excepté que c'est un artefact en plus de ces autres types. Ah, elle a la célérité, sacrifiée là, au début de la prochaine étape de fin. Okay. C'est sympathique. Ouais, parce que je vous vois, vous serrez la main, vous n'êtes pas ensemble. On sait. Il est content, il est content. En gros, pour 3, tu ramènes un truc et qu'il y a artefact en plus. Il m'a attaqué, ce chien. Ouais, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas l'attaquer, la vigilance. Ouais. Donc là, je vais juste... Tu peux l'attaquer pour être obligé... Ah non. Non, ça sert... Tu peux m'attaquer, mais ce serait... Bah, ça sert à rien, quoi. Alors qu'en vrai, il serait juste obligé de bloquer, il serait dans la sauce. Tous les jours, il y a un adversaire qu'il faut taper. Non, mais j'attaque. Oui, bah oui. Évidemment, le plus simple, ce serait Xari, étant donné qu'il a tous ses trucs engagés, mais je vais attaquer Max. Bah, bien joué. Vigilance, du coup, je ne m'engage juste pas. Juste un petit peu ta carte, et du coup, ça fait juste que Max passe à 28. 2 PV. Ah, ça fait mal, hein. Ah, et là, Max, je sens que tu vas te venger. Ah, ça va dépendre de. Il dit ça juste pour pas se faire attaquer, tu sais. Voilà, bah, peut-être pas maintenant, du coup. Il essaye d'embobiner tout le monde, Olivier, là. Bon, dans un premier temps, on va sacrifier cette merde, on va payer 2, on va aller chercher ce qu'il me faut parce que ça commence à être relou. Voilà. Donc Max a eu un petit souci de terrain, mais grâce à son paysage myriadaire, que ce qu'a joué Gary. Juste petite question, quand j'ai une carte face cachée qui est jouée, comment ça se passe? Genre, imagine, elle est jouée, si elle est attaquée, elle se retourne ou pas? Ou il faut que je joue ce qui est marqué? C'est vraiment, elle se retournera pas tant que t'as pas fait ce qu'il y a au-dessous. Okay. Elle restera de 2 pour 3. Et c'est, voilà. Elles sont toutes de 2, les cartes. Elles sont toutes de 2. Alors, il y en a qui ont un marqué plus, mais oui, de base, elles sont toutes de 2 quand elles sont retournées. C'est ultra cher. C'est le coup une de fin mu. De tour. Ouais, c'est pour ça que c'est bien en multi. Quand t'as en 1 contre 1, tu fais pour 3, je mets une de 2. Ensuite, je peux éventuellement la retourner. Bon. Parce que coup de mu, il coûte 5 et c'est une 2. Hein, quoi. Donc, je suis en mode. Yes. Tu fais un petit peu avoir sur la marchandise. Ouais, je pense 2 que un truc sympa. Pour 5. Classique. Alors. Classique. Classique shit. Ah, papa. Non, franchement, moi, en vrai, je suis bien. T'es bien là? Je suis bien. T'es bien. Allions-nous contre Olivier. Il me dit ça, il va m'enculer dès que possible. Tu le sais. Dès que possible. Tu le sais. Je te jure que non, c'est c'est simple. En fait, je te croirais juste jamais, en fait. Quoi? Bah oui. Mais on est amis. Oui, mais t'es partenaire Winamax, donc je peux pas te croire. Gros, t'es juste un joueur de poker. Oui, d'accord. Bah oui, mais... Après, t'as vu, je t'ai pas attaqué. Je vais mettre... Alors, c'est bien. Merci. Bah, y'a pas de soucis, mec. Je vais mettre une île. Oui, je suis pas très agressif. Je vais. Bon bah, il va attaquer. Et après, il va sacrifier son cerf. Vous savez quoi? Pour pas qu'il y ait de jaloux, et parce que j'ai le droit de le faire, je peux attaquer ça sur Xari et ça sur Max. Très bien. Okay. Ça veut pas dire que je suis méchant avec vous. Je suis non, mais à chaque fois qu'il attaque, il dit ça veut pas dire que j'ai un truc contre vous. Bah, je t'en attaque, pas dit pas si, mais je pense que me faire défoncer dans pas longtemps. 26-26 du coup pour Max et l'ami Xari. Ce truc-là, je peux le faire quand je veux, donc je mets juste un petit dé sur ma bibliothèque pour me rappeler de le faire avant le début de mon tour. Vas-y, Xari. C'est Chloé, évidemment. C'est Alors, tac. La botte. Alors, tac. Vas-y, je vais faire ça. Tu commences à avoir pas mal de terrain, quand même. Bah, j'ai un terrain par tour, quoi. C'est... Ah, là, c'est le commandeur. Le commandeur, mon pote. Alors, est-ce que j'invoque? Oui. Ah, j'invoque. Là, c'est le commandeur, là-dessus. Je suppose, oui. Alors, 2... Il a 6 terrains. Mais oui, grâce à son truc. C'est insane. Oui, non, mais qu'il en ait pris 2, ça lui en fait, il a commencé, n'oublie jamais ça. Ah oui, c'est que 4. Oui, il a toujours un tour d'avance sur toi, quoi. Attends, je réfléchis. Moi, j'en ai marqué 5, là. Oui, mais il a une carte T'as raté un land drop au tour d'avant. T'as pas joué de terrain au tour d'avant. Ok. Alors, non, c'est pas possible, ça.
T'as fait ta merguez là, mais t'as pas joué de terrain. T'as pesté en disant j'ai pas de. Ah merde, j'en ai un. Bah joue. Non, bah ouais, pose-le. Bon, ouais, alors je joue. Désolé. Ah, je crois que c'était sûr. En fait, j'étais en mode j'ai joué ça. Je joue le commandeur. Merci. Voilà. Alors. Merci pour ce replay, messieurs. Kadina, sorcière en doyen, on l'a dit. Non, on l'a. Non, bah on l'a vu tout à l'heure. Donc le premier sort de créature face cachée que vous lancez coûte 3 de moins. Donc du coup, bah ça coûte 0. Ouais, c'est très fort. Donc je joue direct. La mu coûte 3. Voilà, il pose une carte face cachée. Et en même temps, c'est bien. Et du coup, je pioche. Et à chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur champ de bataille, il pioche une carte. C'est juste. Donc je pioche. Ça pour vraiment les ceux qui aimaient bien. Du coup, ça c'est quoi ça? Donc ça c'est une 2-2. Ok. D'accord. Qu'il a joué pour 3 mana, mais bon, pour 3 de moins parce que ça permet de jouer pour 3 de moins. Et qui a un effet, en dessous en fait, est une créature qui peut se retourner. Tu vois. C'est une autre créature une autre pour créature. Payer un certain. Tu payes un certain. Bon, coût je vous l'ai dit, hein, c'était. Oui, c'était... moi je l'ai vu, c'est la 2-1. En gros, déjà, son coût est moindre au moment où tu la retournes par rapport à si tu la posais normalement. Oui. Et en plus, souvent, elles ont des effets comme Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire flip, c'est-à-dire au moment où tu les retournes, plan ça secret. Fait un truc. Les créatures face cachées, donc c'est un enchantement. Je sais pas s'il y a un zoom pour deux. Dessus très vite. Les créatures face cachées que vous contrôlez gagnent plus 0 plus 1, donc c'est une 2-3. Et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible, piochez une carte. Ok. Sentez-le. Voilà, là, et ça commence à. Merci, voilà. Guys. À voilà. Toi de c'est jouer. Autre chose que les attaques de mon. C'est la main. Nous sommes amis. Ouais, bah là, t'es grave mon pote du non, coup. Non, mais j'ai rien fait, je t'ai pas attaqué. Ouais, bah, on va peut-être essayer de faire. Non, mais comment ça, ils vont s'allier. Mais de quoi? Allions-nous tous les trois contre lui. Non, mais pour l'instant, je fais rien. Je suis pas véhément du tout. Diplomatique. Je te regarde partout. Ouais, non, mais ça va, je suis not VMM. Il était un peu mou jusqu'ici, mais je vais me réveiller très vite. Ah, je pense que tu vas prendre un coup de Viagra. Bah ponce. Ouais. En même temps, on dit ça, mais Xari, il a quand même une 2-3 et une 2-2, ce qui fait que même si on commence à être véhément avec lui, il a de quoi quand même nous calmer un peu. Ouais, vrai. Bah, moi, je vois mes 2-2, elles iront pas venir te voir. Quoi. Juste ça. Merci, ça c'est bien. Juste, ça, c'est, voilà. Ça, c'est une bonne idée. Donc, je mets encore un terrain qui arrive engagé. Ouais. C'est le paysage donc, voilà, qui me fait faire un terrain que je veux. Tout c'est simplement. Bien, celui-là. Non, c'est l'inverse. C'est un terrain. Un terrain incolore, mais tu peux sacrifier. Ah, un color, quoi. Tu peux sacrifier pour un chercher. Un color. Tu as une croissance avec ça. Et puis là-dessus, ce qui va être absolument énorme, c'est que je vais tout simplement colle. Non. Pas déjà. Si je vais quand même faire un truc. Ah. Pas colle la fin de tour. Je suis pas loin de la feinte, mais je vais juste hop engager donc en tout trois terrains pour mettre la Majesté colossale qui est un enchantement. Non. Enchantement. Au début de mon entretien, si jamais je crois que c'est ça. Hein, si jamais j'ai une créature. Ah oui. Voilà. De force supérieure ou égale à 4, je pioche une carte. Voilà. C'est posé. Ce qui donc n'est pas le cas pour le moment. Non. Mais c'est posé. C'est là. C'est posé. Très bien. C'est posé. Faut que je t'en donne une. C'est genre. Alors et attends. C'est ta. Quoi? Peut-être que tu as une aversion. T'as envie que j'attaque? Non, pas forcément, mais. Mais t'as envie. T'aimerais bien je que j'attaque. Pas, je trouve qu'il y a... T'aimerais bien que j'attaque, il par exemple. Facile, mais en même par temps... exemple, là, j'attaque Max, tu vois, par exemple, avec ma 2-2 qui a la vigilance. Max, bravo, t'es trop fort. Avec merci, ma 2-2 qui a la vigilance. Ok, je Max. Je perds 2 PV. Ah oui. Max, c'est ta vigilance. 24. Pas qu'elle a vigilance. Allez, Max. Max, qui c'est le moment où tu lances. T'as pioché ou pas? J'ai pas pioché. C'est trop, il me frappe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon, j'ai pas pioché. Alors. C'est moi. Si vous avez la VAR, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai... Ah, t'as commencé à dégager. Oui, parce que maintenant tu te dégages avant de piocher. Regardez, Max, oui. Step up. Il a appris de ses erreurs. tous les gens de Magic étaient en mode Max, brûlure de mana. Sur YouTube, ça faisait. Ça, c'était infect hein, en tournoi. Brûlure de mana. Pour deux. Ah, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Si, pour deux. Attends, pour deux. Voir, ta meuf, elle coûte combien? Trois. Elle coûte 3. Ta meuf coûte 3? Oui. Pas cher. Pour mais deux, du coup, elle est un peu moins forte. Je vais jouer ce rituel. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un enchantement. Oui, d'accord. Bah, vous étiez en train de vous set up. J'ai rien devant moi, les gars. Au bout d'un moment, ça peut être dans la main. Bah, un sacrifice en jeu. Tu vois, ça fait tampon. Alors, c'est en là vrai, où c'est bien joué. Ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est dans l'ordre du tour. Ça veut dire que c'est donc d'abord lui. Ah non, c'est chaque adversaire. Donc d'abord moi qui vais dire ce que je sacrifie, puis toi, et on sacrifie dans le temps. Vas-y. Moi, bah, je vais, en fait, bah, comme je vais sacrifier mon cerf pour faire autre chose, je ne peux pas le sacrifier aussi pour ça. Donc bah, je vais devoir sacrifier ma sauveteuse et ça me broie un peu les couilles. Les raisins, couilles, voilà. c'est les couilles que tu cherchais. Ce sera ça. Ok, moi j'hésite en fait. Je me dis, est-ce que je sacrifie ça parce que c'est un enchantement de merde? Enfin, pas de merde, mais bon, il peut comboter. Ou est-ce que je sacrifie ça? Mais c'est un peu con quoi, de sacrifier un truc mieux. Et bah, tu as 10 secondes pour réfléchir pendant que Ponce va peut-être nous dire. Parce que lui va sacrifier à lui aussi en PLS là. Qu'est-ce que je fais? En fait, je serais tenté par sacrifier la même créature que toi dans l'idée, parce que bon, c'est une 2-2 vigilance, pas non plus insane, mais c'est cool.
truc, c'est que ça, pour le moment, ça m'est complètement inutile, mais ça me serait utile un jour. Et si ça m'est utile un jour, c'est quand même de la pioche, donc c'est insane en soi. Et cette carte, ça reste une 2-3 qui est posée là, qui est bien, et son effet qui me permet de créer un jeton qui est une copie d'une carte d'une créature ciblée. Vrai, ça, fort, dans fait. Votre cimetière, c'est fort, tu vois. De toute façon, donc, quand il y a ça là, c'est que c'est fort. Et si il faut faire un choix, c'est fort. Sachant que c'est une des rares cartes noires qui peut arriver à gérer les enchantements. Ouais. Franchement, je vais kick ça. En vrai, je pense que je vais kick ça parce que je vous révèle le truc. Alors, ça c'était trop un petit lueur de peau, effectivement, une carte qui était apparue à Carnage. Un lueur de peau et retourner face visible, détruisez la créature non noire. Ça coûte 5, frère. Elle ne peut pas c'est être sa mère. Générée. En fait, c'est très tu l'avais gardé, donc tu payais 5, fort, effectivement, hein. C'était un peu cher. Tu tuais une bête, t'as 2-2, passé 2-1, c'était moins bien. Même t'as 2-3, passé 2-1, c'est nul. Par contre, tu piochais aussi une carte. Ouais, mais je comprends. Elle est vraiment très chère, quoi. Allez. Allez. C'est au cimetière. Et allez, notre rancœur, elle est là. Je vais ensuite, d'accord, du coup, là. Pour 3. Ouais, Max. Posez Angie Farrah. Voilà. Ça va s'arrêter complètement là. Oui, pardon, ça dégage. Bref, elle a célérité, si je l'incline, je peux me défausser d'une carte et en piocher une autre. À chaque fois que je me défausse d'une carte, je la dégage. Si elle a la folie. Voilà. Par contre, attends. La carte a la folie. Ok. Je peux faire cycler mon deck à l'infini, quoi. Ou pas l'infini, mais autant que j'ai de la folie. Tu peux effectivement partir là-dessus. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu veux... En fait, en vrai, toutes ces capacités-là, je vous invite à les faire, en tout cas si t'as pas de mana pour les jouer directement, à la fin du tour de votre dernier adversaire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça paraît logique, en fait, bande de bolo. La garder en bloc. C'est bien vu, eh bien. Mets-toi fin un petit dé si tu veux te rappeler. Allez, donc moi, fin de tour, qu'est-ce que je fais? Je m'aperçois, je voulais piocher, je vois que j'ai un dé sur ma bibliothèque, pourquoi? Bien joué de ta part. Eh bien, parce que je voulais sacrifier mon cerf Bruni. Mais tellement intelligent ce mec! Waouh! Wow, allez, chercher donc deux cartes de terrain de base, n'importe lesquelles, mettez-les sur champ de bataille engagé, mais en chef de bibliothèque. Ça va être, on va partir sur du rouge, c'est sûr. Je regarde un peu ma main. Avant. Ouais, double rouge, c'est cool. Est-ce que quand il y a des marqueurs -1/-1, oui, et que tu prolifères, ça passe en 0-0 ou ça passe en -2/-2 ou ça fait rien? En fait, donc c'est toi qui choisis. Si t'as un marqueur -1/-1 sur une bête, tu peux lui dire qu'elle a un autre marqueur -1/-1. Donc elle a deux marqueurs -1/-1. Mais c'est con. Mais non, parce que ça peut être sur une bête adverse. C'est n'importe quoi. Hein. C'est même chez nous. Hein. Mais quand il y a une carte qui dit proliférer, oui, c'est je prolifère sur ce que tu veux. Choisissez n'importe quel permanent et deux joueurs. Ah, la prolifération, c'est sur ce que tu veux. Ah, je peux proliférer tout le board si je veux. Ouais, tout le board, si t'as des -1 partout. Si je mets. Par exemple, toi, t'as des +1, lui, t'as -1, lui, des -1. Tu dis, toi, je te prolifère pas, toi, je te mets. Ah ouais. Oui, j'ai un peu le contrôle de vos vies. Bande de merde, j'ai le contrôle de vos marques. On est dans la merde. Attends, il augmente les marqueurs, donc même les -1, il les augmente. Deviennent en -2, quoi. Ouais. Si c'est fort. Oui, okay. Bah après, gros, il faut à les moi. Mettre d'abord. À moi. Oui, vas-y. Donc je pioche. Ah ouais. Ah ouais, gars. Alors. Oh, gars, il faut tuer cette 1-3. Non, mais en vrai... gros, j'ai 24 points de vie, vous êtes sérieux là? Le focus. Les focus sont pas bons, Kevin. les points de vie. Ok, alors. Il y a des créatures qui font 20 dégâts, gros. Donc, messieurs, dames, je vais commencer par poser. Pas dans ma main, en tout cas. Pour 2 rouges et 2 bleus. You'll see. Une carte qui s'appelle Dracon Crépitant. Oh là, oui, lui, il est ça fort. Ça va, c'est un lui, dracon, c'est même pas un dragon. Oui, on le connaît. Oui, à chaque fois que tu fais un sort, il gagne des. Déjà, voilà, il a 4 en endurance, il a une force qui est égale au nombre de cartes d'éphémères rituels que vous possédez en exil et dans votre cimetière, j'en ai 0. Ça va, oui, tranquille. Oui, mais attends, 0-4. Okay. Quand il arrive sur champ de bataille, il pioche une carte. Ça, c'est cadeau. Pas mal, 5. Ça, c'est cette fait, carte, ça. Elle est trop forte là. Ouais, c'est une bonne carte. Et ensuite. Surtout que toi, t'as plein de sorts. Et ensuite, je vais mettre un extorqueur des quais. Mais non ! Quand il arrive sur champ, donc avec un rouge que j'ai créé avec ma tour de commandement et un blanc, et quand il arrive sur champ de bataille, crée X jetons trésor, X étant le nombre d'artefacts et d'enchantements que vos adversaires contrôlent. Donc j'ai 1, 2, 3. 3. On va faire un effort. 3, c'est déjà bien. 3 trésors. Les trésors, c'est pas grand-chose. Ouf. C'est juste là-dedans, je pense. C'est juste du mana, quoi. Et bien, des pétales de lotus. En vrai, c'est trop bien. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc, ce sont des petits... Mais ça fait quoi? Ce sont des cartes en fait que je peux sacrifier, des tokens que je peux sacrifier pour ajouter un mana de la couleur que je veux à ma réserve. Oui, c'est pas bien. Pendant un tour, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est quand même pas mal. Ça permet d'aller jouer des gros trucs. C'est une belle innervation, c'est quoi. Très mauvais, ça n'amène aucune haine. Donc on a 3 trésors de mon côté. La mana que tu veux, donc la couleur que tu veux. Oui. Donc tu peux faire ça en fait. Non, ça coûte 5. Ah oui, merde, j'avais pas vu. Et du coup, est-ce que je rejoue quelque chose juste derrière? C'est quand même pas mal, hein.
Est-ce que je rajoute quelque chose juste derrière? Est-ce que j'ai envie de sacrifier mes trésors maintenant? Eh bien non, je garde mes trésors, je garde mon petit butin, et je colle une fin de tour. Ok, à moi, je pioche. Alors, je vais... je vais faire le truc là, de mon mec. Ouais. Donc, je vais mettre une mue. Ça c'est gratuit, il pioche une carte, pioche. C'est très fort. Je vous l'ai fait. Ça c'est quoi? C'est un artefact jeton. Okay. Quelqu'un a priori aurait fait des doigts d'honneur à certaines personnes. J'ai vu ça. Je pense qu'ils ont dit, il vient de juste de faire un fuck à chaque joueur. Je pense que c'est toi, j'imagine. Ah, je crois que c'était des gens qui avaient fait des doigts d'honneur en mode malpoli. Non, je pense pas. Ils se tapent des gros fuck. Alors. Kalina pas géré, c'est magnifique. C'est toi Olivier quand t'as pointé le board. Ah bon? Ah tu mon allié. Ah moi je suis l'allié de tout le monde tant que. Il y a des personnes surtout. En fait en gros je. Il y a pas d'allié dans ce jeu. Tout à l'heure j'ai attaqué des gens parce qu'ils n'auraient pas de bête et que c'était bête de pas leur faire perdre de points de vie. Maintenant moi je pense que le plus sérieux autour de notre table c'est Xary. Non mais quel enculé. Voilà, je le balance comme ça. Il a du cas d'avantage à ne plus savoir qu'en faire. Quel bâtard. Jamais vu ça. Voilà je dis ça. Pour 3 je joue culture. Je cherche dans mon bibliothèque 2 cartes de terrain de base. Oh là 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 là, il va être gros, il va être très très gros. Ah, putain, il est gros. J'ai pas comme ça, c'est ça. J'ai pas la main assez grosse pour l'obésité. Ah, c'est les deux que je veux. C'est pas les mêmes forcément. Je vais prendre. Si, culture. Tu fais culture. Ouais. C'est pas forcément les mêmes. Ça. Ouais, enfin c'est ce que tu veux. Jusqu'à dans votre. Je cherche dans la bibliothèque jusqu'à 2 terrains de base. Une île du si coup. Si tu veux. Révélez-les, mettez-en une sur champ de bataille engagée et l'autre dans votre main. Ça rampe, ça c'est rampe. C'est bizarre, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, perso, quand on joue à 4, on a fixé une règle pour ne pas s'acharner sur une seule personne qui se développe mal. Chaque joueur ne peut attaquer que le joueur à sa droite. Ça s'appelle un chasseur proie. Mais au final, c'est sympa. En fait, j'aime bien quand on joue à 3, notamment, qui est une très mauvaise... C'est la poursuite. Mais c'est moins fun que le côté diplomatique... que peut avoir une partie commandeur. Au final, c'est bizarre. C'est-à-dire que moi, si je veux attaquer, c'est forcément Xary. C'est quand même super. C'est un peu contraignant non, quoi, fait, de savoir. En fait, ça évite. On est... Attends, juste. On là, focus sur un je fais joueur, culture, mais ça... j'ai pas landé dans ce terrain, donc je peux quand même. Non, lander, non, bien sûr, bien sûr. Donc, okay. C'est gratuit. Je fais ça. C'est gratuit. En gros, si tu joues qu'avec des connards, t'es obligé de jouer comme ça. Ok, donc là, il vient de traiter tes potes de connards. Exactement. Exactement. C'est ce que j'ai sous-entendu. Il y a aussi une autre variante, c'est on attaque toujours le joueur qui a le plus de points de vie. Bah, merci, c'est pas moi, quoi. C'est. Mais c'est pas le cas. Enfin, parce à que toi, Ponce fait. C'est très bien que les points de vie à Magic reflètent pas forcément. Bah non, c'est les clair. Points de vie sont que. Attends, parce qu'il a rien, dit. Hein, mais... Non, j'ai dit, je joue ça. Si, il a dit. Il a joué épouvant culteur. Je sais pas trop ce que c'est. Déjà, quand on joue de garde comme ça, on la ramène quand pas. Quand je peux mettre un. Je peux lander une fois de plus. Quand tu l'engages, d'accord. Quand il dit engagé, vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de terrain dans votre main ou renvoyer sur champ de bataille engagé une carte de terrain ciblée de votre cimetière. Et t'as déjà ton paysage, donc il peut en plus refaire du tir d'avantage. Oh, bon. Ignoble ce que tu c'est juste que j'ai joué ça parce que je pouvais jouer. Hein. Après, vous pouvez faire comme le dit un mec dans le chat qui dit sinon, vous faites juste la règle qui dit on peut pas attaquer le mec qui a le moins de points de vie. Ah oui, aussi ça. Voilà. Bref, faites ce que vous voulez. De toute façon, ça, ce sont des. Ah non, mais on va pas le faire oui, nous. Max c'est jamais qu'un chat. Le courrier. Oui bien sûr, Max. Oui, Max. Bon. J'y suis. Qu'est-ce que je disais, moi? J'y suis. Oui, de toute façon, les variantes multijoueurs, il y en a plein. Quand on joue à 6, on peut faire aussi un empereur, où en gros, on a un mec qui peut attaquer, grosso modo, de ce côté-là, et les deux qui vont être ses vassaux et qui vont s'attaquer entre eux. Bon, bref, il y a plein de variantes. Il y a du pentacle, où on attaque uniquement les deux qui sont en face. Ouf. Calme-toi, Molo. Rockefeller, là. Rockefeller. On a évidemment détrôné. Quand on dit au début du combat, c'est au début de la phase de combat, ou c'est quand cette carte... Attaque. C'est un truc qui est dans ta main? C'est un truc que j'ai vu. Que dit exactement? Il y a marqué au début du combat. C'est marqué au début du combat, faites quelque chose. Et bah si c'est... En gros, ma question c'est, est-ce que si je la pose et que j'attaque avec d'autres cartes, est-ce que c'est quand même le combat? Oui. Et ça marche pour elle du coup? Ou alors, il faut que j'attaque avec elle? Non, c'est au début du combat, c'est même si elle attaque pas. C'est bizarre, ce serait écrit au début de la phase de combat. Il n'y a pas de phase à Magic, je crois, non? Si. Non mais est-ce qu'on dit phase? Ah ouais, si. Posé... Je ne peux pas te montrer la carte parce que. Non, mais quand elle arrivera, tu me diras, mais en fait, elle n'a pas besoin d'attaquer pour. Oui, elle n'a pas besoin d'attaquer, mais ce que je veux dire, c'est si je la pose et que dans le tour. Donc en gros, je la pose. Tu la poses. J'attaque. Phase principale.
Tu rentres dans l'étape de combat, tu fais son effet. Okay. L'âme de Zendika oui, sur Avatar. On voilà, 6 avec portée, donc c'est-à-dire que je peux bloquer. Oubliez ce que j'ai dit sur Xari, on fonce tous sur Ponce. Et pour 5, je peux créer un jeton de créature 3-3 vers bête et je peux l'exiler depuis mon cimetière. Même dans son aussi, cimetière, même dans mon cimetière, bête, c'est ça. D'accord. Et donc ça active portée. Mais Pompon, tu peux pas faire ça. Je suis obligé, mec, j'ai envie d'attaquer. Et à partir de maintenant aussi, ça active mon enchantement pour le prochain tour qui va me faire piocher, etc. Ouais. Tu peux pas faire ça, Pompon. Bah, c'est pour template de ma part. Je colle une fin de tour là-dessus, drop le card. Ok. Alors. Non, ça me. Si, tu peux faire ça. Oui, mais j'ai pas de mana, donc ça va pas me. Si tu peux. En fait, tu peux défausser une carte qui est pas très bonne dans ta main pour pouvoir en piocher une autre. Ouais, en gros, ça sique ton deck, c'est pas mal, quoi. C'est vrai. Peut-être qu'il y a des cartes qui sont sympas aussi. Pas trop réfléchi. Ouais. Début du combat, c'est au début de la phase de combat, tout à fait. Alors, si c'est pas marqué au début du combat, pendant votre tour, tu peux faire l'effet pendant le combat des adversaires. Oui. C'est marqué au début du combat, blablabla. Ok, ok. Bon, ça a l'air correct. Attends. Je sais pas ce que fait ta carte, mais si c'est. Si c'est fort, on va te focus. Elle est là encore pour l'instant, mais. Je l'ai tu vu. Tu l'as vu avec culture, c'est ça enfin, quand non, j'ai regardé, j'étais en mode c'est quoi ce truc parce voilà, que ça m'a l'air ça, fort. Ça, c'est à chier, par exemple. Hop. Je jeté ça. Et du coup, j'en pioche une. C'est ça ouais, ouais, c'est ça. Donc là, c'est avant en fait, son tour. T'es à la fin de tour de Ponce. Ouais. Et du coup, tu dégages tout. C'est à mon tour. Et tu repioches. Okay. Ah, ok, tu effectivement, pour cycler avant la fin du tour, c'est pas mal. Pardon, excusez-moi. It's not bad, it's not bad at all. Et là, je pioche. Ouais. Merveilleux. Ouh, je la connais, elle. Alors. Ouh, je la connais. Alors, qu'est-ce qui s'est défaussé? Parce que c'est quand même une mythique, donc je pense que c'était peut-être pas si nul que ça. Pour 7, exiler jusqu'à 5 cartes de créatures ciblées depuis des cimetières. Un adversaire sépare ses cartes en deux tas. Mettez sur champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes du tas de votre choix et mettez le reste dans le cimetière de votre propriétaire. C'était pas nul, mec. Oui, mais jusque là, pour le moment, je. Pour le moment, c'est peut-être pas en ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'il peut récupérer les cartes? J'espérais mieux. Voilà. Et t'as eu mieux? Moi, je pense que ça veut dire qu'il a une main de porc. Ça, je dirais. C'est pas mal. C'est vrai que s'il sacrifie ça, c'est qu'il va avoir une si bonne ça, main. Si ça, c'est de la merde. Je suis à deux doigts de. de bouillir. De juste mettre en alliance moi, avec Max. Moi, je focus Max à partir de maintenant. ouais, après, lui, il a une 6-6 qui rigole zéro. Donc. Après, attention, parce que là, je sens le tour. Attends, moi, je mets des artefacts qui font. Calmez-vous. Je sens le tour d'Olivier où il a. Olivier, dans un premier temps, je vais me défausser d'une carte si vous voulez bien. Encore ? Ah oui, ouais. Maintenant, c'est lui. Du coup, je vais me défausser de 7 cartes et je vais payer son coup de folie. Aïe, il y en a un qui va prendre cher. Et du coup, je vais la poser sur le terrain. Quand le chasseur de gros gibier arrive sur le champ de bataille, détruisez la créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Et là, mec, ce que tu as dit tout à l'heure. Et elle ne peut pas être régénérée. Ouais. En mode, je vais focus. Là, il y a ça boule. Regarde. Bah non, il va devenir tout rouge. Non, mais en vrai, c'est le seul qui c'est peut être régénéré. Je suis obligé, frère. Par contre, pour un, il te baisse. Et vu qu'elle avait la. Attends, non. Elle avait la folie, tu la dégages. Vu qu'elle avait la folie, je la redégage et je pioche aussi. Parce que j'ai défaussé cette carte. Attends, tu viens de me tuer ma 6-6 pour un de mana. Ouais. Franchement, on va bien te faire foutre. Je suis désolé, mec. Mais non, mais à toi de dire. Oui, mais tu peux après depuis le cimetière remettre un token, donc quand même. Oui, non, mais je sais, mais enfin bon. Merci. Voilà. Yes. Vous voyez que la folie permet de mettre des choses qui coûtent vraiment pas cher, et c'est pour ça que ce commandant-là, évidemment, dans son jeu, c'est. Très bien. Ensuite, je vais du coup sacrifier cette carte-ci. Un rituel, la salutation de l'alchimiste. Je vais payer son coup de folie du coup. Hop là, on va payer celle-ci. Oui, donc Max, là, il est en combo. Pour 2, j'inflige 4 blessures à la créature ciblée. Je vais cibler elle. Un bon gars, ça! Là, c'est mon poulain. Mais oui, mais d'ailleurs, je compte sur toi pour pas être une pute. Hein. Bah attends, mais pourquoi t'as tué son gars à la folie? Je pioche. On est pas alliés là. Et son dracon là? Et ça va, il est 0-4. Ça, c'est plus fort que son dragon. Ah oui. 0-4. Non. Donc pour le moment, j'ai vraiment, honnêtement, c'est pas spécifiquement contre vous, c'est juste j'ai ciblé les trucs les plus forts. Max, ne te justifie pas, on va juste te pulvériser. Très bien. Je suis désolé, je viens de piocher, je dois lire cette carte. Ouais, ça peut partir en combo, il avait rien, Max. Et... Petite question pour toi, Ouh, Olivier. Sympa, ouais. Les decks commandeurs sont des decks spéciaux ou pas? Est-ce qu'on peut les créer avec toutes les cartes depuis le début de Magic? Donc, ça, ce sont des decks préconstruits. Donc, ça veut dire que ce sera dommage d'aller les prendre un par un parce qu'ils sont déjà faits et ils ont des cartes qui sont exclusives à ces decks-là. Mais, je ne sais pas en fait quelle était ta question. Si c'était juste, est-ce que je veux faire exactement ces decks-là, autant les acheter directement, ces decks, ce sera moins cher. Si par contre, c'est le commandeur de manière générale, évidemment que le but de ce format-là, c'est de dire je peux mettre
quasiment toutes les cartes de Magic à quelqu'un qui sont bannies. Donc je vais chercher dans mes classeurs des gros trucs, des machins, etc. C'est un super format multijoueur qui promet des soirées endiablées. En vrai, ça fait déjà. Elle n'est pas dans le cimetière ? Non, elle n'est pas. Non, elle est dans la zone de commandement. Ah, okay. Donc tu peux la rejouer pour deux de plus. J'ai pas le droit. Mais du coup, ça, c'est des préconstruits. Et mais si on veut faire un deck commander soi, on peut utiliser n'importe quelle carte Magic. Ouais. Tu prends 100 cartes. Depuis 93. Donc il faut. Ouais. Tu peux respecter. Aller à 30 près okay. qui sont bannis. Bon, vous allez taper banlist commander sur internet, vous allez trouver la banlist, et qui est logique, hein, juste on évite de jouer des trucs qui sont trop forts. Je joue le façonneur de peste pour 3. Quand le façonneur de peste arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature ou un planeswalker. Chaque joueur qui ne peut pas se défausse d'une carte. Du coup, je vais défausser mon gros gibier. On est pas mal là-dessus. Ah, et du coup, on est d'accord que si j'avais encore un noir. Non. Je pourrais la. Non, parce que défausser cette putain de main. D'accord. Moi, je vais virer mon extorqueur des quais, hein, qui a fait son taf de pirate. C'est quoi, si on sacrifie quoi, une créature ? Chacun sacrifie une créature. Je suis juste dégoûté. C'est une fin de tour pour moi. Attends, on va voir. Désolé, j'ai été un peu long. Bah, t'étais un peu chiant. En fait, le truc, c'est que je pioche pas mal. T'inquiète, je peux en relire. En même temps, tu m'as juste fait clean, en fait. Tu m'as juste clean mes cartes, quoi. C'est insane. J'attends juste que. Alors, Xari, a priori, se défausse. Ah, voilà, il l'a viré. Enfin, se défausse. Sacrifie. Lave-main, plume glace, qui est une 2-2 pour 2 et qui avait le vol. Et quand il était retourné face visible, il pouvait renvoyer une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Voilà. Très bien, excellent. Génial. À moi. Parfait. J'ai dégagé, je n'ai pas pioché. Je pioche. Je pose un terrain. Si je jouais ma merguez, alors prenez toutes les blessures qui devraient être infligées à Sylvie. Il a 11 mana là. Et à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère de rituel depuis votre cimetière, il faut quand même que je joue depuis le cimetière. Pour l'instant, en fait, j'ai un jeu qui est pas mal, mais qui ne fait pas ce qu'il. C'est parce que t'as pas de sort. Exactement. Bon, j'en ai 3 en main quand même. Ouais. Bon, quand tu vas en avoir, tu vas pouvoir utiliser 11 mana, fais 11 sorts, 11-4. Bon, je mets un petit dragon, voilà, c'est pas méchant. Vous noterez que j'ai fait perdre 2 points de vie à personne. Enfin bon, je préfère perdre des points de vie que mon board. Hein, mais bon. Attends, il a mis 4-4. Oui, moi aussi, je. Alors, c'est un escouffant fer des vents contraires. 4-4 vol à chaque fois qu'il attaque. Chaque carte d'éphémère de rituel de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le flashback est égal à son coût. Mana, pour l'instant, je n'ai encore pas de carte. Ouais, non, mais c'est... d'accord, mais 4-4. Là, tu vois, par exemple, j'aurais peut-être pété celle-là. Et il avait pas ça. Parce que là, l'enfer, c'est que ça combotte les deux, en fait. C'est juste insupportable. Oui, c'est. Mais en fait, c'est en train de me gonfler, en fait, là, ton deck. Et d'ailleurs, je pense qu'avant ça, j'aurais peut-être dû jouer ça. Trop tard. Ouais. Bon, après, il y aurait 6 mana. Hein. Yo. Ok, il y a qui a des trucs comme bête Attends, tu veux l'envoyer au cimetière ou pas? Parce que tout le chat est en mode, mais peut-être qu'il voulait vraiment l'envoyer au cimetière, là. Oui, tu as le droit de le faire, mais c'est. Okay. Enfin, il y a très peu d'intérêt. Est-ce que tu veux mettre les cartes qui permettent de remettre dans le. Oui, c'était ça. Non, mais non, j'ai pas ça. Mais oui. C'est juste savoir est-ce que c'est dans le cimetière, mais je peux quand même la rejouer pour. Ok. Oui, c'est dans la zone de commande. Par contre, pour la rejouer, c'est 2 de plus. Oui, on sait. Ah, mais du coup, c'est nul de faire ça. C'est un peu naze de faire ça. Je le fais pas. Donc, dans mon cimetière, j'ai toujours 0 éphémère ou rituel. Donc, c'est une 0-4. Et du coup, c'est une fin de tour. Ok, à moi. Oh, ça casse les couilles. Là. Hop. Moi, vous pouvez y aller. Hein. J'écarte les jambes. Mettez-y tout ce que vous voulez. J'ai aucun terrain et aucune créature. Donc, potentiellement, je suis votre petite pute, hein, comme on pourrait dire. Alors, je vais attaquer. Je suis ta petite salope, Xari. Je vais t'attaquer toi parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir défendre. C'est 1. C'est bien joué de ta part. Non, capacité. Mais c'est bien joué de ta part, je retiens. Là, on serre pas les mains, là. Hein. Ok, très bien. Ouais, très et bien. Je récupère ça, du coup. Bon, ça a pris 1. Et du coup, effectivement, il a pu. Ouais, c'est un peu. Il y a un peu de reflet, c'est pas grave. Donc, t'es quoi, t'as fait sa deuxième capacité, c'est ça, qui permettait de mettre sur champ de bataille. Ça, et tu l'as posé. Bah, c'est. Ah, oui, non, ça, tu l'as remis dans ta main, tu l'as reposé. Donc, t'as pas proposé d'autres terrains sourcils, ça, je voulais savoir. Non, okay. Encore. Et ok. Est-ce que tu as autre chose à faire? Non. C'est ça qui est un peu chiant. Putain, il a 16 mana, il peut rien faire. Et donc, j'y crois tu pas. Peux, si tu veux. Il garde des trucs. Xari. Ah non, je rejouer ton commandant pour 2 de plus que le nombre de fois où il a déjà été joué. Enfin, j'ai rien avec. Il va juste se faire détruire. J'ai rien qui combatte, j'ai pas de mu dans ma main. Donc ça sert à rien de pourquoi le faire. Il va se faire détruire. Bah, il. Oui, si non, il est sur le terrain, il va se faire détruire, il va coûter 2 de fois. Et ça sert à rien que je joue tant que j'ai pas de mu dans ma main. Ouais. Ça sert à rien. Je vais te rassurer, j'ai pas des destructeurs de monstres oui, x12. Hein. En vrai, ça ne sert à rien si je peux pas utiliser direct sa capacité. C'est juste.
risqué qu'elle meure, quoi. Bah, c'est, il a pas tort, c'est-à-dire qu'il va pas la poser maintenant pour rien. En fait, oui, mais du coup, t'as tout ce mana inexploité, quoi. Tu sais pas ce qu'il a dans la main, en fait, il a un éphémère. S'il la pose maintenant et qu'au tour d'après, il pioche une mue et qu'il repioche une mue, ouais, il peut faire un meilleur tour que juste j'ai payé 6 et je joue un truc. Oui, mais en même temps, là, il y a. Le problème depuis tout à l'heure, Xari, c'est qu'en fait, il a pu jouer des trucs avec la mue, mais il avait pas assez de mana pour les démuer. Ouais, ouais. Là, si tu la joues maintenant et que tu as une carte avec la mue, tu pourras la démuer direct. Le problème, c'est qu'il y a 3 joueurs qui vont jouer après lui. Mais on a aussi d'autres menaces à gérer. Attends. Là, Rofelos, s'il a du 4-4. Je pioche. Et je peux pas piocher. J'ai rien dans ma main qui a mue. C'est ça que je dis. Ah. Oui, mais ça peut être juste là, en fait. Tu vas juste le piocher au tour d'après. Et... C'est au tour d'après. Mais tu veux que je te dise ou pas? Je regarde, je te dis. Qui comprend pas. À toi d'évaluer les risques, mon bon Xari. Bah, le problème, c'est que si je me la refais tuer, elle va coûter 7. Quoi. Donc, en fait, je veux pas te forcer dans le sens 8, où, si par malheur, 8. Je repioche un truc pour la fumer, que tu sois deck si je la tue. Tu vas fumer autre chose quand même. Je pensais que tu remettais depuis le terrain, depuis ça, dans ta main. Mais en fait, si tu as un autre terrain en main, tu peux le jouer. Parce que du coup, ça, tu l'as fait gratuitement, on va dire. Si tu as un autre terrain en main, tu peux le jouer. Xari, est-ce que tu as une main de merde? Bah là oui, j'ai une bonne main. Est-ce que tu veux que je te mette méga bien? Mais non, le but c'est pas qu'on se suce. Mais c'est juste que. Moi je veux bien que tu me mettes méga bien. Moi j'aurais dit oui. Ça va, je t'ai pas touché depuis le début de la game. Tu m'autorises à serrer des mains un peu ailleurs. Quel souci? Vraiment, tu fais moi des infidélités, y a pas. Ouais, bon, bah je vais rejouer ça, mais bon, je pense que c'est bien. C'est quand même risqué de fou, quoi. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'elle va coûter tellement cher après. Je pense que je vais la détruire là. Dès que c'est à moi de jouer, j'ai une carte dans la main pour la gérer. Tu la payes pour 2 de plus, donc 6. Bah c'est bon. 2, ce qu'il a 4, fait. 5, 6, non, ça arrive en jeu engagé. Ah oui, mais. Ok. Waouh. Fin de tour. Ouais. Ok, bah je vais la détruire en fait. Non, c'est pas. C'était marrant. Je dégage tout. En fait, il faut que je pioche un truc bien, quoi. Je dégage tout, je. Ça me gonfle. Il y a beaucoup de mu dans le deck ou pas? Parce que... Oui, normalement, c'est un deck qui a pas. Là, j'ai quand même pas mal de cartes, j'ai quand même 5 cartes. Non, c'est pas une un land face caché. Là, non. N'importe quelle autre carte pour piocher gratos, quoi. Mais pas du tout. Xari, tu peux jouer un land face caché ou n'importe quelle autre carte pour piocher gratos. Absolument pas. Ok, je joue un land face caché. Tac. T'imagines la règle qui ça s'appelle de la triche. Et d'ailleurs, en tournoi, quand vous jouez des mues, eh bien, vous devez révéler à votre adversaire à la fin de la partie qu'il y avait bien une mue en dessous. Et si jamais c'était pas le cas, eh bien, vous avez perdu, tout simplement, parce que c'est interdit. Vous pouvez même vous faire disqualifier. Hop, j'engage. Mais on peut très bien ne pas connaître la règle, il n'y a pas de problème. J'engage 5 pour utiliser cette effet. Tu joues une carte qui est mue, non? C'est genre... Ouais. J'utilise bah, du coup l'effet exilé, ah oui, putain, machin, etc. Oui, c'est cher. Ça fait juste une 3-3 bête. Je peux l'utiliser elle ou fais c'est ce que tu veux, mais est-ce que tu n'as pas envie de mettre ton commandant plutôt? Je crois que tu l'oublies un peu, mais lui, tu l'oublies pas. Et il a mal au cœur. Mais oui, il fait des rhinocéros et tout, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que. Je préfère. Tu préfères mettre une 3-3 ou alors une 2-5 qui ramène une 4-4. Oui, mais. Le truc, c'est que je jouerai que ça. Quoi. C'est un peu comme Xavier. Ouais. C'est-à-dire que je jouerai que ça, quoi. Le truc sera là et voilà, à vous. Non, donc, parce que t'as une autre. Non, il a une capa en plus. Oui, ouais. c'est vrai que ça fait une autre en plus. Allez, vas-y, vous savez quoi, on m'avait chauffé de ouf. Et il a de quoi me la gérer, cet enculé. Mais non, en plus, vraiment. Non, mais tranquille. Alors là, pas moi, oui. Gros, il a 12 mana. La 12 mana. Attends, moi je suis bleu, blanc, rouge, je joue patriote. Non, mais gros. Non, mais arrête. Là, le prochain tour, je vais pas mentir. Il y a un mec qui va prendre une bite. Une bite de dragon. Parce que là, clairement, s'il a des petits sorts à 1, tu peux les rejouer à l'infini en fait. Ouais, mais en fait, je manque de. Je sais pas quoi prendre en jeton. Vous avez pris quoi, vous? Ah, bah non, mais t'as des tokens. Retourne-les. Imaginons, t'as genre 1000 mana. Oui. N'importe quoi. Et t'as une carte dans ton cimetière, c'est genre piocher une carte pour 2, par exemple. Oui. Est-ce que tu peux la jouer? Non, si t'es dans le cimetière, tu flashback. Le flashback, c'est exilé quand tu as fait le flashback. Ah, ok. Sinon, c'est infini. Donc, j'ai joué mon commandant Jirad exilé du conclave. Quand Jirad exilé du conclave arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 4-4 verte rhinocéros avec le piétinement. Ça doit être dans une autre truc. À chaque fois que j'attaque avec cette carte-là, mon commandant, je peuple. Le jeton arrive sur le champ de bataille. En gros, tu refais un rhino. Je t'assure, c'est ce qu'il fallait faire. Et en plus. Non, mais oui, c'est vrai. Comme c'est tu vrai. Mets une 4-4, si on te la laisse jusqu'au prochain tour, tu vas pouvoir piocher 2 cartes. Ça, quel plaisir. Oui. J'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est quoi, c'est une 4-4? C'est une 4-4. Il y a tous les tokens qu'il faut dans le jeu. Parfait. Loisir. Attends, pourquoi j'ai du vert? Ça devait... Ah, mais non, j'ai du noir aussi. Ok. On verra. Est-ce que c'est à Max de jouer? Ouais. C'est une fin de Max, est-ce qu'avant de piocher. Tu as raison. Mais je sais pas si je le fais. Est-ce que c'est des cartes qui sont. Voilà. L'abus. Je me doute bien que le terrain qu'il joue, je parle juste de l'effet de la Sacrature Artefact. Sacrature Artefact, il y a marqué renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de terrain ciblé de votre cimetière. Donc, en plus, celle-ci arrivait quoi qu'il engagé. Donc, bon, doublement engagé, tu
tu ne les taperas jamais. Mais surtout que celle-là, elle est bien, parce que du coup... Oui, bah, ça te fait du CA. Bah, card advantage. Ça me fait du terrain advantage, mais bon, du CA, il faudrait que je pioche quand même des cartes. Parce que là, j'ai beaucoup de terrain, mais j'ai pas de cartes. C'est bizarre que tu aies 1000 cartes en main, pas de terrain, et que tu puisses pas avoir quand même des choses intéressantes. En fait, j'ai des cartes, mais qui là, à l'instant T, ne servent à rien, parce qu'elles jouent avec le cimetière. Personne n'a rien dans le cimetière. Oh, ouais. Des créatures. Ah bon, oui, dès que ça. Moi j'en ai deux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas genre. C'est pas... J'en ai trois. Beaucoup. Bah, j'en ai trois. Trois créatures. Ouais. On peut maybe surrounded. M'enculer. Mais en plus. Non, non, mais en vrai, c'est juste que j'ai des cartes qui là, je me dis, elle est forte, tu vois. Mais si je la pose, je vais me faire baiser ma mère. Et puis j'ai la fameuse carte qui fait piocher et proliférer. Et je suis en mode. C'est pas un rhino. Ah, il a raison. Tu sais quoi, gros? C'est pas un rhino, c'est une bête 4-4, ça dégoûte. Ouais, je comprends. Tiens, mais tiens. Je te pêche un peu, mais ça, on est d'accord que X doit être égal à X. Si par exemple tu dis X égale 4, ça coûte 9. Ça coûte. Oui, voilà. Écoute, je suis un frère, Xari. Attention, je ne touche à rien. On a une petite fellation en direct là. Je ne touche à rien chez personne. Bah, du coup, dis-moi alors. Ah, parce qu'il pouvait me baiser ma mère. Parce que je pourrais t'enculer de ouf. Mais non, je ne ferai pas ça. Je vais simplement dépenser 4 mana. Oh, j'ai une carte. Si un joueur dépense 4 mana, il perd la partie. Je vais poser le Simulacre Solennel. Ah oui. Quand le Simulacre Solennel arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher une carte de terrain de base. Non, c'est juste bien pour lui, mais c'est pas... Voilà. Dans une bibliothèque. Et vous la posez sur le champ de bataille engagé. Et si vous le tuez, je piocherai une carte. C'est une carte qui fait du pire avantage, mais c'est... C'est correct. Ça va pas nous faire grand mal. C'est quand même une 2-2 qui a... Ouais, t'es en base, hein. Ouais. Vous les avez trouvés où, les rhinos, là? Fallait chercher un peu mieux dans les tokens. Ah, mais ils sont là, pas les tokens, je les avais pas. Tiens, parce que tu... Non, vois, je les ai... en créer, ouais, pas mal. Je vais en créer juste des millions. Il y en a pas. C'est un... Ouais. Ça retourne-les, d'accord. Retourne. Ah. C'est un recto verso. Ok, super. C'est Tu prends un dé, tu mettras 2. Mais au pire, prends ça. Est-ce que j'attaque? C'est plus fort. Oui, comment ça être fort? C'est plus fort. Un token un peu plus fort. Moi, en fait, le truc, c'est que je me fais baiser parce que j'ai deux cartes que t'as l'impression que j'ai un board, mais en fait, non. C'est qu'en fait, là, si j'attaque Xari, il va forcément prendre 3 dégâts dans la gueule parce qu'il aura pas envie de perdre son commandeur. Ouais, je vais prendre, t'inquiète, hein. Vas-y, baise-moi. Mais en fait, il y a que toi que je peux attaquer, gros. Tous les autres peuvent se défendre. Non, mais vas-y, mais attaque-moi. Donc, je vais t'attaquer avec le façonneur de peste. Vas-y, façonneur. J'ai une 3-2. Est-ce que tu veux bloquer avec ta 3-3? Ça me paraît très intelligent. Ah non, ah, très bien. S'il a un boost, il me baise. Voilà. Non, mais même sans ça, ta 3-2 de mort, elle a déjà fait son effet. Toi, t'as une 3-3 qui rend forte. Jamais tu bloques. Ah non, mais je croyais que c'était une 2-2. Mais non. Moi, je viens. Donc, Xari passe à 23. Parfait. C'est une fin de tour pour moi. Ok. Allez, moi. Alors là. Alors. Là, préparez-vous. Parce que le mec a 13 mana là. J'ai vraiment pas grand-chose. Mais il ferme. Je vais juste faire chier l'un d'entre vous. Et c'est pas forcément celui à qui vous pensez. Alors. Yes. Yes. Donc, c'est Max. Je vais. Bah, pas forcément, gros. J'ai... Mettre un mur d'identité volée. Non, c'est un mur. Pour 4, vous pouvez faire qu'il arrive sur champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur champ de bataille, excepté que c'est un mur en plus de ses autres types et qu'il a le défenseur. Donc, il ne pourra pas attaquer. Quand vous faites ainsi, engagez la créature copiée et elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur tant que vous contrôlez le mur d'identité volée. Mais c'est fort. À votre avis, quelle identité je vais voler? Bah, ça. Il a raison, bah oui, Ponce, je vais mettre 7-2-5. Ah oui, c'est quand il attaque. Puisqu'en... Alors, en fait, c'est pas terrible, parce que du coup, je pourrais pas attaquer avec. Ouais. Mais ça l'empêche, lui, d'attaquer. C'est et quand en vrai, il attaque que ça... Non, mais en vrai, c'est pas sur ça. C'est qu'en fait, quand elle arrive en jeu, elle crée une 4-4. Du coup, là, t'as une 4-4. Du coup, j'ai une 4-4. Oui. Ah oui, c'est fumé. Je te prends ton rhinocéros. Attends, c'est quand même le mien, le rhino. Il faut juste une bête. Mais par contre, c'est trop fort ce truc. Et du coup, c'est... Ouais, c'est on n'a pas trouvé de rhino. Ouais, c'est un mur qui copie. C'est-à-dire que c'est une créature qui est genre 15-15. Ouais, la tu dis, j'absorbe ton âme. Mais elle peut pas attaquer non plus. Oui, mais bon, c'est... Ouais, c'est fort, c'est fort. C'est sympa. T'es trop chiant. J'ai vraiment cru que t'allais m'enculer, gros. Bah, en fait, en vrai, j'ai fait ça sur ça. C'était pénible. Oui, parce que lui. J'aurais pu aussi faire ça sur Simulacre. En vrai, moi, ça aurait été très chiant. Enfin, je peux te filer dessus un serpent. Ouais, mets des 4-4, au fond. C'est rien que c'est une 4-4. Ok, donc ça c'est dans un premier temps. Mais... Et dans un second temps, je vais jouer mon commandant. Mais une 4-4 au moins. Ah oui, voilà. On a vu. Voilà, mon commandant qui est juste de 2 pour 5. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Suivant. Ah, je rigole bien sûr. À moi, ou... on prévient toutes les blessures qui devraient être infligées. Ah non, tu vas attaquer, et à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière à chaque tour, je copie ce sort. Bref, là en gros, c'est pas génial parce que j'ai vraiment rien encore. C'est un oui, peu... mais par contre, ça c'est va pas trop mal sorti, mais disons que j'ai pas eu les éphémères. Si genre t'as un sort qui te fait piocher, ça va pouvoir. Ouais, ça va. Aller. Ok, j'ai une 4-4 qui a le vol. On est d'accord, personne ni le vol ni la portée. Non. Que sont les points de vie? 23, 31, 24. Je vais aller sur Ponce, mais j'ai peur qu'il m'aime pas trop après. Oh mais je te hais déjà, mec. Donc on peut y aller. Je vais mettre 4 à Ponce et qui du coup va passer à 27 grâce à mon dragon qui donc ne fera pas son effet parce que j'ai pas d'éphémère au cimetière à toi. Ah, attends. Je suis désolé, mais
Oui. Si ça te dérange pas. Non, mais ça me dérange pas. Voilà, j'ai l'impression que t'as 12 000 créatures alors que t'en as pas tant que ça. Ouais, mais c'est juste... j'essaie de mettre une ligne de front. Pour... Ouais. Trop content d'avoir pioché un truc avec Mu, MDR. Par contre, concernant le nombre de manades. Oui, on a ce qu'il faut là-bas. Je pioche un terrain partout depuis un bon moment. Bon, bah, c'est ouais, vraiment ça, de la merde, vrai. Mais. Je suis ok aussi, hein. Mais bon. Ah mais non, mais c'est à chier quoi. Donc ça c'est une, c'est une quoi une Ah du coup deux c'est, cinq c'est une 2-5 quoi. Ouais. C'est une 2-5. Bah tu peux copier les mecs des autres, c'est infâme. Et tu vas faire tous ces effets. Bah là si j'arrive à attaquer, mais donc j'ai un truc qui dit d'enlever le défenseur, j'en sais rien. Eh bien je pourrais, oui, refaire son effet, c'est une copie, c'est la même. D'accord, faut qu'on s'en occupe quand même, c'est... parce que tu dois avoir un truc qui enlève les défenseurs. En fait, en vrai, si j'ai fait ça, c'est surtout pour avoir une 4-4 gratuite et me dire que si jamais vous gérez ce truc-là, j'ai quand même une 4-4. Et en plus, ça empêche en plus, son effet un peu pénible. T'en fous un peu de la buter, quoi, maintenant qu'elle a fait son truc. Ouais, moi j'ai ma 4-4, je suis content. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je suis dans l'hésitation. J'ai pas de quoi enculer toutes ces créas. Hein, non, mais moi, ça va. Faut m'aider, quoi. Je peux faire des trucs, mais c'est quand même très chiant, quoi. 1, 3, 4, 5, ça me coûte 5. Le truc, vous avez pas de jetons rhino. Non, on a pas de jetons rhino. Bah, en même temps, le fait que ce soit une bête et pas un rhinocéros, je crois, change. Va rien changer dans cette game. Vas-y. Si on a un truc qui cible uniquement les rhinocéros, on verra. Mais... Il y a quand même assez peu. Attends, je peux regarder. Bon, on se réfléchit à ton tour peut-être. Ouais. On s'en gagnera un peu. Désolé. Hein, ça, c'est pas une 4-4. Si, c'est, si, une, c'est 4-4. Une 4-4. C'est juste pas un rhinocéros. Oui, d'accord, d'accord. On s'en fout complètement. Enfin, alors, quand même, là, on s'en fout pas, c'est qu'il a le piétinement. J'oublierai pas que ça, c'est le piétos. Ah, quand même. Oui, ça peut, ça peut changer des calculs. On peut copier les légendaires. Les calculs sont pas bons. Hein. Alors. Donc ça, tu peux pas le buter en plus. Prévenez toutes les blessures. Bah, tu peux le tuer avec détruisez la créature ciblée, mais tu le tueras pas avec avec des blessures. Bon, alors il y a quelqu'un qui va faire un move beau jeu, mais j'ai perdu le game. Ah. Ce qu'Olivier il va faire. Attention. Ok. Mais bon, c'est beau jeu. Alors, ouais, pense... je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit on peut copier les légendaires, oui, ça alors, ne tue pas. Je vais répondre après. Pour 5, je vais jouer ça. Oh là, ça brille. Volrage, en plus Volrage, c'est un boss. Le voleur de forme, il est très fort. 7-5 pour 5. Au début du combat pendant votre tour. Mettez... Ah, tu l'as eu. Mettez un marqueur moins un en fait, moins. En fait, je l'avais en main, mais j'essayais de bait un peu. Franchement, moi, en tant que joueur de poker, tu m'as totalement bait. Au début du combat, donc pendant votre tour, donc c'est forcément pendant ton tour, mettez un marqueur moins un moins un sur jusqu'à une créature ciblée. Donc effectivement, tu peux le mettre sur ça, parce que le marqueur moins un moins ça passe. Et pour un jusqu'à votre prochain tour, lui, il devient une copie d'une créature ciblée. Lui aussi copie. Attention, attention les enfants, lui aussi copie. il est trop vénère. attention les enfants. Ouais, tour, et donc il devient une copie d'une créature ciblée avec un marqueur sur elle, excepté qu'il est 7-5 et qu'il a cette capacité, donc la capacité de repouvoir copier. Donc en gros, moi je peux copier que les mecs qu'on a marqueur. C'est ça. Ok. Bon, donc là, en l'occurrence, il n'y a rien qu'un marqueur, sauf ça. Enfin, je vais passer en phase de combat, entre guillemets, là. Je mets ça. Et ensuite, bah, j'attaque pas, parce que ça sert à rien, je peux pas. Enfin, j'attaque avec ça, mais ça sert à rien, non ? Alors, tu peux techniquement, tu l'as engagé, mais on peut très bien revenir en arrière. Tu peux resacrifier ton terrain et après aller rechercher avec ça. Même après, il faut que t'as rien à faire. Il faut que je joue un truc qui coûte. Non, bah, si t'as des trucs à faire, tu le fais pas. Mais c'est vrai que c'est pas mal, mais je pourrais le faire peut-être plus tard, je sais pas. Mais je te le dis. Ok, donc bah, je fais rien, j'attaque pas. Mais par contre, du coup, je vais faire pour 4. Bah, je vais jouer ça là. Et comme ça, je prolifère sur toi et ça crève. Pas très très sympa ça. Donc du coup, tu payes 4 pour pas payer 3 et 2 points de vie. Ouais, parce donc, que ça, bon. Ça, ok. Tu pioches 2 cartes. Ouais. Et du coup, tu prolifères et tu mets -1/-1 à ma bête. Ok, c'était un beau jeu ou pas? Ouais, c'était un beau jeu, mais tu vas effectivement prendre voilà. Chat dans ta face, je te préviens. Et voilà, et ben maintenant, et juste que j'ai pas pioché de mu parce que j'ai vraiment pas de chat, et ben je peux rien faire. Parce qu'en fait, là, le but c'était piocher. Ouais, avoir piocher une mu et faire. Tu le posais. Ouais, ouais, et ouais. Ben non. Dommage, allez. C'est pas de chance, à toi. Tout ça pour ça, je suis une salope. Je t'as combien de cartes en main, Xavier? Tous mes terrains. J'ai 5 cartes en main avec 2 beaux terrains que je viens de piocher. Je ne détape pas ça du coup. Eh oui, désolé. Je t'emmerde. La violence. Non, mais c'était la bonne réponse. Je peux pas. Je peux rien dire là-dessus. Je peux rien dire là-dessus. Après, j'ai pété son planeswalker. Enfin, son commandant. Xayn ne pouvait pas mettre le -1 sur le mur d'identité et ensuite le copier, ce qui aurait copié la carte de Ponce. Si, mais il mettait pas sa 4-4. Oui, ça sert à rien en fait. La 4-4, c'est quand elle arrive en jeu. Lui, en fait, sinon, le j'aurais mur... pu aussi directement mettre -1 sur le truc de ponce et copier. Mais ah oui, c'est vrai, je pioche une carte de plus dû à mon effet, j'avais oublié. Oui, c'est vrai. Le mur, il arrive en jeu en tant que, donc il peut faire des capacités déclenchées de quand elle arrive en jeu. Par contre, Volrage, il est en jeu et ensuite il se transforme et du coup, il ne proc pas. Et ne... j'ai une question, imaginons. Trigger pas les capacités déclenchées. Vous me les laissez pendant 20 tours, impossible, mais bon, bref, j'ai un -1/-1/-1 partout. Ouais. Est-ce que je peux copier tout le monde et empiler toutes les capacités ou pas?
peux en copier qu'une seule. Tu peux copier qu'une seule fois, je crois. En fait, t'es qu'une copie. Donc tu dis, okay, je copie ça, ça se tu regardes effectivement, j'ai pas. Mais par contre, je peux faire, je copie ça, j'accélère la sérénité, j'attaque. Ouais. Puis après, je copie ça et je fais l'effet. Je peux copier plein de trucs et faire les effets. Là, en vrai, copier. Donc, si t'avais fait ton pari de Tezzeret pour 3 et 2 blessures, tu pouvais le faire, enfin, 2 points de vie. Il te restait 1 mana. Pour 1 mana, tu copiais elle avait la célérité. Il faut qu'il y ait un marqueur. Oui, mais tu mettais, au lieu de péter mon truc de merde, là, tu mettais un truc sur ça. J'ai célérité, mais j'attaque qui? Et t'attaquais Ponce, parce que c'est notre ennemi à tous. Donc je sais pourquoi. Ouais, c'est qu'en fait, tu peux attaquer, mais tu vas bloquer avec ton. Non, mais moi oui, je suis pas l'ennemi. Et lui, je vais pas le bloquer, il va me baiser toutes mes créatures. En vrai, j'avais pas spécialement envie d'attaquer, là. Je vais pas te mentir. Les decks sont toujours en vente, il me semble. Il me semble. Ils sont sortis le 23 août, donc je pense que. Alors, est-ce que t'as un truc qui est plutôt cool, hein. C'est pas simple, mais je vais mettre ça. Je vais mettre la vertu intangible qui est un enchantement. Qui fait que tous mes jetons de créatures ont +1/+1 et la vigilance. Voilà. Donc ça devient une 5-5 piétinement vigilance. On est d'accord que c'était bien que je le calme un petit peu à ce niveau-là. Quoi ? C'est pour ton bien aussi. T'es le boss quand même. Hein. Donc au niveau des copies des créatures légendaires. Pendant un moment, effectivement, si on copiait une créature légendaire, quand il y en avait au moins une sur le champ de bataille, elle était sacrifiée toutes les deux. C'était un petit peu Time Cop. Vous avez vu Time Cop avec Jean-Claude Van Damme ? Bref, il y a deux fois le même mec et. Bon. Oui, j'ai pas des références. Ah, par contre, il y a Jimmy Lehman, si tu veux, qui vient de sortir. Ah oui, Will Smith. Donc, il y avait deux fois le même mec et du coup, ça n'est pas. Et même avant ça, les légendaires, c'était si j'avais une créature légendaire et que quelqu'un posait la même, et ben c'est celui qui avait posé la même qui faisait que du coup, elle était sacrifiée. Donc, c'était infâme. Ensuite, ils ont dit non, mais dès qu'il y en a au moins deux qui ont le même nom, c'est au cimetière. Et depuis un petit moment déjà, en fait, on va regarder uniquement notre terrain. C'est-à-dire que si Ponce. Là, si par exemple j'avais copié mon Planeswalker créature légendaire, j'aurais dû en garder qu'une seule et mettre l'autre au cimetière. Mais là, comme c'est pas sur le même terrain, c'est ok. Voilà. Okay. Alors oui, j'aurais pu copier ma capacité avec ça, mais en fait, moi je voulais piocher parce que je voulais avoir une mue pour pouvoir comboter. Et puis, là, ça coûtait deux, hein. Non, mais au lieu de faire mon truc qui piochait. Ah oui. Mais sauf que je voulais piocher pour avoir une mue parce que elle, je sens qu'elle va die et que je vais me faire enculer. Donc, t'attaques Olivier. Oh, oh, pourquoi moi? Bah, je sais pas. Ok. T'as une 4-4, c'est ça? 5-5. 5-5, ouais, vigilant, tout ça. T'as du mana et tout, genre en backup. Moi, j'ai 2-4 ici, j'ai une 4-4, j'ai une 0-4. Ouais, en vrai. C'est ouf que ça soit 0-4, quand même. Ouais, ça me fait un peu chier. Dans ton deck. Je vais bloquer avec les deux. Donc là, j'ai une 2-5, parce que c'est celle-là. Mm-hmm. J'ai une 4-4, je te dis que je bloque comme ça, c'est à toi de me dire, avant toute chose, avant même de faire des effets, sur laquelle tu vas d'abord mettre les dégâts. Attends, mais tu bloques laquelle? Ah oui, tu bloques elle. Non, elle attaque avec ça. Ah oui, il n'y a que lui. Soit t'as celle-là qu'elle a la vigilance. En gros, c'est soit tu tues elle, soit tu tues elle, quoi, en gros. Je veux juste savoir, déjà, sur qui tu mets, quelle sera la première bête à qui tu mettras les blessures? La 4-4 ou la 2-5? Mais non, en vrai, puisque si j'attaque celle-là et que du coup c'est obligé de passer sur celle-là aussi, je peux. Mais en gros, si t'attaques celle-là, tu vas lui mettre 4 et tu mets 1. Vu qu'il s'en fout. Mais après, ça, c'est une 2-5. Hein. Oui. Celle-là, elle fait plus rien maintenant. Sauf si t'as une carte qui vient si elle l'empêche. Attaquer... Ah, ad vitam aeternam tant qu'elle est là? Quoi? Ah bah, quand vous faites ainsi, engagez la créature copiée, elle ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur tant que vous contrôlez le mur. Mais c'est fou! Ah bah, ton mur, il dégage, frère. Donc. Voilà! Et si lui laisse le choix, c'est fumé, donc ça tu le veux, péter mon mur. Et si tu bloques jamais avec ça et que tu lui mets protection talismanique, t'as gagné quoi. Enfin, t'as un mec qui est. Bah, l'autre il est bloqué. Ouais. Parce que là, genre, t'aurais pu juste me dire je bloque avec ça. Mais non, c'était une 4-4, je te tuais pas ta bête. J'avais pas non, mais attends, gros. Il va peut-être te baiser ta mère. Trésor, hein, frère, vas-y. Ok, donc, mon but c'est de tuer ta bête. En vrai, jamais j'aurais bloqué. Enfin, si je me prenais 5, je m'en fous, je suis tellement long. C'est la pire attitude à avoir en multijoueur. Bref. Je suis tellement en train de vous baiser. Très bien. Les gars. Je crois que nous allons l'enculer. Là, il a fait un peu trop le malin. Voilà, bon. Donc, je bloque avec les deux. Ok, tu dis que d'abord tu vas mettre tes blessures là-dessus. Est-ce que tu as un effet de boost ou quoi que ce soit? Très bien. Il peut le faire en chaîne avec le tien, non? Oui, mais si jamais il fait rien et que moi je fais rien, il peut pas revenir en disant en fait j'ai ça à faire. Ah oui, bien sûr. Sans vouloir vous mettre un peu la pression, il reste en vrai, 45 en minutes. Vrai, quoi? Bah, si on la finit pas, tant pis. Voilà. Oh l'enfer, sérieux? J'ai cru qu'il allait dire en vrai, je vais vous baiser vos mères. Et en vrai, c'est plutôt 40 puisqu'il faut en avant. Donc, go, enfin je fais rien. Faites des mauvais moves s'il faut. Je sacrifie mes 3 trésors et je préviens toutes les blessures que les sources de la couleur de votre choix devraient infliger ce tour-ci.
Il va choisir le vert. Non, vraiment. Probablement. Bien vu là-dessus. Ouais. Il choisirait pas le vert, par hasard. Vous savez que je viens de me faire entuber, en fait. Parce qu'il est pas vert. Il est pas vert. Si, parce qu'en fait, je vais dire vert. Prévenez toutes les blessures que des sources de la couleur de votre choix devraient infliger. Du coup, lui, il va pas mettre de blessures, il va se rien stresser. Ouais, j'ai fait de la merde. Bah, tant pis, dommage. En fait, si, j'ai pété 3 trésors pour bloquer 5. Pas foufou. Hein. Et bah, tant pis. Ok, donc filin prismatique. Moi, surtout, ça me permet d'avoir un petit éphémère aussi. Et puis, tu sauves cette merde, mon truc se débloque toujours pas, ça me casse les couilles. Oui. C'est vrai. C'est surtout ça aussi. C'est quand même pas mal. C'est quand même fort. Mais au moins, ta crème n'est pas morte. Ça aurait pu être insane, c'est juste ok. C'est juste ok. J'ai dit vert et j'ai pas pris de point de vie du coup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à faire? Fin de tour. Okay. T'as pioché 2 fois ce tour-là ou pas? J'ai pioché 2 fois. Là, tu commences à avoir de la cartoon là. Ouais, j'ai de la cartoon, mais c'est chiant. Je vais pas faire son effet. Oula, mais Max, il a une main de dieu quoi. J'ai une main qui est ok. Quel horrible. Max, on l'entend pas depuis tout à l'heure, mais c'est lui qui va nous en. Ah, mais 100%, Max, il est trop bien. Non, mais en même temps, j'ai rien de spécial. En fait, le problème de Max, c'est qu'il a des petites merdes que t'as pas spécialement envie de tuer, mais en même temps, il contrôle tout le board. Donc t'es en mode, bon bah yes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, frère? Alors, Xari. Comme je t'apprécie et que j'ai envie que tu t'amuses, je vais faire un move qui ne m'arrange pas du tout. Mais pas ce point-là. Se plier en 4. Pas ce point-là. Je vais fais juste rien. Dire, mais je perds la partie et l'adversaire la gagne. Ouais. Fais pas un move qui te met mal. Genre. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends pas. Explique-moi en fait. Cette créature triple son attaque et attaque directement les points de vie de l'adversaire. Olivier. Non, mais c'est. Parce qu'il vient de dire que ça l'emmerde à lui. Donc. Oui, mais je comprends pas, fais pas un move qui te baise ta mère. Ça me baise un peu. bah vas-y alors, mais on va baiser Olivier si tu veux. Mais est-ce que tu peux attendre un tour? Bah oui, mais. T'as encore 2-3 trucs sympas à jouer là? Bah ouais. Bon, voilà. Au prochain tour, je te mets bien, d'accord? Écoutez, tout à l'heure, on était plus ou moins ensemble. Si tu veux me mettre bien aussi, n'hésite pas. Non, mais. Olivier, t'as 27 mana. Non, en vrai, ça va mettre bien tout le monde. Pour. Sauf lui. Donc, pourquoi tu joues la carte? C'est une carte bizarre. Hein. Pour 6. Ah. Oui. Je vais jouer le déferlement de l'orage de guerre. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à sa force. Bon, j'ai que des petites merdes. Hein, pour 2, je fais une croissance qui détruit un enchantement ciblé en éphémère. T'as 2 Je viens de le faire. Quel enculé. Et en même temps. Je détruis l'enchantement et je peuple. Du coup, ça me fait un jeton. Je vais donc m'occuper de toi. C'est pas... Très bien, j'avais rien fait de méchant jusqu'ici. Merci d'avoir pris le focus parce que moi, Max, j'ai pas envie d'aller voir sur la gueule. Enfin, là, du coup, ça me fait une deuxième 5-5 piétinement quand même. Ouais, mais aucun problème. C'est la bonne réaction aussi à avoir dans une partie de jeu. Je vais te rouler dessus, mon pote. Ok, alors pour info, la carte est intéressante, la carte de pensée. Bouge pas, Chloé. Ne bouge surtout pas. Je sais que t'es là. La croissance morceleuse, elle détruisait artefacts ciblés ou l'enchantement ciblé, puis peuplé. Sachant qu'en fait, il ne pouvait pas la jouer dans le vent. S'il n'y avait pas d'artefact ou d'enchantement ciblé. Non, c'est pas ça. S'il pouvait pas peupler, ils s'en foutaient. Si par contre, il pouvait pas avoir de cible, donc pas d'artefact ni d'enchantement, il pouvait pas la jouer. Normal. Donc, il a fait ça aussi parce qu'il avait une cible valide quelque part. Bon, après, oui, j'en avais là aussi, mais. J'ai essayé de sauver comme je peux. Tiens, ça c'est bon. Est-ce que c'est à moi de jouer? Mais bon, chef, alléluia. Je vais. T'es sûr de vouloir taper comme ça, mec? Là, t'as que de l'incolore? Tout est voulu. Ok. Tout est voulu et je vais dire fin de tour. Tu sais quoi? Oula. Je suis un mec sympa. Si tu m'attaques avec le simulacre, je bloque et tu pioches. Mais tais-toi, mais. On est où là? C'est ton tour en fait. Il a dit fin de tour. Non, j'ai dit fin de tour. C'est gentil, mais j'ai dit fin de tour. Non, il essaye de juste. Bah oui, gros. Regarde. Non, pas du tout. Alors, putain, enfin une carte avec ça. C'est beaucoup mieux de garder ça pour bloquer et piocher quand tu bloques. Tu arrêtes un petit peu de. Genre, il essaie de te baiser. Non, pour 4 mana. On va enfin pouvoir jouer des trucs. Analyse en profondeur. Xari, retourne-toi. Ah oui, ça je connais. Analyse en profondeur, le joueur ciblé pioche 2 cartes. Je vous cache pas que le joueur ciblé, ça va être moi. Oui, bien vu. Quelqu'un pas de contre, etc. Une carte là-dessus, 2 cartes. Ok, très bien. Ça a le flashback, donc je peux la payer 2 et 3 points de vie pour le refaire. Pas c'est tout chiant. De suite. Puisque j'ai sacrifié mes trésors un petit peu inutilement. Je m'en vais là-dessus. Je vais jouer un gros crapaud. Il y a rarement plus moche dans Magic quand même que ce Kelpie des rivières. Il est une 3-3 pour 5. À chaque fois que beaucoup de créa, lui, hein. Lui ou qu'un autre permanent arrive sur champ de bataille un cimetière, piocher une carte. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort depuis un cimetière, piocher une carte. Et ça, la persistance qui fait que si jamais quelqu'un me fait une vrasse, elle revient avec un marqueur -1/-1. Oui, si je vois ce qu'il dit, ne régénérait pas. Non, parce que là, elle va au cimetière, elle revient. Ok, d'accord. Si t'as une vrasse qui dit exilé. Tu m'as niqué. Ok, et ensuite je vais mettre une garnison de Boros qui va me faire récupérer une plaine, whatever. Et on n'est pas trop mal. Ensuite. Est-ce que tu attaques?
Ensuite, bah, j'ai deux dragons là, qui ont un petit peu les ailes qui les démangent. Et en même temps, j'ai pas envie de faire trop de... d'ennemis. j'ai Ponce qui m'aime pas de toute façon. Est-ce que j'ai envie de baisser Ponce? Surtout, il a beaucoup de grosses créas. Ça va mieux, Ponce, entre toi et moi ou pas? Bon, écoute, tu vois bien, j'ai utilisé détruire l'enchantement ou l'artefact, je l'ai utilisé sur max, quoi. C'était pas pour rien. Xari, non. Peut-être pour enterrer l'âge de guerre. Bah vas-y, baise-moi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, t'as vol. Je voulais juste utiliser ma carte. Ouais, Xari m'embête aussi. Je sais pas quoi faire. Écoute, dans le doute, Ponce, ça va être pour toi, mais je t'assure qu'il y a aucun. Dans le doute, mais le doute aussi. Aucun souci avec toi. Donc j'attaque avec une. Du coup, une 2-4 et une 4-4. Ouais, mais c'est des vols. Ça, le vol. Oui. Tu prendrais 6 si ça te dérange pas. Bah écoute, et c'est là où mon deck peut parfois surprendre, c'est que j'ai rien à faire. Ok. Bah. Ponce passe à 21 et c'est à. Chloé avait déjà après 7 ans. Non, mais wesh, ça fait 3 tours que je pioche un terrain. Par contre, il serait peut-être bon, même si je sais qu'il y avait un début d'alliance, t'as 31 PV, gros. T'aurais pas pu me dire avant, comme ça j'attaquais pas Ponce, je t'attaquais dans ton cul. Oui, c'est pour ça que j'attaque. C'est pour ça que okay, je dis ça maintenant. Non, mais gros, je suis allé enlever tous les terrains de mon deck avec les cartes et tout, et j'en ai quand même 1 milliard. Ça casse les couilles au bout d'un moment. Bon, je vais faire le truc là pour 2 là. Donc je le dégage et puis... Pareil qu'il t'en reste. Allez, ouais, mais c'est trop merde. Chiant. Vas-y, une forêt, j'en ai rien à foutre. Du coup, t'es obligé de prendre une autre. Qui est parage, ouais, tout à fait. Foutre. C'est ça. On est marre. Est-ce que du coup, tu vas attaquer avec ton épouvant? Attends. Elles arrivent engagées. Ouais, engagé. Top. Ensuite, bah, je vais faire une attaque. Donc début de phase de combat, je vais mettre un marqueur -1/-1 à... Est-ce qu'il y a un truc intéressant à copier? Ouais, en vrai, clairement. En fait, tu copies mon dragon. Ouais. Et tu rejoues ton truc comme ça. Ah ouais, bien. Eh ben, t'es vraiment sympa, le mec. Hein, non, mais j'avais oublié ce qu'il faisait. En fait, il a trop de créatures qui font plein de trucs. Oui. Putain, je viens de refaire un faux mouvement avec mon épaule qui était genre guéri depuis genre 2 jours. T'es luxé? Je sais pas, mais ça casse les couilles. Ah, bah, je vais mettre un marqueur -1/-1 là, du coup. Ouais. J'ai mal aussi à l'épaule depuis genre 6 mois. Et du coup. Ça va. Et donc, du coup, je peux le copier pour 1. Je me suis fait mal en mettant mon manteau. Oui. C'est le moment où tu mets le bras trop derrière et que ça, je viens de jouer ça. Par contre, en vrai, si t'as vraiment mal depuis 6 mois, mec, fais un petit checking, quoi. Petit truc. Ouais, parce que faut aller chez le médecin. Des fois, des petites douleurs musculaires ou quoi, ça peut. Je vais payer 1 du coup pour faire le truc. Oui, évidemment. Ensuite, je peux poser ça pour récupérer ça du coup. Ah non, mais bon, pas ça, n'importe quoi. Et donc, tu as une 7-5 vol. Oui, j'ai aussi une 7-5 vol, mais c'est surtout que du coup, c'est quoi la 7-5 vol? Il faut que tu attaques quelqu'un qui n'est pas moi. Et tu. Il faut que tu attaques et chaque carte d'éphémère et de rituel de votre cimetière a le flashback jusqu'à la fin du tour. Quand j'attaque avec ça? Quand? Ouais, avec ce truc là, ouais. T'as fait. Attaquer tout le monde, mais malheureusement, Olivier, c'est toi qui as le plus de PV, donc je vais être obligé de t'attaquer. Quand je pense que je te dis le play qu'il faut faire. Bah ouais, mais gros, t'as 31 PV. Ça me fait un peu mal au cul. Donc mais d'accord. J'attaque. 7-5. J'attaque ici. Ouais, voilà, j'y ai fort. Bah, max, je sais pas. C'est une 1-4, hein. C'est juste pour faire l'effet. D'accord. Donc okay. Je fais l'effet de lui et je récupère ça. Et ensuite, là, tout. Donc. Toi, le flashback. Non, attends, justement, le fais pas tout de suite parce que c'est un rituel. Ouais. Mais ça, t'as que ça? Ouais, j'ai que ça. Non, t'as ça aussi. Ça, ça a le flash. Ça a le flashback la jusqu'à la fin du tour. La prochaine fois, ça part. et donc, on décide comment on bloque. Moi, en tu l'occurrence, peux pas bloquer, je ne vais pas bloquer parce que tu as le ballon. Regarde. Qu'il y a toi qui peux bloquer. Ouais, je bloque avec ça. Oui, voilà. Fin du game. Je passe rien. Enfin, tu boostes pas ou quoi? Bah non, bon, j'en ai rien à faire. Hein. Je suis là pour le beau jeu. Hein. C'est à Ponce? Attends, pas du tout. Donc, j'ai pris 7, je vais me les prendre. J'ai pris 7. Comme si tu pouvais faire un truc. Oui, je peux faire un truc, je peux faire le flashback de ce truc-là qui permet de prévenir ça, mais j'ai pas envie de le faire. Et comment tu fais le flashback? En engageant une créature blanche. Et j'ai une créature blanche ici, puisqu'elle a copié ça. Non, j'ai. Mais je le fais pas. Il est chaud de ouf. Je le fais pas, j'ai pris 7, ok, très bien. Donc, du coup, tu as le flashback. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je sais ce que tu vas faire. Bah, je vais faire ça. Très bien. Bah, vas-y. En vrai, je vais payer. Tu peux pas perdre de points de vie. Donc je suis obligé de payer. 4. Ouais, parce que c'est un flashback et que le flashback a son coup de mana. Je paye comme ça, on sait jamais. Et donc là, je pioche 2. Ouais, alors je suis juste. Mieux vaut avoir détapé ça plutôt que l'île. Oui. Allez, il y a une mue là. C'est encore eu un terrain. Ok, et fin de tour. Ok, et tu as proliféré. Est-ce que tu remets un marqueur dessus? Attends, je te fais tout. Hein, pourquoi j'ai proliféré? Et parce que ce truc là. Ah oui, c'est vrai que ça prolifère. Bah, de toute façon, je suis obligé. Enfin, c'est aucun intérêt de ne pas le faire. Je suis DSL. Voilà. Mais... Ok, donc c'est ça. Et donc, ça, du coup, c'est exilé. Tu n'auras plus le refaire. Oui, normal. Bah, ok. Bah, c'est la fin, malheureusement. J'ai pas de. Putain, mais j'ai pas de mus. Ok, je pioche 2 cartes là-dessus parce que j'ai le droit de piocher 2 cartes en fait.
Je pose un terrain, c'est énorme. C'est le premier tour. Bon, par contre, j'ai beaucoup de terrain, mais j'ai que ça, gros. C'est hallucinant. Pourtant, je pense avoir bien mélangé, quoi. J'ai la moitié de ma main, c'est des terrains, plus de la moitié. Vous savez ce que je propose ? Ah, c'est de faire une pause et de revenir après avec ça. Non, mais c'est de faire une pause, genre de dire si on a fini pas la partie, on prend photo et on revient pour finir. Non, enfin. C'est chaud de faire ça, ouais. Non. C'est chaud, ouais. Vous êtes, est-ce que vous êtes dispo dans la demi-heure après? Oui, oui. Dans la demi-heure après, oui. Demi-heure, ça va? Ah, mais ça va. Sur la cape derrière. Mais on va voir. De toute façon, on a encore une demi-heure ensemble, hein, y a pas de souci. C'est juste qu'à 25, on rend l'antenne et on finira peut-être ça. L'autre solution, c'était de faire un petit peu à la Worms. Je sais pas quel jeu où tu prends des blessures à chaque tour. Et genre, on disait que à 16h, on se prend 5 points de vie. À 16h. Non, on va. Allez, vas-y, ça t'arrange, ça. Hein. joue, mon pote. Parce que moi, je me soigne pas. Donc. Tranquille, là, on va aller plus vite. Là. Très bien, on va super vite là. Ce que je fais, c'est qu'en fait, avec mes 2-5-5 piétinements. Hop, qui ont la vigilance. D'ailleurs. Et qui ont la vigilance, donc en fait, je les engage absolument pas. Est-ce que tu as pioché 2 au début de ton tour? Ouais, j'ai pioché 2 au début de mon tour, j'ai landé. Et puis, je vais attaquer avec mes 2-5-5 piétinements. Je vais attaquer plutôt dans l'idée mon ami Olivier. Avec les deux? Avec les deux. T'en as pas une à mettre sur Zari, genre Kevin? Non, là, j'ai les deux sur toi, frère. Olivier, il a trop parlé. T'as parlé, j'ai parlé. T'as parlé, j'ai parlé. Mais c'est surtout que t'as tout d'étape, donc en fait, t'es un peu la cible idéale, quoi. Bah, j'ai quand même une 4-4. Hein. Oui, bah, Osef. Ok, mal. Et bah, du coup, je vais faire ça, hein, tant pis. Ah je fais donc filin prismatique. Je préviens toutes les blessures que des sources vertes devraient infliger ce tour-ci. Du coup, j'ai pas prévenu 7, mais j'ai prévenu 10. Ce qui est plutôt ok, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est et grave, en engageant, fou, en engageant celle-là. Oh, elle est engagée, c'est le moment de frapper, messieurs. Alors, juste, je peux le faire qu'une fois. Ah, c'est chiant, du coup, voilà, là, je t'ai mis 0. Ouais. Ok, tu casses juste les couilles. Bah, fallait pas m'attaquer que moi. Oui, bah, je fais ce que je veux, d'accord. Il avait une 3-3 pourrie là, et tu pouvais très bien lui. C'est vrai, bah, du coup, j'en profite maintenant, donc que j'ai bien attaqué, que j'ai bien la vigilance, donc j'en ai bien rien à foutre. Moins du carton. Moins de. T'as plein de cartes, gros. J'ai plein de terrain, donc oui, j'ai plein de terrain. Pour 5, je joue le croc de givre d'Oran. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont le contact mortel. Ouais. Bon. Oui, et ouais. C'est une 2-6, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, pioche une carte. Ah non, en fait, j'ai pas pile 7. Ça fallait jouer avant. J'avais peut-être d'autres choses à faire en éphémère au cas où. En fait, j'ai 8. Ouais, 2-6, les créatures attaquant en contact j'ai, mortel. J'ai 8, donc en fait, je vais sacrifier un terrain. De toute façon, Osef, je peux les récupérer. Il faut 5 terrains, ok, ça marche. On va le mettre droit, il n'y a pas de souci. Donc, okay. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, pioche une carte. Bonne petite bête. Hein. Oui. Ouais, c'est bien. Pas mal. Je vais gagner un point de vie. Ça m'embête que tu me focuses parce que moi je t'aime bien, pense. Et je gagne un point de vie. Aussi, attention, hein. C'est pas des rancœurs. Bah là, tu peux être terrain. Ok, il y a un point de vie de plus pour Max. Je gagne un point de vie. Max est donc celui qui a le plus grand de points de vie après. Au moment, Max a gagné. Non, mais... Max est gagnant. Max est grand vainqueur. Max est grand vainqueur, c'est parti. Ouais. La partie de l'infini. Mais comme vous pouvez voir, et normalement c'est 40 points de vie. Ça peut jouer à 5 ou 6. C'est quoi la créature pour des qui me casse plus les couilles à tous là. Pour moi, c'est typiquement le genre de mode de jeu. Pourquoi tu bandes Xari et pas Oliver Arnold? Qui convient bien une soirée bière en fait. Je sais pas. Bah, techniquement, là, celle qui casse le plus les couilles, c'est elle quoi. Non, c'est elle. En fait, elle bloque lui. Elle le bloque lui. En fait, nous on bloque lui. Hein. Lui, lui c'est lui qui me bloque. En gros, c'est un peu triangulaire. En vrai, c'est lui qui bloque lui, voilà. Moi je bloque lui. Voilà. Et lui. Moi je bloque personne, frère. Bah si, parce que toi tu. Tu mets quand même des points. Oui, je suis obligé de jouer mes cartes. J'essaye de mettre des points qui forcent à jouer des cartes. Pourquoi tu veux absolument baiser une créature? J'ai. Après, la ponceuse commence à être un peu vénère, hein, là. Je vais pas te mentir. Ça s'est développé, ça s'est développé. Ça s'est développé, surtout qu'elles ont toutes le contact mortel. Fais voir ton cimetière, toi, il y a quoi dedans? Oh, rien de bien méchant. Non, mais en vrai. Alors, j'ai le truc qui a le flashback et j'ai. Trois bêtes qui, honnêtement, sont pas non plus. Ouais, c'est un peu de la merde. Ouais. Je comprends bien. Et toi, t'as quoi? Non, je crois que j'ai toujours que trois créatures. Hein. Ça va pas changer. Bon. Ok. Y a aucun souci. On a encore un peu de temps. Ouais, bon, après, on peut jouer de manière. Je sens que je vais prendre une. Alors, pour 4, je vais jouer ça. Oh putain. Chêne. Chêne, adepte des cauchemars, défaussez-vous d'une carte. Vous pouvez lancer une carte de créature depuis votre cimetière ce tour-ci. N'activez cette capacité qu'une seule fois par tour. À chaque fois qu'une créature non-jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous ne l'avez pas lancée depuis votre main, elle a célérité jusqu'à votre prochain tour. Donc grosso modo, tu peux défausser une carte de ta main pour aller jouer des trucs de mon cimetière. De ton cimetière. Sachant que les bêtes de ton cimetière, elles peuvent être très fortes puisqu'il peut les défausser. Il peut défausser ce qui est celle qu'il veut. Mais il la joue, il doit quand même payer. Non, il la joue. Il doit quand même payer. Non, il doit quand même payer. Mais je dois quand même payer. Ah oui. Lancer depuis votre cimetière ce tour-ci. Ouais. Très bien, il me reste 5 mana.
Je vais faire... pour un, je vais faire recyclage. Je vais dégager ça. C'est quoi, recyclage ? Défaussez-vous de cette carte, piochez une carte. Ok. Voilà. Quand tu fais peupler, les créatures que tu invoques, elles ont le mal d'invocation. À savoir que Shen, Max, je sais pas, ça peut peut-être t'aider. Si tu défausses... Ouais, t'as l'air d'être occupé. Ouais, vas-y, dis-moi. Si tu défausses une créature, tu peux la jouer directement. Bah oui. C'est pas forcément intuitif. S'il y a marqué ciblé, t'aurais pas pu oui, le faire. Oui, non, mais je j'avais bien compris le principe. Ah. J'aimerais savoir le chat, tant qu'il y a un petit flottement. Si vous aimez bien ce genre de game un peu. Je vais poser la lame de costaud, sang assoiffé. Ou est-ce que vous préférez plutôt des duels ? Votez 1 si vous préférez des games en multijoueur, donc qui peuvent durer longtemps. 2 contre 2 ou 1 contre 1. Voilà ça. Ou votez 2 si vous préférez des duels un peu plus rapides. En vrai, moi, en fait, j'adore les games longues. Bon, je réponds à la place du chat, mais je réponds. Moi, je donne mon avis. Les deux sont bien. Moi, en fait, ouais, je trouve les deux sont bien. C'est juste que c'est. Avoir une game longue que tu peux pas finir, c'est tellement frustrant parce que ce genre on va la finir. Ouais, finir. Allez, go. Ce genre de game en soirée, c'est trop bien. Tu vois. Pire, j'ai que des créatures. Sinon, on peut dire un truc. On peut dire, genre, le premier qui meurt fait gagner les trois autres. Olivier, désolé. C'est genre. Non, je rigole. C'est bon, c'est à toi, Olivier. Ouais, je peux pas attaquer. Vous avez des créatures énormes et pas moi. Ah ouais, tu peux m'attaquer, moi. Il y a une 3-3, gros. Attaque-moi, je vais prendre. 3-2, elle passe. Oui, tu peux m'attaquer, je vais absolument. T'as un 3, je pense qu'il te la boquera même pas. Mais j'ai pas envie d'enculer Xari, en fait. Bon, mais si tu me mets 3, je vais peut-être pas mourir en 1 tour. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on est pas là pour gagner? Attaque-moi, attaque-moi, gros. Sinon, ça se voit. Et tu peux aussi. Ok, bah je prends 3. 3 games 1v1 plus long, ok. Voilà. Bon, ok. À toi, c'est un peu 50-50. 3 pour Xaris, ça a été mis. Ça va être mis. Je passe à 20, je suis dans une game normale. Ouais. Je peux équiper ça en fait sur la carte d'un adversaire. Ah oui, ça fait quoi? Et en fait, ça fait que il est obligé d'attaquer. Il a plus 2, plus 0, mais il est obligé d'attaquer. Ouais, ça peut être pas mal ça. Du coup, ça peut être l'occasion de fumer une merde. Et quand tu mets ça sur un défenseur? Sur Kadina. Ah bah, en fait, il est obligé d'attaquer, mais il ne peut pas, donc il l'attaque pas. Ah, c'est... Mais tu peux cibler ça, sûr. Non, mais... Donc, attends, je vérifie. Hop, là. Lame assoiffée de sang, enfin, c'est pas que je vérifie, c'est que je la mets là. Plus 2, plus 0, et elle est incitée. Elle attaque à chaque combat si possible, et attaque un joueur autre que vous si possible. Il y a ça aussi. Donc, si t'es en arrière... Il a contact mortel sur tout ça. Ouais. Et un attaché... Voilà. Voilà, on va aller fumer cette merde. T'as fait quoi, là? Donc, lui, il est obligé d'attaquer. C'est une 4-6. Il t'a boosté, et t'es obligé d'attaquer. Ok. Un autre mec que lui avec cette bête. Soit un attaché à une créature civile, un adversaire contrôle, un qui fait ses capacités, qui reçoit un pouvoir. Ok, c'est bon. Ouais, vas-y, à toi, Olivier. Attention, le tour va arriver là. Là, on le sent. J'aimerais bien avoir mon big turn, mais. Ton quoi ? Big turn. Est-ce que t'as un truc genre tu payes X et tu pioches X cartes ? Tu vois, genre. J'en sais rien. Je connais. Attends, j'ai une question. Vite. Par rapport à ce qui se passe, pardon. Vite, vite, vite. Vous savez, ça fait plus 1+1 et vigilance sur mes jetons. Et par exemple, quand je fais un peu play sur une 5-5 parce qu'elle est boostée. Il y a vigilance piétinement, ça fait une 5-5 et boostée 6-6 ou pas? Non, ok. Ce serait insane. En fait, tu prends ce truc-là. Ok, ok. Tu prends le truc de base. Imagine si t'avais un jeton 1-1. Du coup, il y a un 2-2-3-3. Ok, j'ai pioché, j'ai posé un land. Je vais dire. Après, il va pas m'aimer aussi, mais bon, en même temps. Je vais dire, je vais baiser Ponce-Mess, ce genre. Pompon. Ouais. Attends, peut-être d'abord, je fais ça. Alors, Pompon. Ouais. Le petit Pompon. En vrai, c'est fort, je vais d'abord faire ça. Ok. Pour 2 et 3 points de vie, je perds 3, je suis à 21. Je vous aide un petit peu parce que c'est un peu mou. Je paye, donc j'ai dépayé 2, j'ai payé 3 points de vie et je pioche 2 cartes. Ah, ça commence. Ou ça pioche en masse. Attends. Ah, t'as pioché, c'est trop tard, hein, comme au jeu d'échecs. J'ai pas vu. Attends, à chaque fois qu'il y a un joueur. Tu l'as pas vu, moi je l'ai vu, c'est intéressant. Et donc je vais repiocher avec Kelpie, puisqu'à chaque fois qu'un joueur lance un sort depuis un cimetière, piocher une carte. Je suis à 1, 2. Okay, j'ai juste, j'aurais peut-être dû mettre ça avant. Il est trop fort. Je sais pas ce que je vais avoir. Ok, donc ça c'est exilé. Je peux plus le faire. Oui, bon, c'est bon. Pour 3, je fais répétition runique, je renvoie dans votre main une carte exilée avec le flashback ciblé que vous possédez. En fait, je peux le refaire. Ok. Parti sur quelque chose d'assez sympa là-dessus. Je le hais. Ok, bon. Bon, messieurs, new target. 2, 3. En même temps, je fais pas de. Enfin, ouais, bref. Donc, ça va au cimetière. Ça va dans ma paluche. J'ai déjà posé un terrain. Et on va essayer de se défendre là, parce que sinon, je vais me prendre vraiment l'enfer. Donc, pour 2 mana. Je rejoue un mur, ces gens. Je fais un truc qui s'appelle Rapetissement en masse. Jusqu'à votre prochain tour, les créatures que le joueur ciblé contrôle ont une force et endurance de base de 1-1.
Ponce-fesse. Pardon. Ponce, t'as, t'as... Ça, c'était une 2-6, mais en fait, c'est une 4-6. 1-1. Ouais. Alors, en vrai, alors, une, elle est 3-1. 1-1. Elle est 1-1 par défaut. Mais du coup, elle a plus elle, 2. Elle a quand même le plus 2. Donc, c'est une 3-1. C'est une 3-1. Ça, c'est des 2-2, du coup. Des 1-1 qui sont 2-2. Et ça, on s'en fout. Voilà. C'est des 1-1 sans piétinement. Jusqu'à quand Jusqu'à la fin de mon prochain tour. La fin de non, jusqu'à, prochain. Jusqu'à votre prochain, jusqu'au début de mon prochain. Elles perdent leurs effets aussi. Non, 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 juste. Il y a toujours piétinement. Oui. Donc en gros, 2-2 piétinement, 2-2, 3-1. Ça a l'air fort. Voilà, donc, tu vois, c'était pas méchant. Et ensuite. Oui, mais bon, du coup, je pourrais pas te terminer au tour prochain, c'est ça le truc. Je vais du coup attaquer. À l'attaque. C'est vrai, pour le moment, elle, tu t'en fous, c'est des 1, mais elles ont contact mortel. Hein, donc, en fait, j'ai pas. On a quand même lui enculer tout son board. Notamment. Ah, mais c'est vrai qu'elle est obligée d'attaquer, de toute façon. Xari. Vas-y, baise-moi. Hein. Non, je vais. En fait, j'ai envie de rien faire. Bah, attaque-toi. J'ai envie de rien faire. Prends la décision. Fait, je sens. Vous savez pourquoi? Parce que je sens que vous êtes ligués contre moi. Nous? Non. À toi, Xari. À moi. Bon, messieurs. Ah, on a un big time qui se préparait là. Parce que depuis messieurs, it's showtime. Ah bon, c'est sûrement, sûrement mon dernier tour. Mais ça va être beau. Oh, bah, un terrain. Il m'est énorme. Bah, je joue un terrain. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Jusque-là. Ouais. Alors, pour 6. Bon, je tape un peu mal. En vrai, ça me saoule. Ça me saoule. Je vais tout taper. Ah, pour 14. T'as 14 ouais. mana, ok. Ouais. Mets ton fleur que tu veux, vas-y. Est-ce que j'ai bien 4 îles? Oui, c'est bon, ok. Je vais jouer... Maléfice okay. hexagonal. Enfin. Détruisez 6 créatures ciblées. Enfin. 1, 2, 3, 4. Non, ça, ça me sert à rien. Mais gros, tu passes ça, ça bloque son truc. Pas les couilles, je la tue, hop. Et toi, t'as été sympa avec moi, donc je vais te tuer ça, comme ça tu te pioches. Voilà. Merci, mais vous êtes bien bon, monseigneur. Allez, meurs. Vous êtes là. Merci beaucoup. Alors, ça, ça meurt. J'ai pas une réponse, putain, j'ai rien. Je contre-carre. C'est quoi, je le fais en réponse quand même. Donc, alors, tu cibles quoi? Ça. Et ça. Ça, t'es vraiment un ordure. Et, ouais, je suis gentil, et ça, ça va, il est sympa. Donc en fait, il va pouvoir la rejouer et remettre une. Il y a vraiment moi que tu encules. Bon, non, okay. attends. Ok, en réponse. Je sais pas s'il y a des... je pense pas qu'il y a des forces off-wheel, mais on sait jamais. Attends, il a fait 6 là. Pour 4 mana, je fais un feu ou fiction. Révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ses tas en 2 tas. Mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ok. Aucun problème. 1. 2, 3. Ah oui, ça va pouvoir faire des rituels. 4, 5. T'as aucune créature là ? J'ai pas de terrain. J'ai pas de créature. Attends, mais il y a aussi qu'il a beaucoup de cartes dans la main, donc tu vas être obligé. Ah non, t'as combien de cartes dans la main, Olivier ? J'en ai pas beaucoup. Ah non, 3, non. Voilà. Ok, alors, j'ai rayon de dispersion qui dit détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. Flashpad. En fait, retenez-les bien parce que c'est un de vous qui va devoir choisir. Réapparition de Sévin, donc mon commandant, c'est une nouvelle carte qui est très bien. Pour 3, envoyez sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanence ciblée avec un coût convertible mana inférieur ou égal à 3. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, je double ça. En fait, ce qui est bien, c'est que mes trucs ont flashback, donc je pourrais quoi qu'il arrive le lancer. Autogénérateur renforcé. Il arrive sur une bataille engagée pour 4 et je l'engage et ma marqueur charge sur lui. J'ajoute un mana, X mana de la couleur de mon choix, X étant le nombre de marqueurs charge. En gros, j'ajoute du mana de plus en plus à chaque tour. Manœuvre du diable pour X, je mets X blessure à n'importe quelle cible. Comment ça t'intéresse. Et il y a un flashback de 3 mana rouge. Mais le problème, c'est que. De toute façon, c'est soit on te la met dans le cimetière, tu peux les jouer. Et tremblement de lave, qui est le seul qui n'a pas le flashback, il inflige X blessure à chaque créature sans le vol et à chaque planeswalker. Voilà, pas grand chose. Tranquille. C'est très fort, okay, mais de toute façon, donc, si c'est dans ton cimetière, tu peux quand même les jouer. Bah, pas tout, mais ouais. Ok. Ponce-fesse. je vais te demander de choisir, de séparer ça en 2 tas. Deux tas, tu fais ce qu'il veut. Il y a un tas que je vais choisir. C'était là, j'en ai. Et le tas que tu vas choisir, tu vas le mettre où? C'est quoi? Essaye de choisir à 3, je m'en fous. Non, mais c'est quoi le. Alors, il y a un. Donc, moi, le tas que je vais choisir, je vais mettre dans ma main et l'autre dans le cimetière. Ah, ouais, on est baisé en fait. Oui, on est baisé quoi qu'il arrive, mais il y en a. En gros, faut que tu fasses 2 tas à peu près équilibrés. Si tu fais un tas fort, un tas faible. Sauf que ça, et en fait, ça, il va raser toute la map. Oui. Donc, il va forcément le prendre dans sa main. Donc, on est baisé. Bah, justement, faut mettre avec il a 4 rares, il a chaté à l'infini, ce bâtard. Oui. Bah, après, c'est le principe du commandeur aussi, quoi. C'est genre. Ouais, mais gros, j'ai pas que des rares, moi. Non, bien sûr, mais tu peux mettre. Enfin, il y a beaucoup de cartes insane, quoi. Oh, c'est pas grave. De toute façon, moi, c'était juste pour faire ce tour. C'est juste pour faire ce tour. Et de toute façon, après, qui se juste, j'ai fait ça en réponse en pensant qu'il pouvait y avoir éventuellement un contre gratuit. Mais bon, il y a de chance. Ça, ça aurait été vraiment fumé, quoi. Gratuit, c'est tu vas quand même te défausser de cartes, etc. Ouais, ouais. Mais là, j'aurais pu dire, je compte. Pas, Tiens, bah, on met tout dans le cimetière. Enfin, non. Enfin, tu fais bien ce que tu veux, mais genre, on fait ça et ça. Mais non. Pourquoi?
Donc en fait, bah, si comme ça, ça l'oblige à jouer en flash. Si tu fais ça, en flashback, il va avoir 4 cartes en main. Soit je prends tout ça. Oui. Soit je prends ça. Oui. D'accord. Parce que ça, en fait, il peut pas le jouer en flashback. Donc si vraiment il a besoin un moment de clean le board. J'avoue. On parle là-dessus. Ouais, attends, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il peut pas jouer en flashback? Tout le reste, ça joue en flashback. Bah ça, mais bon, oui, il y a quasiment tout, sauf ça, je crois. En gros, ça l'oblige à faire. Parce que du coup, ça on mettrait pas avec ça. Non, parce que ça fait moins de CA et il a peut-être quand même envie de prendre 4 cartes. Eh ben vas-y. On y va ? Ouais. Allez, c'est mon papa. Et ça, c'est dans mon... Okay. En vrai, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux pour le board. Bah, c'est mieux pour nos boards. Après, bon. On va dire récupérer ça. Que dans sa tête, il dit, j'en avais rien à foutre de... Oui, je pense, mais... Ok, donc on résout. On va d'abord résoudre ton truc. Vas-y. Alors, ça, c'est résolu. Ça pète ça. Ça, du coup, ça va au cimetière. Ça, ça va au cimetière. Ça, ça va au cimetière, mais ça revient avec un marqueur. Ouais. Quand elle ou qu'un autre permanent arrive sur champ de bataille depuis votre cimetière, piochez une carte. Donc elle arrive depuis le cimetière, donc je pioche une carte. Ça, c'est chiant. Attends, mais du coup, je suis trop con. Je vais juste pas la tuer en fait. Je suis désolé, mais je vais juste pas la tuer. Hein. Je vais tuer. Ah ouais, elle cible un peu des bêtes quoi. J'ai tué ça. Voilà. Bon. Alors. Désolé, mais. Donc elle reste, ok. Elle meurt, du coup, ta bête pourra se dégager, mais elle est morte. T'aurais pu fumer ça, gros. Et voilà. Ah, tu m'as tué ça aussi ? Ouais. Bah oui, parce qu'il faut. Et du coup, en vrai, c'est plutôt bien pour toi. Ouais, parce que tu vas pouvoir la rejouer, toi. Donc c'est bon. Fouille, c'est la clean le bord. Et je joue ça après pour 7. Donc je vais prendre le cimetière. Exilez toutes les cartes de créatures du cimetière du joueur ciblé dans un tas face cachée. Mélangez-le, puis manifestez ces cartes. Manifester, ça veut dire qu'en fait, il va les mettre tout simplement en jeu en tant que créature de 2. Et il pourra les regarder à tout moment et en payant leur coup de mana, les retourner. J'ai pioché. Et je piochais autant de fois. Et ça, ça dit à chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Donc effectivement, tu vas piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Oh, allez. Tu poses tout ça face cachée. Alors, toi. On shuffle. Bon. Le but, c'est, en fait, c'est le but, c'est que nous, on ne sache pas ce que c'est. On a vu ce que c'était, mais on ne sait pas l'ordre. Voilà. Et voici j'ai quelques cartes dans la main. On a un big turn de la part de Zary. C'est craqué. Ça, voilà. C'est quoi comme carte? C'est des 2-2. Ouais, il me reste un de mana. C'est des petites 2-2. Ah, je vous l'avais dit, c'était showtime. Ouais, on est sur un big turn. Ensuite. T'as combien de cartes en main là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vas devoir en enlever. Ouais, mais j'ai 4. Plein de terrains de d'ailleurs, qui va encore aller, qu'il a eu des terrains. Ok. Ensuite, est-ce que tu attaques à tout hasard? Ils ont pas célérité. Ensuite, je suis en zone, en truc de. En phase de combat, donc je vais mettre un marqueur -1/-1 là, donc t'es Eldai. Effectivement, puisqu'elle était 1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, jusqu'à la fin comme du ça, tour. Je régale. On parle plus. Donc, alors, ouais, ça dégage, ça vient ici. Ouais. Voilà. Et ensuite, est-ce que j'attaque quand même From en train de mourir, il est juste en train oui, de mourir. Oui, mais après, c'est Xary. Hein. Depuis tout à l'heure, il pioche et puis il dit « Ah non, un mana encore !» Je sais que des terrains. J'attaque Max avec la 1-4, juste pour faire l'effet et je vais ramener... Attaque aussi avec ta 7-5, là. Mais qui? Lui. Et moi, je peux te la tuer. Pense peut te la tuer, mais lui, il te la tuera jamais. Et au moins, ça fait baisser des points. Mais ça fait avancer le game, là, il est 12. Ouais, vas-y. Bah, j'attaque Max, c'est vraiment lui qui m'a dit de l'attaquer. Hein. C'est vraiment un chien. Ok, je prends. Max, tu peux éventuellement tuer ça 1-4. Oui. En double bloc. Ouais, mais non. Bah, ok. Ok. Alors ensuite, donc t'as pris, terminé. T'as pris 8. Du coup, Max, il est à 25-8. Ça fait 17. J'ai rien qui coûte 1 là. Que je peux attends, je bloque ça 1 quand même. Calme-toi. Oui, donc. Tu prends 7. Genre, je bloque avec ça. Et tu veux pas bloquer avec les deux trucs? Non. Le truc qui m'échappe là-dessus. Donc Max, est à 18 finalement. Oh, vénère. Ok, bah oui, et du coup, final, en fin de tour, je vais me défausser de ponce. Ça. Je crois qu'on s'est trop fait de mal. Non mais vraiment. Non mais vraiment. Je sais pas si j'arriverai à. Tu veux me retourner le cerveau vraiment? Parce que j'étais bien. Bah après là, je te cache pas que si j'ai du mal à faire, ce sera plutôt du sale sur Xary, quoi, j'avoue. Bon. Attends, mais y a pas un truc qui coûte 1 que là, je peux jouer? Non mais regarde-le. Il est en mode qu'est-ce que je peux faire et tout. C'est insupp. Attention, t'as plus de mana, gros. Si, j'ai 1. Brûlure de mana. Non, y a plus. Ok, bon bah c'est la fin du tour malheureusement. Et en plus c'est des 2-3. Hein. À toi. Oui. Yes. Attends, tu vas me détape, je pioche. Gros, il faut que j'y arrive. Hein, après c'était mon showtime parce que comme ça j'ai eu le temps de le faire avant la fin de l'émission puis je me casse. Voilà. The fuck, j'ai après pu... en vrai j'ai eu peur parce que je me suis dit si lui le contre mon truc qui détruit 6 créatures bah c'est terminé. Ouais, mais je me suis dit il a plus que 3 de mana donc. Je mets l'étendue sauvage sacrifié dans un jeu, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature de base mettez-la sur le terrain engagé mélange ensuite votre bibliothèque. Du coup t'aurais pu détruire ça aussi. Non, mais en fait ça revient donc c'est de la merde je peux pas l'utiliser. Vous en foutez. Non t'inquiète je vais te en vrai je vais pas mélanger le deck parce que j'ai pris il y avait une montagne j'ai juste mis. Il a pas le droit de faire je la détruis.
Elle meurt, elle revient, je la redétruis. Non. Elle revient, je la redétruis. Donc là, pour la jouer, on est d'accord qu'il faut que je paye 2 de plus. 2 de plus random. Donc il faut que je paye 7, 1, 2. Je suis désolé, hein, je récupère juste 3, ce terrain. 4, 5, 6. Ça ne change pas grand chose. Hein. Au lieu de. Attends, attends. Si, si, parce que celle-là, en fait, pour la jouer, j'ai payé 1. C'est pour ça qu'elle donne qu'un au final. Et donc je joue ça. Donc je la rejoue. Et donc ça remet une 4-4 piétinement. Très bien. J'avoue que je t'ai quand même débloqué, gros. Ouais, en vrai, en pétant, débloqué, en pétant le mur, j'ai débloqué lui, du coup. Mais en même temps, là. Je te laisse pas. Hein, c'est du venin qui sort de, ce, de sa bouche. De moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut baiser Olivier. C'est vrai qu'en vrai, c'est agréable de pouvoir gagner Olivier. C'est quand même agréable de lui baiser sa mère. Ça sert à rien, je ferai rien du tout. Quoi que si, t'as pas de. Ah, bah si, une je 4, peux 4, faire 4, mal, 3, 3. Avec ma 5-5 piétinement, ouais. Je peux. Viens. Viens, viens. Franchement. Il y a zéro mana. Je suis full tapé. Bah oui, c'est pour ça. Je t'encule si tu viens. Pourquoi ? Si jamais je t'attaque, là, après tu m'encules. Non, 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 non. Là, à ton tour, je t'encule. Il joue juste sur la... Bah, je t'attaque avec ma 5-5, vigilance. Ok, d'accord. Je bloque avec ma 4-4. Ouais. T'es bête, c'était des 1 jusqu'à la fin de mon tour. Jusqu'au début de mon tour. Mais toutes ? Même celles qui viennent de réapparaître ? Elle vient d'apparaître, elle. Mais si elle vient d'apparaître, elle n'a pas la sévérité. Ah oui, j'avoue. Non, celle-là, oui, non, elle était déjà là. Hmm. Ah ouh, ça attends, c'est, Max, là attends, c'était Max. Un niveau de tension qui était attends, tu lui as pas dit que ces créatures c'était des 1. Mais si, je dis trois fois. En vrai c'est my bad, je mets des petits compteurs. Non, mais tu lui as pas dit au moment où il te dit j'attaque, tu lui as pas dit t'es sûr. Bah écoute. Ça, quoi. En fait le truc c'est que ouais voilà, il faut mettre des compteurs parce que sinon c'est infernal. Non mais en vrai non, c'est l'inverse du coup. Ce sera fini au début de mon tour, ça sert à rien. Oui, non mais c'est juste pour mais non mais c'est juste c'est des 1-1. On comprend comme ça. OK. Très bien. Non, pas celle-là du coup. Je pioche. C'est ça l'enfer. Sorry man, sorry. T'inquiète, dude. Sorry man. En fait, je sais même pas. Jusqu'à votre prochain tour, les créatures que le joueur ciblé contrôle ont une force et une endurance de base de 1-1. Je vais faire l'effet d'elle. Qui l'a tout le temps. Mais voilà. Du coup, jette une carte, j'en pioche une. Par contre, juste ponce. On est d'accord que t'as pas pioché une carte en plus au début de ton tour. Non. Ça, c'est bien. Je pose le mage de la roue pour 3 et pour 2, je fais son effet. Donc, pour 3. Stop. Elle m'a la question. Ah, je peux pas faire ça. J'avoue, Max, il a 17, pas 18. Ah, j'ai pour la régie. Ok, je sais pas. Si tu veux que je débloque ton seum. Non, c'est pas grave. Pourquoi ? Tu peux débloquer ton seum. Ah oui. Fais chaîne, gros. De quoi ? Chaîne, défaussez-vous d'une carte. Ah oui, et du coup, je la renvoie. Et c'est qu'elle a la célérité. Voilà. Ah, je suis un pote. Merci, mec, parce que là j'ai été dégoûté. Ok, et donc, du coup, je fais son effet. Alors, c'est quoi ? Tu le sacrifies ? Vous jartez. Bah, vas-y, je vous laisse la lire. Chaque joueur se défausse de sa main, pioche 7 cartes. Voilà, vous refaites vos mains. C'était ça, tu vas pouvoir avoir des mutes. Ah putain, je suis deg là par contre. J'avais une bonne main. Ouais. En fait, j'avais lui, que depuis tout à l'heure j'hésite à jouer, mais qui est fort en multijoueur. Parce qu'en gros, à chaque tour, à chaque fin de tour, je vous donne une 1-1. Et quand elle meurt, elle met un plus 1 plus 1. Mais du coup, j'en donne 3 vu que vous êtes 3. C'est pas mal. En vrai, moi je suis deg. Ah, mais c'est ça qui nous remet. Oui, moi je suis deg parce qu'en fait, tu remets trop bien Olivier. Je suis dégoûté, moi. Je sais pas. Bah, t'avais zéro. Écoute, carte. Moi je suis j'avais zéro carte, donc ça m'a arrangé. Putain, mais si t'avais fait ça, et j'aurais pu prendre des créatures peut-être de quelqu'un d'autre. Je suis au fond du trou. C'est pas grave, moi ça me va. Enfin, ça me va, bien. Je sais pas, j'espère que j'ai des bonnes cartes dans ce que je vais piocher aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai. Attends, j'ai pas fini, moi. Non, non. Ouais, mais en fait. Alors, ça prend, c'est mort. Hein. Oui. C'est sacrifié. Et donc, t'as payé 3 plus 2, c'est ça? Oui. Okay. Alors, je regarde un peu les effets, pardon. Hein. une carte, elle est... c'est nimp. Ok. J'aurais tellement pas dû jeter ma merde là. D'accord. Non, mais je sais même. En fait, j'ai oublié ce que tu m'as donné, moi. C'est pas mal. Ok. Mais comment je me rappelle plus, c'est quoi du coup, combien je dois payer pour les retourner? Je dois payer leur coût de base. Leur coût qui est en dessous, ouais. Mais comment je fais? Parce que c'est des rouges. Si tu n'as pas la couleur, tu ne peux pas le faire. Ah, donc je suis baisé en fait. Bah. Je vérifie, hein, mais. Oh, c'est intéressant. C'est pas genre je peux utiliser toutes les couleurs? Non, je crois pas. Si ça me paraît un peu naze. C'est où la mythe? Tiens, tu peux me passer la. Non, ouais, tu peux me passer le tas là-bas? Et manifester, je crois qu'il y a. Une carte de créature manifestée peut être retournée face visible à tout le monde pour son coût de mana. Ah, donc en fait ça change tout, il y a 5 créatures sur 7 que je peux juste pas jouer quoi. Voilà. Peut-être. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? C'est quoi le sort qui t'a permis d'avoir ça?
Bah, c'était le truc là. C'était un truc ouais, que je regarde s'il n'y a pas marqué dessus. C'était manifesté mes couilles. Je vais pour... Je réfléchis, mais je pense que je vais faire Pourquoi ça. Ah non, ça c'était... Ok, t'en as aussi des enlisements dans la liste. Exilez toutes les cartes de créatures du cimetière du joueur ciblé dans un tas face cachée, mélangez-le, puis manifestez ces cartes. Pour 4 Je t'autorise de les jouer. Sans un coup de main. Bref. Pour 4, dans du rouge. Ça joue là ou pas là? Ouais, ouais, ça va jouer, ça va jouer. Pour faire ma main d'avant. On recommence. En fait, j'avais ça. Je vais jouer le mirage de la haine, c'est un rituel. Choisissez jusqu'à deux. Oui. Choisissez jusqu'à deux créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Pour chacune de ces créatures, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Ces jetons acquièrent la célérité, exilez-les au début de la prochaine étape de fin. Donc, je les copie, je vais attaquer et elles vont disparaître. Je vais copier elle et elle. Alors justement, je peux voir la carte s'il te plaît? Pour être bien sûr de ça. Créature que vous ne contrôlez pas. Choisissez jusqu'à deux créatures que vous ne contrôlez pas pour chacune de ces créatures. Créez un jeton qui est une copie de cette créature. Ça veut dire qu'il profite aussi des capacités d'arriver en jeu et notamment de sa C'est ce que je voulais bien. C'est jeton qui a la sécurité et j'ai. Ok. Donc tu fais quoi ça, sur, J'aurais sur pu m'expandre de baiser. Sur ça et sur sa 7. Ouais, t'as bien raison. Ouais. Ok. Donc tu as. Où sont mes. On s'en fout. Mes jetons. Tu les vires à l'étape. Ouais, donc. Ouais, donc ça sera des dés. C'est cher, mais c'est marrant après, tu vois, une fois que c'est posé. Ok. Donc tu vas créer ton jeton qui par contre lui va rester. Bah ce sera un... écoute on n'a pas assez de rhinocéros donc ce sera un sapre biont. T'es fait pas chier donc, en gros là tu as créé ça donc du coup il pop un truc comme ça ouais voilà. Tout à fait okay. Donc lui il va rester mais par contre les deux là vont dégager voilà et il a créé aussi Volrage qui du coup dit qu'au début de ton donc là tu peux mettre un marqueur -1/-1 ouais. Quelqu'un au début du combat tu mets un marqueur et copier à la créature c'est vraiment un, ouais on fout copie on se y a copie rien à copier, là. Tu pourrais le faire dessus mais si tu recopies ouais non tu peux copier ça je ouais. Bah, c'est le seul c'est truc qui croit, hein. Ça va pas lui faire grand chose. Non, mais il copie pas, c'est une 7-5, ça reste une 7-5. Attends, c'est une 7-5. Si je fais un -1 sur elle, du coup je vais la copier, ça va réactiver son effet. Tu vas réactiver son effet. Et je vais ravoir une créature. Oui, mais en fait tu l'as de base parce que quand tu vas, comme elle a la célérité, tu vas attaquer, du coup tu vas peupler. Ah, d'accord. Ah putain, tu peux faire un truc encore plus sale. Je peux le faire x2 du coup. Attends, tu peux faire un truc encore plus sale. Je vais faire parce qu'en fait, ces deux trucs-là. Mais attends, parce que ça marche que quand elle arrive en jeu. Mettez juste les là. Sauf qu'elle, elle est déjà là, donc elle arrive pas en jeu. Si on, quand tu crées, le token arrive en jeu. Ah, je savais pas, sinon j'aurais copié cette merde depuis le début, moi. Ok. Je pensais que vu qu'elle était déjà là. Ça marche pas. Mais ça dit, tu choisis deux créatures et tu crées un token. Non, mais ça d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si je mets un marqueur -1/-1 et que je la copie, je crée pas le truc. Non, parce qu'elle arrive pas en jeu. Eh ben, c'est ça. Ok, alors là où c'est fort, c'est que pour chacune de ces créatures, tu crées un jeton machin et tu exiles ces tokens. Oui. Ok. Si jamais tu dis que. Alors attends, c'est quoi mon play déjà? Si jamais tu dis que Volrage. Mm-hmm. Attends, c'est quoi mon play, putain? Oui, non, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu vas attaquer. Elle a pas la sécurité celle-là? Il y a un play incroyable là qui va arriver. Non, en fait, il faudrait que. C'est autre. Non, c'est pas autre, on est d'accord. Hein. Non. Du peuple. Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est quand tu vas attaquer avec elle. Oui. Donc, qui est elle. Oui. Et ben, tu peux créer. Donc, tu vas créer un token qui est une copie de ce qu'elle a. D'accord. Donc, tu peux créer une copie d'elle-même. Ouais. Qui arrive avec un marqueur 4-4 et qui en plus restera. Ah, c'est bon. Parce qu'elle sera pas sacrifiée jusqu'à la fin du tour. Effectivement. Non, si on avait été en troll, on vous arrête. Ok. Très bien. Énervé. Et du coup, je vais évidemment le faire. Alors du coup, je vais attaquer. Qui j'attaque? Est-ce qu'on peut finir cette game peut-être? Ouais, ça va être compliqué. Ah, c'est impossible. Ils peuvent tanker à l'infini tous. À l'infini. Bah moi, Olivier déjà, parce qu'il a tout tapé quoi. Je sais pas. J'ai une 4-4 et une 3-3. Je me sens très fort. Et ça, c'est encore des 1-1 jusqu'à la fin du tour. Enfin, ça, c'est une 4. Alors, j'avoue que... Écoute, vu que tu m'as aidé, Olivier, je vais attaquer. Non, t'as raison, Olivier. En vrai, si c'est toutes les cartes, ça veut dire que c'est aussi une 1-1. Il y a écrit, toutes les cartes jusqu'au prochain tour. Jusqu'au prochain tour, les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ouais. Bon, c'est ça. J'attaque avec... Force et endurance de base de 1. Je sais pas si c'est au moment où je le fais ou tout le temps. Je pense que c'est tout le temps parce qu'il y a écrit... Les créatures que ce joueur contrôle. Il n'y a pas écrit au moment de alors ces créatures-là. Tu vois. Mais c'est pas un effet qui est permanent si tu veux. Ça n'existe pas ou très très peu à Magic. Je pense que c'est les créatures que tu contrôles à ce moment-là jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ok. Son D1. Je vais mettre ça sur. C'est quoi Xari, sur ton. On a fait que les créatures. Au moment de la résolution du sort, c'est ce que dit Kaz. T'es obligé d'attaquer, mais elle a plus de. Ouais, t'inquiète. J'attaque Ponce avec ces deux cartes. Alors c'est des combien, quoi. Ça, c'est à moi, on est d'accord. Non, on sait jamais. Donc ça, c'est une combien? 7-7? Moi aussi, j'attaque avec elle aussi. Ouais. Donc, ok. Yes. Ça, c'est quoi? C'est une 2-2? Alors ça, c'est une 2-5.
Ça, c'est une 7-5. Ça, c'est une 3-2. Et donc, on est d'accord que c'est quand... Et donc, quand elle arrive sur le champ de bataille, donc en fait, tu recrées une copie, qui cette fois-ci va rester. Qui, elle va rester sur le champ de bataille. Et qui, du coup, va faire repopper une 4-4. Quel plaisir. Et donc, Max, il est pas mal, là. Je vais bloquer ta... celle-là, je vais bloquer avec ça. Ça, c'est une 2-2. Hein. Mm-hmm. La 2-2, bah, je vais la bloquer avec ma 4-4. Ah, a priori, il y a match. Non, ça, c'est pas une 2-2, gros, c'est une 2-5. Bah, ma 2-5, je vais la bloquer avec ma 5-5. Pardon. Alors, 5-5. Quelqu'un a raison okay. Dans le chat, par contre, si jamais tu fais ça. Ouais. Donc, tu peux avoir un ça tout le temps. Mmh. Tu vas repopper un ça. Par contre, il faut que tu en choisisses une des deux qui meurt. Immédiatement ? Oui. Parce que tu peux pas avoir de légendaire. Bah, du coup. Mais ça va, c'était carrément worse de mettre de 4-4 un truc. Bah, du coup, je laisse passer. ça, c'est une 7-5 ? Ouais. Ah, oh bah non, bah 7-5, je vais. Ouais, mais c'est une 7-5 jusqu'à la fin du tour. Ouais, après elle meurt. Oui, bah je laisse passer 7. Hein. Ok. Ponce perd 7 points de vie. Ok. Et c'est une fin de tour pour moi. Je peux juste faire mon tour ? En plus, c'était Xari qui a eu le premier tour. Donc, vas-y, fais ton tour et après on stoppera. Nickel. Alors vas-y, mais j'espère qu'il n'est pas trop long. Quoi. Je me dépêche. Il va nous baiser, de toute façon. Je pioche. Ok, tu l'as tué ? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est juste pour vous montrer parce que c'est une bonne bête. j'invoque Zetalpa Aube Primordiale. Elle coûte 2 blancs. Et 8, et 6 quand même. Et 6. 1, 2, 3. Ouais, elle a l'air invincible la carte. 5, 6. Les créatures légendaires, tu en avoir qu'une seule de même type. Ouais, je peux pas avoir 2 Zetalpa. Ok. 4, 8, vol, double initiative, vigilance, piétinement, indestructible. Ok, donc tu peux la tuer qu'avec un sort parce qu'elle a pas défense talismanique. Il me reste 3 manas. Wow. Pour 3 manas. En effet, ça a l'air pas. 4. Ouais, je voulais juste vous la montrer. Oh, elle est pas mal, elle est belle. Je mets. Et pour 4, détruisez toutes les créatures sur le bord. Mais elle a pas la célérité, c'est dommage. Je mets Talrand. Si tu mets 2 pour 4. Tu mets défense talismanique sur ça, elle est invincible. Oui. Ouais, c'est difficile de la tuer. Bah, t'as plein de trucs qui disent, je sais pas, exer toutes les créatures. Ah, oui, ok, c'est pas ciblable quoi. Ok, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère rituel, créez un jeton de créature de 2 bleus, dracon avec le vol. Je me mets donc une défense. Mais en même temps, en vrai, je fais ça un peu pour le sport, mais quand toi tu vas copier des trucs, tu vas bien pouvoir t'amuser. Ah oui, je vais copier ça. Ça aurait été donc du coup une fin. Merci. Une fin de tour, on va s'arrêter là, on va rendre l'antenne. Si ouais. Jamais la game vous plaît, n'hésitez pas à nous. Voilà, encore une fois, sur YouTube, vous pouvez nous dire si vous préférez des grosses games comme ça, assez longues, même si malheureusement parfois on peut pas les terminer, à des petites games un peu courtes. Un peu de tout, je pense que c'est bien. Ouais, après, voilà, c'est marrant quand même de jouer des trucs. Enfin, le plus fort quoi. Toi que j'ai fait, gros, c'était marrant quoi. Ouais, ouais. Toi qui te plains parfois d'avoir des decks un peu trop simples, là on est vraiment sur des trucs un peu complexes. Tu sais que là la game peut durer encore 4 heures. Hein. Ouais, bah. Ouais, on va pas peut-être. Sans compter sur Skaxari. Si vous voulez voir la suite et que vous n'êtes pas déjà en train de nous voir en replay sur YouTube, eh bien, ce sera en replay sur YouTube à partir de demain, normalement. Voilà, on va essayer de finir ça vite. En tout cas, ça nous a fait très plaisir d'être là avec vous. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, 14h30, lundi, pour encore du Magic. Je pense qu'on fera peut-être des games de Commander, mais peut-être cette fois-ci un peu plus, peut-être en 1 contre 1. On va voir. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite une très bonne après-midi. Tout de suite, c'est le Skell. À très bientôt. Je ne sais plus quelle caméra il faut que je regarde. Je crois que c'est celle-là. Ciao. Force juste de XX, donc j'aurais pu faire genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 12, 12, quoi. Ouais. Ça aurait été pas mal. Mais c'est là. C'était même 12, 13 avec son truc-là, bref. Ok, c'est donc... Hop. C'est ton tour. Tu détapes tout. Voilà. Alors, je détape tout, je mets... Et on est de retour, voilà. On est de retour, ouais. En clair. On est en clair. Merde, attends. Ouais, donc je t'ai baisé, du coup. Parce que du coup, je n'ai pas écouté ce que vous avez dit. En fait, tu lui as fait défausser une carte, mais sans le savoir. Qui faisait qu'il, je pense, nous one-shotait, je pense. Ah, j'ai non, peut-être, pas, peut-être non. pas tout le monde. Mais je pouvais tuer un mec, ça c'est sûr. Un sur deux. Parce qu'en gros, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais 9, 12, 13. Enfin, 9, 12, 13. Ouais. Ouais. Donc, c'était pas mal. Il y en avait au moins deux qui y passaient. C'était pas mal, voilà. T'avais quelques blocs. Peut-être que tu t'es résisté. Baisé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi aussi, en vrai, tu m'as fait défausser des grosses cartes aussi. Ouais, je suis désolé, les gars. Je vais jouer ça. J'avais plus de cartes en main, fallait que je. C'est le jeu, c'est le jeu. Et du coup, Chloé, il n'y a plus les points de vie. Je sais pas si t'es sur le coup ou si. Ah, merveilleux. Bah voilà, bah t'es là. Attends, mais ça veut dire que Chloé doit continuer à baisser les points de vie et tout. C'est trop chiant pour elle. En même temps, c'est elle qui a proposé. Dit, bah, oui, vous inquiétez pas, elle a dit. Ouais. On t'entend vraiment de très loin, ouais. Chloé. Alors, je vais jouer ça gratuitement pour le coup de Mu. T'as fait. Du coup, je pioche. Du coup, j'ai gagné. C'est mort, en fait. Ok, alors, ensuite, je vais... Oh non, attends. Est-ce que tu m'autorises un replay? Oui. Tant que vous êtes dans votre tour, les gars. Pour deux, je vais jouer ça, un enchantement. Alors, à chaque fois qu'une créature face cachée arrive sous le bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque un terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Je pense qu'on n'a pas trop besoin. Non, mais si, parce qu'en fait, du coup, ça, je le laisse dans ma main. C'est pas tout. À chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible, c'est une créature qui gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Donc, je prends ça et je la joue, du coup. Est-ce que une face cachée que tu retournes, elle a pas de mal d'invocation derrière? Non, en fait, c'est la même bête. Elle est OP, quoi. Ah. Oui. Ah. Et là, t'as vu, c'est plus de plus de. Pas mal. Du coup, pour 1, je vais retourner elle. Alors, à chaque fois qu'une autre créature non-jeton que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Mec, tu vas mourir à la meule. En vrai, c'est fort. Parce que mais en fait, t'aurais dû attendre de la retourner. Ouais. Bon, maintenant, on la connaît. Ouais. Bah, pour la surprise. Ouais, mais là, je vais attaquer. Du coup, si vous défendez, je vais perdre. Justement, t'attaquais, on défendait. Ah, tu peux faire ça. Ah oui. Ah bah je savais pas. Ah, on tant pis, bah, je suis un con. Alors attendez, je réfléchis. La mue, c'est à n'importe quel moment. C'est vraiment... Je vais ensuite pour 4, bon là je joue des trucs parce que c'est marrant. Hein. Je joue voix du grand nombre, donc je pioche autant de cartes que d'adversaires qui ont moins de créatures que moi. Bah toutes. Donc je peux... Pardon, excuse-moi. Voix du grand nombre. Une bataille piochée. Ouais, du coup, elle est encore là. Chloé. Ensuite, pour 4, je vais jouer ça. Dynamotran, impeccable. Donc, ok, bah pour vider ma main, parce qu'en fait, ouais. Sinon, je suis dans la sauce. Je vais le faire tout de suite, ajouter 3 mana. Ah ouais, ouais. Bah, ça, pas le mal d'invocation. Ça me fait 7. Une créature, ok, ouais. Ça me fait 7. Si je veux, ça me fait 7. Alors, attends. Je vais. Je sais pas. Attendez, désolé. Non, ouais, on a des tours qui sont. Très gros. Enfin, en fait, on voit le potentiel d'un commandeur multi. Quoi. Ouais, clairement. Mais c'est trop dommage d'être pressé par le temps, enfin vis-à-vis du live, j'entends. J'ai des games de 4 heures. Je vais pas vous mentir, j'ai une carte. Je sais et pas encore, j'ai mis 30 points de vie. J'ai une carte. C'est 40. Hein, je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression que c'est Game Breaker à l'infini. Et ça coûte tellement rien. Je suis en mode, c'est bizarre. Il y a souci. Non, mais non, je peux pas le faire. Dis, gros, ça me baisse. Mais dis-le. Dis-le. Mais bon. Allez. Du coup, je pioche par contre. Parce qu'à chaque fois que je retourne une carte de mur. Tu pioches dans la main, frère. Si t'en as pas assez, tu peux. Ouais, mais bon, je suis des ailes. Donc, je vais faire ça. Et pour 3, du coup, je vais poser ça. Non, c'est pas ça. Désolé, hein, c'est chiant. Je vais poser ça en mu. Du coup, je pioche. Une carte. Et il a tellement de cartes, gros. Ensuite... Comment on traverse ça? Faut voler. Et ensuite, pour 4, oui, tiens, avec lui depuis le début. J'ai un Planeswalker, tiens. Oh putain. Je suis avec lui, ça va. Alors, au début, t'as commencé à dire oui, je suis sympa. Raska, et en fait, après, tu l'as full. Vous êtes full. Bah parce que t'as commencé à m'attaquer, en fait. Mais. Bon, bref. Désolé. Vraska inapparente. Chloé, si t'es dessus. Je crois qu'il m'en reste un. C'est une. Donc, elle arrive avec. 5 marqueurs de loyauté. Hop, c'est. Il nous sort le Planeswalker au cas où. Planeswalker, voilà, on a pas eu. Je viens de le piocher, je le joue. Plus 1 jusqu'à votre prochain tour. Chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à Vraska, détruisez cette créature. Si on veut la faire chier. Ah bah moins 3, détruisez le permanent non terrain ciblé. Pas mal fort. Juste défoncer quelqu'un. Enfin, un permanent. Et moins 7, donc s'il fait plusieurs fois son plus 1 qu'il arrive à moins 7, attention, c'est pénible. Créez 3 jetons de créature 1-1 noir assassin. Avec, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie.
C'est des assassins, gros. Ils ont le vrai contact mortel, tu vois. Non, mais attends, c'est infâme parce qu'en plus, il va faire son plus 1 jusqu'à ce qu'il ait le moins 7 et on pourra pas la tuer. Bah si, il sauf si on a une carte, tuer le Planeswalker cible. C'est facile, ouais. Enfin, c'est pas si facile, mais genre. Ouais, c'est un permanent quand même, donc on peut le tuer. C'est ok, tire. Okay. Vous savez ce qu'il faut, vous Attends, après, il met des 1-1 qui n'ont pas de capacité d'évasion. Tu peux péter les 1 en vrai. Non, mais bien sûr. Mais ce qui fait bader juste, c'est que là, t'es infranchissable, frère. Attends, mais gros, il a une carte, mettez -4/-4 à toutes les créatures, j'ai plus de board, hein, gros. Bah, ce serait lourd. Bah, non, mais c'est. J'en ai pas, gros. Mais non, mais c'est possible, lui, il en a, je sais. J'en ai, mais bon, on me les avait défaussés. Et je suis obligé d'attaquer avec elle. Ça me fait un peu chier. Parce que du coup, elle va sauter. Excuse-nous de t'embêter un petit peu dans tes plans. Je vais attaquer avec elle et elle. Et elle, est-ce que j'attaque avec elle en vrai? Elle a fait son taf, hein. Attends, mais master. Oui, elle, ouais. C'est pas mal en vrai. Elle, oui, tu voulais la tuer tout à l'heure, tu l'as pas fait. Faut pas qu'on soit trop gentil entre nous, sinon ça va prendre mieux. Mais en fait, je vais mettre. En fait, j'avais juste peur qu'il ait un boost. Qu'il lui restait un peu de mana. Je vais mettre ça du coup. Je voulais pas perdre ma création. Non, c'est ça se tient, parce que t'as deux bêtes qui valent plus que ça. Bah, en fait, c'est ça, c'est que mes bêtes, elles valent et j'étais en mode bah non. Je gagne un point de vie, je vais mettre ça. Pour une création. Je vais faire l'effet 1 et comme ça, je mets de ma main un terrain. Donc je gagne un point de vie. Le perdu. C'est de la merde, mais bon, c'est juste pour avoir 7 cartes en main, ouais, c'est bon. Et est-ce que j'attaque avec la 7-5? Non, parce qu'en fait, vous pouvez toutes me baiser parce que, ok, je suis infranchissable, mais je fais pas de dégâts. C'est. Bah, gros, t'attaques avec tout, tu fais un peu de. En vrai, je vais attaquer avec mes petites merdes là parce que. Z-Turtle. Si j'ai une AOE, les trucs que je peux pas jouer, donc j'attaque avec ça. Avec ça. En fait, je peux rien jouer. J'ai pris toutes ces créatures et il a aucune couleur qui chère avec moi. Ah, parce que t'es obligé de jouer les bonnes couleurs? Ouais. Ah bah. Quel cauchemar, putain. Je vais attaquer avec ces quatre là. Attends, mais ça, je vais faire quoi? Je vais piocher. Ah, mais c'est chiant de piocher en vrai. Y'a trop de trucs à faire, mec. Non, c'est chiant de piocher, il a dit. Je vais attaquer qu'avec ces deux là. Sont à chier, toi. Ouais, et t'attaques qui mais ça, là, pour le coup, ça sert vraiment à rien, frère, parce que si t'attaques qu'avec deux. Non, mais c'est juste pour piocher. Pour recycler. Okay. Parce qu'en fait, si je prends une AOE, je vais utiliser aucune de mes capacités. Oui. Je vais attaquer. C'est encore des 1, ça, du coup. Non, c'est bon. Terminé. Ah oui, merde. J'en sais rien. Le serpent, c'est une quoi? 4-4, ouais, c'est que des 4-4. Mais, enfin, c'est devenu même des... pour moi, j'ai besoin de savoir. En gros, c'est des 4-4, mais qui ont un plus. Allez, mets-les à 5, et puis comme ça, on sort. Et voilà. Mais bon, c'est pas des, c'est pas des marqueurs, tout ça. Écoutez, j'attaque ici Poncefesse, et ici toi, et ici toi. Bah, les couilles. De toute façon, bon, bah, moi, je bloque la mienne. Ouais, normal. Avec laquelle tu m'attaques, toi? Avec celle-là, parce que c'est toi qui m'as. Qui tune 3-3? Non, 4-3. C'est une. 5-3. 5-3. Bah moi je... Toi, tu m'attaques avec la 2-2. Oui, c'est de la merde. Bah, je te bloque. Alors ça va dans ton cimetière du coup. Je pioche 2 du coup. 5-3. Ah et j'attaque aussi quelqu'un avec ça, j'attaque bah toi aussi. Ça c'est une 1-4 de merde. C'est une 5-3 mais tu sais je suis obligé d'attaquer parce que tu me l'as enchanté. Bon. Mais tu peux pas attaquer, tu l'as déjà engagé pour l'effet, non? Ouais, on est en live. Non, c'est quand elle est engagée alors ça fait l'effet. D'accord, ok, d'accord. Attendez, je vais voir parce que c'est chiant. Ouais, bon, il bloque, t'as 1-4 avec ça. Donc de toute façon elle meurt. Ça du coup, elle meurt, on est d'accord, tu bloques avec quoi? Ça il faut que tu bloques avec une créature qu'à 3 mais que t'as pas envie qu'elle meure ou alors qu'elle il faut qu'elle ait plus de ça, 5. Ça c'est une 2-5, on est d'accord. Ouais. Non c'est pas le bon plan. Parce qu'elle va mourir et moi elle va pas mourir donc c'est de la merde. Sacrifier un de tes machins. Ouais, voilà, salut, ça. Hein, ça, non, et ça est-ce que tu veux enfin bloquer ce truc là Max? Oui ça tu peux le tuer ça. Tiens, ça vas-y go, en espérant qu'il n'y ait pas de boost. Non, j'ai plus de mana, gros, au bout d'un moment, quand même. Ouais. Ok, donc t'as pioché 2 cartes de plus, c'est ça, du coup? Alors non. Il passe où, ça? Tu pioches pas sur elle, parce que tu l'as pas mis au cimetière. Il reste là, l'artefact. Ouais, mais j'ai pioché 1, 2, 3. Il faut que je pioche 3. Parfait. Fin de tour, je vais me défausser, mais vas-y, allez-y. De toute façon, ça va être très rapide. Jeu d'étape, je pioche, bah du coup, 2 cartes, parce que j'ai ça, là. Non, c'est... Quoi, si, j'ai ça. Au début de l'entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Okay. Si t'en contrôles 10, t'en pioches une carte quand même. Ouais. Mais j'en pioche 2 dans le... Enfin, en gros, j'ai juste dit je pioche. Pardon, et... pioche 2 là-dessus. Ouais. Non, j'en pioche 2 dans le sens où c'est insane en fait. Je suis sûr que tu vas nous pondre des trucs là. Non, mec, pas du tout. Je mets un terrain que je peux engager, sacrifier machin, aller chercher dans la bibliothèque une carte de terrain. Donc je vais chercher une carte de terrain. Ça, c'est marrant ça. Mais genre, je vais jamais l'utiliser, mais... Pendant un type de prospérité, tu peux aller... Il arrive engagé, tu devrais peut-être faire ça.
arrive sur un bataille sous le contrôle d'un adversaire. Alors, donc, il arrive, donc tu le fous sous un adversaire. En gros, ça aide un adversaire et ça m'aide moi aussi. Quoi. Ouais. Non, mais là, c'est en vrai, vous je joue ça une carte, vous histoire pouvez de jouer. Mettre mais en bataille une carte de terrain de votre main. Le propriétaire, donc celui qui l'a joué, pioche une carte, puis ce joueur peut mettre une carte de terrain. C'est, ouais. C'est marrant. Puis il a un truc. C'est un peu risqué parce qu'en vrai, le mec peut dire bah, ok, je le fais. Oui, t'as raison, quoique. Non. D'accord. Tu veux, mec. Quoi, je vais pas faire ça de suite. Non, donc j'ai joué mon land déjà ce tour-ci. Hop, je vais aller récupérer mes petites merdes. Et puis en attendant, ce que je vais faire tout simplement, ça va être extrêmement simple en fait. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer. Des bégayes. Comme il dit ça. Je vais payer. Hop. Je vais payer 6. Je vais mettre le champ de l'âme du monde à chaque fois que vous lancez un sort peuplé. Voilà, c'est un enchantement. Ok. Ah. Ouais. Comment c'est un peu compliqué là, tu vois. Donc à chaque fois que je lance un sort, je peuple. Donc c'est si... assez insane quand tu y repenses. Et un puis... sort, c'est n'importe quoi sauf un terrain, tu pioches. Ouais, à chaque fois. T'as fait quoi avant ça? Rien? Non, avant quoi, j'ai fait un land qui allait chercher un monde. Okay. Wow. Est-ce que t'as un sort à nous jouer? Enfin, c'est quoi le truc? Chaque fois qu'il joue un sort, eh ben, je peuple. C'est un enchantement? Ouais. Ok, on va s'en débarrasser, je pense. Hein. C'est comme vous voulez les rails. Wow. C'est parce qu'en fait, des 5-5 moi j'ai des créatures, mais c'est des 2-2 de mort. Lui, il va avoir des 5, des 6-6, des 5-5 de partout. Ouais. Ok. En fait, chaque deck est vraiment très fort. Ouais, il y a de quoi, bah, quoi faire des développer trucs quoi. Et puis, fin du tour. On va pas se mentir. Alors. T'attaques pas. Non, t'attaques pas. Ouais. Non. En vrai, moi, ce qui est bien, c'est que si je me défends avec ça, bah, je pioche quoi. C'est pas mal. T'aurais pu aller avec tes 5-5 en vrai sur max. Enfin, je dis sur max, c'est pas parce que j'ai. Après max, c'est que c'est le seul qui te faisait pas chier. Très bien. Alors. C'est vrai qu'elles ont la vigilance, j'oublie. Dans un premier temps. C'est vrai. Je vais utiliser cette carte. Je vais défausser cette carte. Je vais payer 2. Et je vais la poser pour son coup de folie. C'est une 2-4. À chaque fois qu'elle bloque ou devient bloquée par une créature non noire, je détruis. Donc en gros, c'est contact mortel. Un peu à rebours, puisque c'est la fin du combat. Mais oui. Voilà. Ensuite, je vais. Alors du coup, elle revient à ce qu'il y avait une folie. Et je pioche une carte. Ensuite, Pardon, j'ai vu. Ah putain, le bâtard. C'est pas grave. Bah c'est pas grave. Maintenant, j'ai gagné quoi, mais. C'est pas grave. J'ai juste pas quelle sera ta cible. Ah la mue, tu peux le faire n'importe sur quel. Sur qui je vais utiliser ça? Peut-être sur Zetalpa. Gros. Aube primordial. T'as raison. Tu peux. T'es sûr que c'est vraiment moi le gros méchant dans l'histoire là? Bah t'as 8 PV sur ta créa. Les autres, ça va. En fait. Ah, le permanent ciblé. Ah ouais, gros, tu peux aussi gérer un enchantement, tu peux gérer un planeswalker. Tu peux... Ah ouais, un enchantement, je peux. Ah oui, non. Non, mais comment pas que j'ai pas. Je dis pas que ma carte n'est pas une cible possible, je dis que bon, peut-être qu'il y a match, quoi. Bon, dans un premier temps, du coup, pour 3, attends, pour 3, dont un rouge, je vais effectivement gérer Vraska. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Le propriétaire du permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque. Et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. C'est une carte de permanent, il la met sur champ de bataille. Donc c'est très gambit parce que... Ouais, mais donc, c'est rigolo. C'est très rigolo. Tu vas la remélanger, donc vas-y, reshuffle ça. Et en fait, t'as une chance sur 60 à peu près là, de retomber sur la même. Non mais... Et il a aussi une certaine chance de retomber sur quelque chose d'encore pire. Et il a aussi d'autres chances de tomber sur un land ou, encore pire, un éphémère, un rituel qui fait que ça fera rien. Ou genre Ryue irrésistible, que malheureusement j'ai vu. Mais ça fera rien. Okay. Soit un permanent. Donc on va dire que bah, Max, tu vas couper. Vas-y. Et ce sera. Et là, cette carte-là, c'est une créature, c'est une éponge. Une 1-1. Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort parce que j'ai joué ce deck. 1-1, en fait. Flash. Bon, bah ok, ça sert à rien. Bah, il arrive sur une bataille avec sur elle un nombre de marqueurs +1/+1 égal au plus grand nombre de cartes qu'un adversaire a pioché ce tour-ci. En vrai, 1. Non, lui, il en a pioché 2. Tour-ci, tour. Tour, on est dans le tour de Max. Ah non, Max en a pioché 2. Alors moi, j'en ai pioché une, puis une deuxième, et pour le moment, c'est tout. Donc, ce sera 2. Et si je continue à piocher, il continue à... Non. C'est juste, elle arrive en jeu avec 2 marqueurs. Okay, bon. Et quand elle meurt, tu pioches un nombre de cartes égal à sa force. Tu vois, c'est quand même vachement mieux que Vraska. Qui finalement pas... En vrai, c'est pas horrible. C'est pas horrible. Mais c'est moins bien que Vraska. En fait, c'est juste que si t'arrives à la setup... En fait, je me souvenais qu'elle était forte, parce que quand ton deck arrive à la setup, bah, elle est vénère. Ok. Et enfin, derrière ça, je vais utiliser le pouvoir de cette carte. Je vais me défausser d'une carte. Je peux lancer une carte créature depuis mon cimetière ce tour-ci. Du coup, je vais me défausser de genre 7 cartes. Et je vais lancer une créature
Depuis mon cimetière, ce tour-ci. Alors, qui faut que je fume? Elle, hein. Ouais, c'est ça. Non, hey, mais gros, il faut que j'attaque aussi. Ouais. Promis, tu me la laisses, je t'attaque pas. De toute façon, vas-y, viens, calme, viens avec ton chasseur de merde. Voilà. Ouais, tu vas, tu vas faire quoi? Chasseur de merde. Franchement, je te fume. D'accord. Elle est morte. Très bien, elle est indestructible. C'est vrai? Fin du buzz. Non, je rigole. Vas-y, tu peux choisir quelque chose. C'est vrai, elle est indestructible? Oui, bah oui, c'est marqué dessus. Ah, ouais, elle peut pas régénérer, elle en a rien à foutre. Elle est indestructible. Il y a autre chose de fort là? Il y a autre chose, il y a plein de trucs de fort. Je détruire ta créature qui est insane. Oui, ça très bien, d'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi tout à l'heure, tu l'as pas copié. Ah, mais d'ailleurs, j'avais plus de mana. Il fallait 1. T'imagines, tu pouvais mettre 14 quoi. Ouais, mais il manquait 1. T'as fait plein de trucs. C'est pour piocher, j'ai envie de lire le deck. Par contre, quand je me suis défaussé, je pioche. En vrai, comment ça? Je défaussais avec ça. Et quand vous défaussez. Non. Ah oui, c'est vrai que la double initiative, ça double. Ah, si je me défausse une carte. 14, j'avoue, ça fait. Bon, c'est pas grave. Okay. J'aurais pu faire pense fesse. Ma carte n'avait pas la folie, ouais, donc effectivement, je ne pioche pas. Par contre. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça. Ah oui, d'accord. C'est à chaque fois que vous défaussez une carte de terre, attends. Je peuple. Je crois que c'est deux trucs différents. Mais d'ailleurs, si, je pioche. Pourquoi? Ah non, c'est si je fais son effet que je pioche. Ah ouais, merde. Du coup, j'aurais pu tuer. Je pensais que tu faisais ça. Donc, ça, en fait, je sais pas si tu peux zoomer, Claude, parce que c'est peut-être pas très clair ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Elle a une première capacité qui dit donc défaussez-vous d'une carte, piochez une carte, ça il l'a déjà fait. Et à chaque fois que vous défaussez d'une carte, si elle a la folie, dégagez. Okay. Là. Non, c'est dégager, c'est pas piocher. Oui, ah donc je fais ça. Je défausse elle, elle a la folie. Oui. Du coup, je vais pouvoir piocher. Oui. Donc, okay. Tu la joues pas pour son coup de folie. Je ne la joue pas pour son coup de folie parce que je m'en bats un peu. Et les couilles de ce qu'elle fait. Voilà, du coup, je dégage ça. Ensuite. Oh! Attends, par contre. Oh, ça va être terrible ça, mais un ça souci, là. Ouais, ok, vas-y, ça dégage. Et ensuite, je refais l'effet de chaîne, je me défausse d'une carte. Mais d'accord, Olivier, je pioche avec ça. Ça c'est mort. Ouais. C'est mort, c'est ça? Ça c'est mort. Moi, je viens de me ruiner le cul. Ouais. Comment il t'a tué? Il m'a juste tué, mais c'est écrit quand oui, il meurt. Oui, il t'a tué. Ok, là, je viens de m'enculer littéralement. Très bien, et bah puisque c'est ça, pour. Puisque c'est. Et bah puisque c'est comme ça. 4. Bande d'enfoirés. Je vais faire Diable du Feu Dévastateur. C'est une 4-2. Quand ils arrivent sur le champ de bataille au début de mon entretien. Ouais, le pilote de mieux en mieux cette cam, je trouve. Choisissez un joueur au hasard. Donc là, elle arrive sur le champ de bataille, ça fait l'effet. Et à chaque fois, au début de mon tour, ça refera l'effet. Ouais. Vous exilez une carte d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière. Oh, je copie cette carte. Après, c'est nous. Et je la lance sans c'est nous payer. Qui choisissons. Oui, c'est vous qui choisissez. Alors, attends, juste. C'est quand tu arrives sur un bataille. Quand tu arrives, et après, au début donc de mon là, tour. Donc là, tu peux choisir, déjà. Juste, et au début de ton tour, ok. Choisissez un joueur au hasard, donc ça peut être toi aussi. Non, c'est pas maintenant. Ah. Ce joueur exile une carte d'éphémère ou de rituel depuis son cimetière. Vas-y, lance un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non. 1, 2, 3, 4, et tu relances. Ouais, 1, 2, 3, 4, et je lance. Parce que sinon, c'est. 2, c'est Xari. Donc moi, donc choisis un truc et tu pourras la lancer gratos. C'est quoi, rituel ou quoi? Ce joueur exile une carte d'éphémère, éphémère ou rituel. Tu exiles un éphémère ou rituel et je vais le faire. C'est le truc pour X là. Ouais. Et ben, là, très bien. Voilà. Donc il dit mais pour j'avais X. L'aide pas, toi. Bah non, mais c'est ce que j'allais faire. C'est le truc vous comptez une force et une endurance de base de XX à la fin du tour. C'est des 0-0. Bah je vais pas le faire. Bah mais t'as pas le choix. Mais non, t'as pas le choix. Vous pouvez. Ferme-la. Ah, c'est... Ah. Ouais, bon, ouais. Alors, bah après, de toute façon, tu t'en fous. Par contre, ça c'est exilé. Tu vas pas le refaire. Ah putain, relou. On a le droit d'aider, on non, est après, non. Après, gros, de toute façon, j'allais pas te prendre le truc le plus fort. Hein, fait. Oui. J'allais pas te dire, bah pioche 4 cartes. Tiens, fais ça. Que, tiens, tu veux, si tu veux, je te donne. Genre. Mais non. Tu peux y aller ou pas, Max? Oui, c'est j'ai tiens, tu veux ça peut-être? Ça c'est bien ça. Si je fais ça et au prochain tour je fais ça. Excellent. Allez, deal. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que c'est à moi de jouer Maxime? Oui. Est-ce que j'attaque en fait? La question c'est qui je peux attaquer? Tout le monde est trop fort. En fait c'est trop bête parce que t'as plus de mana, on est d'accord? Oui. T'aurais mis ça. C'est quoi sur ça? Ça faisait une 6-8 double strike machin qui pouvait pas t'attaquer toi. Comment ça? D'où c'est écrit qu'elle peut pas m'attaquer moi? Je te l'ai dit. Oui c'est marqué dessus. Oh ah merde! C'est tout à l'heure on a triché. Ah oui, putain, vous avez attaqué. Bon bah trop tard. Bah tant pis. Bah, en fait, en vrai, ça servait à. Enfin, Oui, moi j'avais pas du tout ça. Ouais, non. C'est si pro de préférence. Ouais, autre que vous, si possible. Ah oh, ouais! Donc, j'aurais dû attaquer. Oh, j'aurais dû la mettre tous les jours! Trop tard. Bah tu le mettras au prochain tour. Au prochain tour, tu vas pas mourir, t'inquiète. Allez Olivier, vas-y. Parce que là on a quand même. En fait, moi je sais, souvent je peux pas attaquer parce que. Mal récap après. J'ai que des petites créas de merde. Allez, la prépa, je promets, je me dépêche. Je vais commencer par jouer un anneau solaire. J'ai rien. On l'a qu'à ce tour-là. Okay. Ouais, mais t'inquiète, ça c'est lundi. Ensuite, pour. Nairwan, ma chrono. Ouais, pour peu qui. Pour. Pas. Ah, ça c'est le truc qui pioche, tu peux refaire deux fois. Trois.
Donc là, tu peux 4. Je pioche 2 cartes et je fais l'effet de Talrand qui va mettre une 2-2 bleu dragon avec le vol. Tu peux trouver ça, c'est parfait. Ensuite, je vais jouer. Tiens, enlève ça, là. Donc une 2-2 avec le vol et tu peux rejouer cette carte 2 fois de suite, non ? C'est pas ça ? Je peux la relancer, oui. Ok. Mais il faut que tu payes 4, quoi, au lieu de... Enfin, il faut 4, que tu payes 5. Faut que je... Pourquoi ? C'est pas que tu dois repayer plus cher, un non, de plus ? Non, je vais juste défausser un terrain. Ah oui. Donc, j'ai joué ça pour ça, je joue ça pour ça, très bien. Donc, tu m'as sorti un dragon. Ok, très bien. Je vais, je pense, le refaire en rituel, parce que j'ai envie de piocher. Donc, je vais payer mon anneau solaire 2, 3, 4. Je le relance. Donc, ça refait un dragon. Je me défausse de ça. Alors là, c'est un peu compliqué parce que je l'ai relancé depuis mon cimetière. Donc, je pioche deux. Donc, effectivement, tu m'as mis un dragon grâce à ça. Ouais. Le fait, je pioche 2 cartes, effectivement. Mais comme j'ai joué un truc dans mon cimetière, je pioche une carte de plus avec la Kelpie. Okay. Ça, c'est okay. Fort. Hein. Ça, c'est fort de fou, je trouve. Hein. Ensuite. En plus, elle revient, c'est trop chiant. Je. Est-ce que j'ai déjà mis un land? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que c'était ma main. Non, c'est mes landes, en fait. J'espère non, mais pas. Ça va, je vais aussi. Jouer un... Ouais, un land. Attends, mais t'as pas défaussé ça, oui, c'est du coup exilé. J'ai 7 cartes et j'en ai pioché une pendant le tour, son tour, lui. Ok, allez, c'est le moment d'attaquer. Vas-y, attaque. J'attaque. Qui le mérite le plus Moi je suis prenable, j'ai pas grand chose. Putain, j'aurais pu le one shot au tour d'avant, quoi. Oui. Oui. J'ai pas pensé. J'attaque. Xari. Ok, vas-y. Avec ma 4-8 vol double initiative vigilance spécialement respectible. Est-ce que tu voles? Je crois pas. Tu prends 8 dans ton jardin. Est-ce que tu ne fais rien ou tu ne fais rien? J'ai pas un truc qui vole. Ah ouais, moi. La double initiative. Oh, Je prends 8, hein, je pense. Ok, Xari est à 13. Ouais. Là, faut que je puisse lui exiler sa race. Là. Le problème, c'est que je peux pas. Je paye 3 mana et j'ai bientôt fini. Je joue une sphère de commandant du commandant. J'engage, j'ajoute un mana d'un prix à couleur de l'identité couleur de mon commandant et je peux la sacrifier pour piocher une carte. Je crois que c'est la fin de mon tour. Vas-y, Xari. T'attaques pas avec tes vols. Non, il vient d'arriver. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est chiant. Et là, il va finir avec du vol. En fait, les boards sont très... Alors, au sol. Très sûr. J'aurais 100% dû la fumer. Elle est trop forte. Il m'a convaincu de fumer autre chose. Mais c'est pas grave. Non, indestructible. Non, mais tout à l'heure, quand t'as dit... Ah, non, je voulais la fumer avec quoi, déjà? Ah oui, avec le truc... Oui, peut-être. Bah ouais. En vrai. Non, mais... Parce que là, tu peux tuer tout le monde avec ça. Personne. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut avancer. Et pour l'instant, je t'attaque pas. Et si tu mets ça dessus, on devient poteau. C'est-à-dire que je vais devoir tuer d'autres joueurs que toi. Non. Oui, mais à la fin, ce sera plus possible. À la fin. On n'est pas là. Si déjà t'arrives deuxième, c'est déjà pas mal. Ouais, on verra. En vrai... J'ai faim. Attends. J'ai faim et j'ai un peu mal au cou. Est-ce que tu as faim? Je sais pas expliquer pourquoi. Je peux t'aider sur un truc. C'est vrai, tu masses bien. Bah, comme c'est pas mon tour, j'arrête. Attends, si vous faites... Non, mais j'en ai pour deux secondes. Si vous faites un truc d'un cimetière, vous me le dites. Oui, t'inquiète. Par contre, on parie qu'il me ramène un truc que je n'aime pas. On dit rapporte à bouffer, là. C'est là. Non, c'est juste parce que t'as dit j'ai faim. Enfin, et il s'est levé en disant... Je vais juste prendre... C'est le meilleur bro, quoi. C'est un vrai frère. Ah oui. Ou alors, il va juste sucer les couilles, vu que il apparemment... Ok, alors... Alors. En fait, Poncefesse, le truc, c'est que toi, c'est toi qui as l'artefact le plus fort, quoi. Quoi? Pardon? L'artefact le plus fort. Ah. L'enchantement. Ouais. Ah, l'enchantement, pas l'artefact. L'enchantement, oui. L'enchantement est fini. Ah, moi, j'en ai quasiment pas, à part ça. Vas-y. J'aime pas ça. J'ai une gaufre au sucre. Mais non, tu et sens. J'ai une viennoise au chocolat. Là, c'est pas mal. Attends, mais tu sors ça dit, quoi? Alors ça, c'était de mon stock personnel. Ok. Bon. Et les trucs. Ah les gars, moi j'en ai marre là. Un mec qui s'appelle Elias, ça vous parle? Ah Elias, oui. Ouais. Bah, et là, il a rapporté la visite de UCLA. Et bah. Ouais. Bon, moi j'en ai marre les gars. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ça pour 2. Ok, ça va à peu près. Et du coup, je détruis ça. Ouais. Ça quoi? Ok. Ça fait péter les chefs de bruit, s'il te plaît, parce qu'il y a pas de raison. Ensuite, vu que j'ai retourné un truc, je pioche 1. Ensuite, j'en ai vraiment ras le cul. En vrai, t'imagines? Tu te fais une soirée pizza là? Bah oui, en mode, tu commences à 20h, tu finis à... J'en ai vraiment ras le cul, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en phase d'attaque. Et je vais attaquer ici. Avec ta 3-3 pété? Ouais, c'est pour piocher. J'aime bien piocher. Alors que j'ai 15 cartes en main, mais c'est pas grave. Il faut un truc qui la tue.
Personne n'est en live ce soir là. Je vais. Je vais attaquer. Oui, je t'attaque toi, tu me la tues ? Oui. Tu me la tues ? En fait, moi je suis là depuis. C'est une 3-3. Hier soir. Tu m'attaques. C'est une 3-3 juste. Alors ? Je te jure, c'est juste pour piocher. Je te promets. Attends, parce qu'on est quand même en vidéo. Je te promets. Oh, vous êtes là. Donc là, je te bloque, elle meurt. C'est tout. C'est juste pour piocher 3 cartes, vraiment. C'est une 3-3 ? Ouais. Je te bloque ça. Ok, bloque avec ta 2-5. Bloque avec ta 2-5. Eh non, mais c'était pour pas qu'elle mourir aussi. Merci. 3-3. Donc je pioche 3. Tant qu'à faire, c'est une. Et là, j'en ai marre. C'est bizarre parce que tu vois, je t'ai dit, tu veux du chocolat, tu m'as dit non, j'aime pas. J'ai demandé la gaufre, tu m'as dit non, j'aime pas. Et en fait, j'étais en mode, bah si j'ai une vidéo de chocolat, tu vas forcément pas vouloir. En fait, non. En fait, j'aime pas le vrai chocolat. Bon, les gars, pour 5. Moi, j'aime bien, par contre. Genre, le chocolat Kinder, je suis chaud, mais. Pour 5. Le bon chocolat, j'apprécie pas. Pour 3 plus 2. je veux du. Pour je 3... veux le palme dans mon chocolat. Pour 3 plus 2, je vais jouer ceci. Au moment où il arrive sur le terrain, retournez toutes les autres créatures. C'est très fort, ça. Insane. Donc toutes vos créatures se retournent. Quoi ? Ouais. Alors, ouais, assez compliqué ça. Et ça devient attends, de tout le monde ? De tout le monde. Toutes tes créatures sur le board. Non, c'est pire que ça. Au moment où il arrive sur la bataille, retournez toutes les autres créatures non-jetons face cachée. Non-jetons. Donc, non-jetons. Donc, pas ça. Ok. Donc, c'est des 2-2 qui se retourneront jamais parce que bah, vous n'avez pas de moyen de les retourner. J'ai juste la haine, en fait. Voilà. Attends. Et la force et l'endurance de... Attends, mais du coup, attends. C'est le nombre de cartes qu'on a retournées ? C'est... Ils sont chacune égale au nombre de créatures face cachée sur champ de bataille. Quoi ? Alors, attends, j'ai une réponse. Parce que lui, il a une réponse. Attends, il fait quoi ? Lui, en gros, par exemple, s'il y a 10 cartes face cachée, bah lui, c'est une 10-10. Donc là, il y en a combien face cachée ? Bah attends, parce que lui, il va contrer. Alors, peut-être pas contrer, mais. Premièrement, pour 1, je vais faire une purification de la tombe, je vais exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Vous avez tellement de grosses cartes, ouais, les gars. Bah, mec, ouais, c'est. Pourquoi tu fais ça ? Pour pouvoir mettre des tonges. Et après, il sera retourné. Ah oui, d'accord, ok. Je vais des éphémères. Ok, donc on va dire... En vrai, exile peut-être mes grosses cartes pour pas que ça retombe sur les... J'ai pas envie de... vas-y, ton maléfice. Je pense qu'il y aura des bêtes de max à virer. Mais ça c'est pas le plus chiant. Allez, vas-y, vire ça. Ok, je le refais une autre fois. Ok. C'est ça le flashback. Oh, mais non, je peux plus les jouer depuis le cimetière. Il m'a retourné mes créas. Enfin, je fais surtout ça pour pouvoir mettre des tonges. Là, j'ai deux tokens. J'ai perdu. Hein. Mais non. Je suis à 2 tokens. Vas-y, on fait comme ça, hein, les non, tokens. Non, t'as pas perdu, en vrai. Je fais un pillage... On va mettre des... Ah, j'ai fait de la merde, je pensais que c'était un éphémère. Tout mon deck qui repose sur mes créatures légendaires. Comme j'ai joué un sort depuis mon cimetière, je pioche une carte. Ouais, vas-y. Et c'est tout ce que je vais faire. Voilà, fin du buzz, c'était pas énorme. Donc t'as 4 tokens. J'ai 4 tokens. J'ai mis 4 comme ça. T'as quand même annulé son truc. Non, pas du tout. Ah. Ça se retourne. Ça se retourne. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça se retourne. C'est trop bien. Ouais, mais désolé. Je peux mais... plus jouer, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, c'est une 13-13. J'ai envie de dire que plus que ça, parce que les tiennes aussi. Oui. Tu vas pouvoir les retourner. C'est vrai. C'est 14, pas mal. 15, 16. 16. Ah, c'est pas trop mal. C'est vrai, pas trop mal. Sachant que ça coûte 5. mais c'est trop fort. Ça va bien dans le thème. Ouais. C'est pas mal. Sachant qu'en plus, maintenant que j'ai pioché ça, ça m'a l'air pas mal pour 5. On a vraiment joué 3 heures pour qu'ils nous finissent sur une carte à 5. Ouais, on a quand même de quoi bloquer. Et moi, j'ai des bêtes avec le. Pour 5, je vais jouer ça. Moi, j'ai pas de. Donc, j'enchante cette créature et elle est contact mortel et indestructible. Et ta gueule aussi. Il est mort. Mais non, c'est marrant. Mais non, c'est marrant. Elle est forte. Elle est forte, ma créature. Mais en vrai, mais elle a pas. Elle a pas de capacité la défense talismanique. Elle se bloquait par n'importe quel nœud de merde. Oui, voilà. Mais bon, c'est un gros ton. C'est marrant. C'est un gros ton. C'est marrant. A, par contre, là, s'il il ajoute qui fait piocher, qui lui piétinement défense talismanique, il a gagné. Piétinement, c'est pas mal. Attends, j'ai pas un tri. Il fait vol, c'est sympa. Ah ouais, vol défense talismanique, c'est fini. Ok. Vol, piétinement, défense talismanique. Et du coup, elle est face cachée, mais du coup, on peut pas la rejouer. Moi, c'est mon commandant. Ah oui, toi, ça te pèse ton commandant. Nick Magaï, mais oui. Bah, moi, tu vois. Gros, je ne peux plus jouer mes cartes. Cette carte semblait vraiment forte. Non, c'est super. Par contre, par exemple, ça, si je peux la retourner en payant 4, et du coup, je fais son effet. Alors, tu vois. Je suis pas sûr parce que c'est. Avec ses 800 de mana, là, c'est insupportable. Tu peux faire qu'elle arrive sur le champ de bataille. Jamais là, pardon. Tu peux faire qu'elle arrive sur le champ de bataille comme une copie, machin. En fait, si tu la retournes, c'est une 0-0. Alors, elle fera pas son effet d'arrivée. Je sais pas si tu m'as entendu. Ouais, si, j'ai compris. Et tu peux le faire. J'ai encore 14 mana. Attends. On peut pas, genre, repayer le coût de la carte pour la retourner ? Non. T'as la mue sur ta carte ? Non. Mais c'est trop fort. J'ai encore 14 de mana. C'est trop fort.
Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je vais jouer. Il est à portée là, il est où? Il est à 13. Hein? Je suis à 13? Ah oui, merde. Aïe. Bah, il y a un focus qui va quand même devoir se dessiner, les amis. Pour parce 3... que. Pour 3. Non, mais là, c'était juste parce on que. On va se battre avec des 2-2, là, je veux le dire. Mais ce qui est infâme, c'est qu'on pourrait dire, bah, il a des 2-2, nous on a des 2-2, tu vois, on peut attaquer. Mais en fait, elles sont 2-3 à cause de sa merde. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont 2-3 les miennes. Quelle couche. C'est vrai qu'elles sont 2-3 les miennes. Mais zico. J'ai fait une phase d'attaque? Non, j'ai pas fait de phase d'attaque. T'as plus de cartes en main, toi? Si, si. En vrai, j'ai des choses, moi. Moi, ça va. En fait, j'ai que de la merde en main. J'ai un bon graveyard. Mais en plus, mais oh, putain, mais putain, il m'a baisé. Je vais mettre ça. Je peux même plus recycler. Je peux plus faire revenir ça. Il faut que tu fasses, Max. Je devais le faire au tour d'après. En fait, on pouvait le faire qu'une fois. Il faut que tu fasses, c'est tuer. La bête. Genre, ce qu'on va pouvoir faire tous les trois, c'est nous attaquer, bloquer. Et nos bêtes vont dans la zone de commandement et on peut les rejouer. Bah non. Elles vont pas. Il y en a qu'une qui va dans la zone de commandement. Ah oui, ah oui, bah oui, je vais faire. Déjà oui, sauf que celle qui ça. Me fait chier, c'est l'autre. Je fais ça pour rejouer un de mana. Ah, tu voulais chaîne, c'est ça? Et piocher. Ah ouais? Ouais, même gros. Bah, je suis baisé, gros. J'ai joué ça pour jouer un maintien en plus. T'as voulu être avec lui Ouais, mais t'inquiète, on va gagner ensemble. Non, bah, tu parles. Il va juste me finir en dernier. Et fin de tour, où est-ce que j'attaque? Ah, je ne fais plus rien. Attends, mais est-ce que je peux pas faire. Non, je peux pas faire ça. Tu dis si tu veux qu'on joue, après... Je suis désolé, gros. J'ai que quoi, on peut te branler parce que je vais... Toi t'as une morphologie qui fait que ça va. Oui. Oh, mais carrément, mais attends, mais Chloé, on te laisse en fait. Bah, tout ce que tu veux. Chloé, attends, bah tiens. En vrai, ouais, je pense qu'on va... Voilà. Attends, juste, voilà. Peut-être, fais-moi revoir. Ah, je... non, putain, peut-être pas celui-là. Juste, ça, c'est une capacité ciblée? Non. Enfin, si. Est-ce que je peux la copier avec ça? C'est pas une capacité déclenchée. C'est une capacité activée et en plus une capacité de mana que tu ne pourrais pas copier. Ok, bon, allez-y, à vous. Et en plus. À moi parce que tu vas avoir un mana plus. Ok, ouais. Je détape tout. Je ça me permettrait de gagner un mana. Une carte, puis une deuxième carte parce que du coup, machin bidule. En fait, on est d'accord que le mu, je peux le faire pendant n'importe quel tour. Quand tu veux. En fait, les capacités de mana, ça ne passe pas par la pile. Tu les résous directement. Eh bien, cette table pour jouer au commandeur. Ouais, franchement. On pourrait être à 5 en vrai. Peut-être 6. Ok. Ouais, c'est une petite strat là-dessus. Genre les merdes au bout de table. Petite strat là-dessus. Ce qui a se passé, c'est juste j'ai fait des tours marrants, mais en vrai, bon, j'ai quand même. J'avoue que là, j'ai tendance à oublier qu'on est toujours en live. Genre tout à l'heure, j'étais là. Vous faites quoi ce soir? Est-ce qu'on se referait pas une petite game avec des pizzas et tout là? Par contre, faut quand même qu'on se trace parce qu'on a le récap. Ouais, un petit récap à préparer. Excusez-moi pour le son. Bon, ça va être rigolo ce qui va se passer, mais ça me fait rigoler. Vas-y, bah c'est drôle. Du coup, j'ai tellement de mana par rapport à vous, c'est hallucinant. Je mets tous mes terrains. Je fais deuxième récolte. Pour chaque jeton que vous contrôlez, créez un jeton qui est une copie de ce permanent. Voilà, c'est tout. Mm-hmm. Pour chaque jeton que vous contrôlez, créez une copie. C'est bon. Double mes tokens, c'est ça? Ouais, en gros, je double mes tokens. Ouais. Voilà, c'est tout. Du coup, j'ai pas de token à mettre, mais on va dire, ouais, tu mets deux trucs random. De toute façon, Osef, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est une strat en fait sur le moyen terme. Et puis enfin, pour 6, Renaissance, Phyrexian, détruisez toutes les créatures, puis créez un jeton de créatures artefact XX, incolore horreur, X étant le nombre de créatures détruites de cette manière. Ok, alors pour 2, je vais retourner ça, je vais contrecarrer ton sort. Pour 2? Oui, c'est son coup de mu. Oh, le seul. Visible, contrecarrer toutes les capacités que vos adversaires contrôlent, c'est pas une capacité. Ok, nique ta mère. Voilà. On va faire ta carte, parce qu'en fait c'est ça. C'est un rituel. C'est un rituel, oui, pardon. Détruisez toutes les créatures, puis créez un jeton de créatures. Artefact XX, incolore horreur, X étant le nombre de créatures détruites de cette manière. On va aller faire ça après. C'était pour rigoler, mec. Mais là, non, fait, parce que c'est pas un jeton attaquer que je vais faire. Bah si. Ah, c'est un jeton. Bah gros, tu fais ça après, ouais. Ah, ok. Ah, oui, j'avoue, je fais ça. Oui, oui, bah oui, je faisais les deux en même temps, en fait. Bah tu fais ça, et après tu crées. Je savais pas que c'était un jeton. Compte pas les deux jetons. Oui. Comptez vos bêtes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Si je retourne ça. Attends, les jetons sont des créatures. Non, mais ça me fait piocher, créatures. Toutes les créatures. Les jetons sont des créatures. Les jetons sont des créatures. Ouais, tout. Oui, ça marche. À chaque fois qu'une autre créature, donc à part pour elle, ouais. Tu piocheras autant de cartes que tu as de bêtes. Okay. Sachant que tu n'as pas le choix. Et que quoi? Non, tu vas peut-être mourir à la meule avec tes 100 cartes là. c'est drôle. Qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Oui, en fait, elle voit les autres mourir en même temps qu'elle. C'est pour ça que tu arrives. Ok. 24. Du coup, ça détruit tout. Ah, t'as compté les 4. J'ai tout compté, c'est 24. Boss, c'est 5. Celle-là, tu vas pas compter. Hein. Oui. Indestructible. Mais c'est un sort, son truc. Ah, c'est un détruit sort, de cette manière. Ouais. Non, détruit de cette manière. Elle est pas détruite. 23. Ok, 23. Okay. Par contre, elle va sortir. C'est une 0. C'est une 0-0. C'est
Une 0-0. Ça va être une 0-0, mais elle, mais elle va pas mourir à cause de ça. Ouais. Donc, oui, mais l'indestructible 0-0, ça dégage. Ouais, ça meurt quand même. Ah. En gros, indestructible, tu meurs pas des dégâts. Okay, okay. Du coup, mais... on les met dans notre cimetière toute Ah bah, tout dégage. Tout dégage, tout va dans le cimetière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les retournements de situation qu'il y a depuis tout à l'heure. Ça n'a aucun sens. Trop bien, ouais. Du coup, ça, c'est une 24. Pour mettre 24, est-ce que je mets 2, 4? Qu'est-ce que je fais? Moi, je pioche 7 cartes. 2, 4, on comprendra. Attends, c'est une 24 ou une 23 du coup? En fait, c'est une 24 avec ton. Ta merguez là. Ah oui, exact. Du coup, il a clean le board et maintenant il a un truc insane. Il peut fumer ce qu'il veut. Ouais, moi c'est facile à tuer. Bon, elle a pas ses hérités. Et surtout, moi, regarde, coup, ça, c'est par contre, du coup, elle ça, c'est mort, Xarien. C'est, Arno, c'est Nora. C'était attaché à la bête. 2, si la bête meurt, elle meurt aussi. 24. C'est pas très clair. Mais... Et par contre, on n'est pas une carte près, mais normalement, tu ne piochais pas sur celle-ci parce que. Non, j'ai pas pioché sur celle-ci. Attends, mais par contre, la créature machin contact mortel, au moment où il est retourné face visible, vous pouvez attacher une créature. En vrai. En fait, ah, j'aurais pu la jouer en mu. C'est juste plus impressionnant. Ouais, bah, non, pensais, vrai, j'avais pas raison. Compris que c'est juste plus bandant en fait. Tu fais juste ça, 6 fois 4. Elle a combien du coup? Elle a 24, c'est 24. C'est 2, 24, 24, ouais. Ok. Ça va, pense 2, 24, 24? Oui. Voilà. Ok, ça fait. Enfin, ça, oui, ça c'est. Fait. Elles sont célérités? Non, elles, sont pas elles n'ont pas célérité. Frère, sinon, je t'attaque toi et toi, voilà, donc il reste plus que toi contre moi, mec. T'aurais fait ça? T'aurais fait ça? Oui. T'aurais laissé Xari deuxième. Mais gros. Bah, je pense qu'en vrai, oui. Il nous a ruiné! Non mais gros, ça c'est le premier. Ça c'est ma main. Vous m'avez ruiné aussi, vous. Bon, tout le monde s'est ruiné. Ça c'est ma main. Donc je pense qu'on aurait pu s'amuser quoi. Mais moi en vrai, il me reste pas mal de trucs. Mais t'as pas le droit. Bah si, parce que c'est pendant ton tour. C'est en fait j'ai 7 cartes pendant mon tour. Du coup bah fin du tour. C'est 14 cartes en main. Vas-y Max, fin du buzz là-dessus. Ah, tu vas pouvoir rejouer ton commandant, ça fait trop plaisir. Ah aussi mon commandant s'il est. Ah oui, c'est vrai le commandant, putain. Ouais, mais en fait le problème c'est que mon commandant, je m'en bats les couilles. En fait, Shen est beaucoup plus fort que mon commandant. Si en vrai si on n'avait pas joué les grosses cartes, j'aurais jamais joué ça. Quoi. Plus la mort, mon commandant. Oh, j'ai pitié. Mmh. Est-ce que c'est des artefacts? Pardon, faut que je pioche quand même. Ah bah yes, quel plaisir. Oui, créature artefact. Détruisez l'artefact ciblé. Oui. Ça m'intéresse. De toute façon, en vrai, je veux dire, une créature qui pose problème ou qui a aucun effet, juste créature artefact. On peut jouer cet artefact quand même très facile à gérer, ça quoi. Coûte 4. Et ensuite. Ah, mais du coup, ça a le mal d'invocation, ça, non? Je peux pas faire l'effet direct. Non, c'est pas une créature, tu peux y aller. Très bien. Donc, bah, pour 2. Je vais piocher 2. Je le sacrifie, je peux le chat à chaque fois. Tu peux nous. Ouais, non, je crois que tu. Non, mais le chat, tu dois le couper que manuellement, c'est ça? Ouais, laisse tomber. C'est non, mais Osef, juste. Non, mais vraiment, Osef. C'est moi qui suis con. Par contre. Oh, je me suis gouré. Pour 2. C'était celle-là que je devais poser, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Quand elle est retournée face visible contre Kirel, le sort ciblé. C'était ça. Ouais, là, ça marchait. Ouais. En fait, je me suis gouré juste de créatures, j'étais sûr que je l'avais. Et j'étais en mode, c'est trop bizarre, j'ai bien lu. Et je me suis trompé de carte dans ma main parce que j'en ai trop. Quel con. Regarde, t'as un deck dans la main, frère. J'ai 14 cartes dans la main. Mais en vrai, ça m'aurait sauvé de fou. Ah, grave. Bah oui. Mais enfin, sauvé. Ça reste... En vrai, c'est pas grave, là ça le remet à 0. Le destin a été totalement chamboulé par ça. Mmh. Et parce que regarde, genre vraiment. Ok. Il avait un contre. Et en plus, moi je pouvais jouer la carte. Ah, mais putain, j'ai mon. Ah non, attends, mais c'est le qui revient. Attends, mais en faisant ça, je pouvais moi jouer sa carte. Gratos. De... Ah oui, j'ai pas vu la fuite, mais. Je me défausse d'une carte. C'était trop fort. Vas-y, Max. Je suis au fond du coup. Défaussez-vous d'une carte. Voilà, et elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci, mais on s'en fout, le tour se finit. C'est juste pour activer son deuxième. J'aurais pu winner. Que j'aurais... Deux, je... Ça aurait été à moi, mais j'avais 14 cartes en main. Mais ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est à moi, Joe Max? C'est quoi ça? Bah écoute, ouais, en fait... je peux pas faire ça. Hein, donc, pourquoi? Je vais pas mettre ça sur lui. Elle peut pas t'attaquer. Ah ouais, c'est vrai. Tiens. Voilà. Pour 1. Ok, à toi, Olive. Allez. Voilà, il me reste 4 de mana au cas où vous me pétez les couilles. Bon, bah dans mon langage on appelle ça un top deck. Donc non. Je vais. Waouh, le boss. Dans mon langage on appelle ça un top on deck. Poser ça, mais vas-y, ça change rien. 2, 3, 4. Voilà, il va... Est-ce que tu as des dégâts directs toi? Détruisez toutes les créatures de fosse supérieure égale à 3. Ah, oui, c'est pas mal. Là-dessus. Pas mal, ouais, j'ai posé ça, je vous le dis quand même au cas où. Je l'ai posé ça. Oui, t'inquiète. Bon, donc bah ça détruit ça, le board de ouais, pompon. Ouais, ouais, ça c'est tranquille. Complètement mort. Ouais, ça coûte que 3. Attends, ça fait quoi? Ça détruit toutes les créatures qui sont de force égale ou supérieure à 3. Du coup, ouais, j'ai perdu mes deux créatures. Oh, prendre une petite carte comme ça. Hein. Pour 4. Bienvenue dans le commandeur.
Et ensuite, je peux ramener des trucs. Ça me dégoûte. De mon cimetière. Ça, c'est plutôt. Attends, cool. Tu peux pas faire les deux en même temps. Du coup, tiens, ton enchantement. Alors, en fait, j'ai payé ça, donc j'ai fait ce truc-là. Et donc, ah, oui, et du ensuite, coup, elle est dans le. Et dans ensuite, je peux payer 5 et renvoyer toutes les cartes de créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis mon cimetière dans ma main. Ou tu veux juste que je dépense un de mana, tu sais. Non, je vais de la piocher, promis. Ouais. Promis, c'est un gros top deck. C'est un gros top deck. Est-ce qu'on a pas un top deck? Mais j'avoue que c'est infâme, quoi. C'est trop long. Là, en un tour, il s'est passé tout et n'importe quoi. Ah, c'est incroyable. En fait, on a tellement de mana que dès qu'il y a une énorme carte... Alors, ça va là, mais je peux le rejouer. Ça réagit instantanément. Alors, le problème, allez, c'est que... Je fais un pillage 100 fois. Je pioche 2 cartes, je me défausse de 2 cartes. 1, 2. Je me défausse de... Là, d'une porte et d'une... whatever, c'était un morph. Je le refais. Je paye 3. Je pioche 2 et je défausse 2. 1, 2... J'ai vraiment très envie de faire pipi et je crois que je vais y aller. Vas-y, vas-y. Vas-y, pète à la fin. T'inquiète, ouais, vas-y maintenant. Non, on a full load time. Ouais. J'ai triché. Je vais récupérer 3 manas et en fait, je vais reprendre ma chienne là parce que elle coûte 5. Et t'avais pas 5 Non, parce que tu m'as fait dépenser un mana pour mettre ma merde. Et bah, le fais pas. Non, mais en vrai, tu l'auras. Clairement, tu préfères jouer ça que jouer ce truc là. Oui, mais c'est pas grave. Bah, fais-le. Fais-le, gros. Fais-le, mec. Et ça change. Fais-le. Fais-le. Voilà. Ok, pour. Ça aurait rien changé. 3, je mets un truc qui dit que à chaque fois que je lance un sort depuis mon cimetière, j'inflige des blessures à n'importe quelle cible. Fais-le. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est plutôt cool. Oh, tu vas me tuer à l'aise comme ça. Et ensuite, je. Oh, lui, il est sans défense là, il est defenseless. Si j'ai un truc accélérité, je peux le buter quoi. Bah, on a tous plus rien en même temps, j'ai envie de te dire. 14 cartes en main. Oh, putain, le truc, c'est qu'il va pouvoir aller jouer pendant son tour. 14 cartes en main et 22 mana. Ah, si t'as un truc pour lui tèche sa main et piocher, c'est maintenant, gros. Non, mais ça va. Tu sais que je vais perdre à la meule, là. C'est ta main, ça? Non, c'est mon cimetière. Ah bon je... Bah, attends. Hein. Réfléchis à faire fait un chaud, truc, non je sais pas, c'est terrible. Tu peux pas perdre à la meule, il te reste encore au moins 50 cartes, gros. Ça peut aller très vite. En vrai, je pense qu'il en reste 40. Donc ça commence à être tendu. Ok, je vais faire une réappropriation de ça. Ça, tu peux le jouer et le faire direct. Ouais. Donc ça te fait gagner un mana. Je prends donc un blanc et 4 incolores. Je renvoie sur champ de bataille depuis mon cimetière une carte de permanence ciblée avec un coucou infime mana inférieur qu'elle a 3. Et si ce sort a été lancé depuis un cimetière, je peux copier ce sort. Donc je vais juste renvoyer 2 trucs, ou 3 ou moins. Ça va être ma sauveteuse flanc de falaise. C'est pas génial, mais bon. Et j'avais dit quoi d'autre ? Faire ça, c'est un peu naze. Oui. Et l'extorqueur des quais. Ah oui, lui, il fallait trésor. Okay. Voilà. Comme j'ai joué un sort depuis mon cimetière, je mets 2 blessures à n'importe quelle cible. Ce sera dans ta gueule. Moi, non. Xari. Allez, je passe à 11. Je suis dans la sauce. 11. C'est chaud. C'est fini pour moi, les gars. Ensuite, lui, il arrive en jeu. Il crée X trésors. X étant le nombre d'artefacts et d'enchantements que vos adversaires contrôlent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mana. Sur 9 mana. Nombre d'artefacts. Ah ouais, d'accord. J'ai 9 trésors. Ouais, dis, mais ouais. Donc là, t'as encore 9 mana pour ce tour. Wow. Bah, non, en fait, je peux l'utiliser quand je veux. Et du coup, est-ce que je l'utilise maintenant ou pas? Ah, c'est 9 mana de n'importe quelle couleur? Oui. Ouais, ouais. Ah oui, c'est fort. Je vais pas les utiliser tout de suite. Je vais juste faire un monastère mystique qui arrive en jeu. Non, je vais mettre une plate. Je crois que j'ai pas mis de lampe. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai oublié de défausser 2 avec le pillage 100 fois. Ouais, je vais le faire. Je crois, j'avoue, je sais plus trop où j'en suis. Mais je crois que je suis OK. Vas-y, Xari. OK. Je pioche. À mon avis, dans cette game-là, hein, vous qui nous suivez sur YouTube, il y a peut-être eu plein d'erreurs. Ouais, ouais, je pense. C'est difficile de tout. En fait, le truc, c'est que. Je joue un terrain. C'est marrant, hein. Mais au bout d'un moment, on devient tellement gros que nous-mêmes, on est perdu. Quoi. Moi, c'est très clair. C'est presque trop. Quoi. Je joue l'anneau. Ah bah oui, là. Ouais, c'est ouais. Moi aussi, ça va. Alors, j'ai juste compté mon nombre de mana, je suis désolé. Donc, genre, 1, lui, 2, son deck est hyper 3, dur 4, à jouer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heureusement, 11, en vrai, mec, 13, heureusement que c'est toi qui l'as joué, parce que si c'était nous. 16, 17, 18, 19, 20, j'ai 21 mana. T'as compté ça? Non. T'as compté ça? Non. T'as 26 mana. 26 mana. Ok. Alors. Étant donné qu'il a, il a 16 cartes dans la main, donc en gros. Là, je pense qu'on a pour d'ici 2 heures, il aura fini le tour. Voilà, tu pouvais ça... faire autre chose que pipi, si tu voulais. Je joue ça en mule. Clairement. Il y a une carte, je comprends même pas. Je comprends pas ce qu'elle fait exactement. Dans Loujou, là. Ah non, mince, je suis désolé. Avant ton tour,
Parce qu'il me restait pile 6. Je vais jouer ça en flash parce que j'ai oublié. Je te crois. 4 flash portées. Et quand elle arrive sur champ de bataille, ça se détape tout, mais. Créatures que le joueur... J'en évoque. Les créatures que le joueur ciblé contrôle gagnent plus de pièges jusqu'à la fin du tour dégagé. Ok, donc peu importe, t'as juste mis une 4-5. Ouais, c'est juste que, comme ça au moins. 4-5 portées, c'est quand même bien pour se défendre. Ouais, c'est ça. Je vais poser ça en mu, donc ça me coûte 3. Donc là, en gros, j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5, 6 en mu. Okay. J'aurais dû faire comme ça plutôt. Voilà. Ça, je garde. Je suis désolé. Pense à ton tour, pense. On a des gros tours, hein. C'est pas. Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de cartes dans la main. Ouais, ouais, je pense à mon tour, hein. En vrai, je vais même mettre ça. Surtout que moi, j'ai plein de trucs qui peuplent, mais j'ai pas de jetons, donc. Je mets ça pour 8. C'est lourd. En vrai, j'ai pas des milliards de trucs à faire, j'avoue. Mais ça pour 8. J'ai ça, quoi, mais. Mais j'aurais dû faire ça pour piocher d'autres cartes encore. On nous a overbaisé. Et du coup, je mets ça gratos, je pioche. C'est pas fini. Complexe quand même. Et ça, c'est une capacité, donc je peux le refaire là. Je peux copier cette capacité là. Pour piocher, ouais. Mais une fois. Hein. 10. Il me reste 10 de mana. Mais il n'y a pas assez de cartes. Bien, piocher. Par contre, du coup, ouais, c'est, en fait, c'est ça que je me dis. C'est que le fait de faire en attaque-défense, donc genre je t'attaque, 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 ça empêche un truc. Il y a effectivement, du coup, pas de système d'amitié, machin, et je comprends, ouais. c'est un truc que ça, tu perds. Par contre, du coup, il y a pas mal de fois où on ne sait pas attaquer pour pas créer des. Sure. Pour pas se faire enfin, focus. Moi je peux pas attaquer donc. Et du coup, en fait, ça fait durer la game. T'as rien à faire là ? Bah, je peux pas c'est attaquer. Sûr que ça fait durer la game. Ouais, mais t'as pas de cartes à jouer, t'as mis carte en c'est des éphémères. Okay. Alors que du coup, si on attaque tout le temps le même, bah, il nous en veut pas de l'attaquer parce que t'as pas le choix. Pas le choix. Non, je vais... Et du coup, la game va beaucoup plus vite, je pense. Là, le but de ce genre de partie multijoueur, c'est que ce soit interminable. Enfin, les gars, quand ils ont créé le DH, c'était. On est là pour une soirée, une nuit, et on joue, quoi. Okay. En fait, c'est... un peu comme une soirée jeu de rôle, où généralement, tu mets quand même 4-5 heures. Enfin, une vraie soirée, grosse soirée jeu de rôle. Et encore. Voilà, c'est bon pour moi. C'est bon ? Ouais. Bah, j'ai pioché, j'ai le droit de le faire, bon. Je le fais. Je joue mon exilé. J'ai pioché tellement, gros, c'est hallucinant. Hop. Tac, bim. Tac. T'as 29 cartes, gros. J'ai pioché 70 cartes. Et puis là-dessus, je colle une. Attends, non, pas du tout. Ah oui. Oh. c'est trop gore. C'est trop. Je mets une 3-4 vol. Quand l'ange des condamnations arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler un permanent. Non! Terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'ange des condamnations quitte le champ de bataille. Ok. Du coup, je vais. Ah, c'est fort. C'est qui nous a sorti une carte trop chiante là tout à l'heure ? Ah là, personne, plus personne, on n'a plus rien. En fait, il n'y a plus grand chose d'extrêmement chiant. Mais j'ai rien sur le. Là, il n'y a plus grand chose, gros. Hein. Mais tu peux quand même nous baise. Hein. Ah, il y a ça aussi que j'avais oublié de faire. Au début de votre première phase principale, retirez tous les marqueurs. Si aucun marqueur n'était de retirer, mettez un. Non, marqueur. Non, mais laisse tomber, je joue pas ça, excusez-moi. Là, je suis tellement désolé de ce qui vient de se passer, c'est assez ouf. je vais plutôt mettre ça. Tu réfléchis à ton tour. Enfin, ça va surtout. Et gros, j'ai. J'engage 4 okay. Pour mettre le rang des augmentations. Au début de votre faire, entretien peuplé. Voilà. Ok. Alors, à moi. Ouais. Attends, fin de tour, fais-le. Fin de tour. Hop. Ah oui, d'accord, oui. Fin de tour, je le fais. Je dégage cette carte, je pioche. Ok. Début de mon tour. Du coup, elle, quand elle se redresse, je paye 2. Ah, je paye 2. Ok, je paye 2. Je redresse tout ça. Ok. Donc, alors, je paye 2 et du coup, je pioche 1. C'est ça, oui, je pioche. Donc, ça, c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'elle chaque devient dégagée. Donc, t'as payé 2, t'as pioché. Bon. Tu pioches voilà. Normalement. Oui. Et là, t'es refait. Il dit, mais. Bon. Faut le dire très, très vite. Alors. Donc, tu peux réactiver ton. Angie Falconrat. Je demande si j'ai pas chié mon pioche 100 fois, moi. pas grave, ouais. Ok. Complexe quand même.
Pour 11. Ok. Oh là. On s'en regarde là. Je vais jouer sous le plancher. Infligé 11. Ah putain. Alors attends, ah, tu fais un coup de folie. Je fais gna gna et je fais le coup de folie. Du coup, comme à la folie, tac, et je pioche. Ok. Créer, engagé. Je peux le lire pour toi. Alors, vas-y, je crée, engagé, autant de jetons créatures que X. X étant égal à 9 ici, puisque donc, tu crées 11 moins 2. 9 de 2, c'est ça ? Je crée 9 de 2 et je gagne 9 points de vie. Je vois pire que ça. Excuse-moi, tiens, tu peux recentrer ici. Créer engagé. 3 jetons de créatures de 2 noirs zombies et vous gagnez 3 points de vie. D'accord, ok. Si le coup de folie de ce sort a été payé à la place, créer X de ces jetons, gagner X points de vie. Non, t'as raison. C'est... Je pensais quand même que tu gagnais 3 fois. 3 ok, fois, bah, je vais faire ça, hein, du coup. Oh non. Bah gros, sinon ça va être trop chiant. J'ai rien sur le board. Bah, justement, le but c'est que la game se finisse. Au bout d'un moment, on a tous envie d'aller manger, quoi. Je m'en occupe. Mais surtout, vous avez un récap à préparer. Le récap est dans une heure. Donc, pour 6, j'ai plus de mana. Pour 6, je contrecarre le sort. Je vais te venger. Et si il est contrecarré, je l'exile. Oh putain, oui. Et je peux le lancer sans payer son coup de mana. Suite. Bah, je suppose. Ok, quand... bah, tu fais 3 jetons. Ouais, du coup, il ne peut pas payer X, mais il pourra payer du coup 5. Donc, du coup, tu crées 3 jetons, 2-2 noirs zombies et tu gagnes 3 points de vie. Vous pouvez lancer cette carte, donc c'est tout de suite. Donc, Zary gagne 3 PV. Ah non, c'est. Non, c'est tant qu'elle reste exilée. Donc ça, donc, ça veut dire qu'en fait, elle est exilée. Ouais. Et tu peux la lancer tant qu'elle est exilée. Mais il va le faire maintenant. Il faut quand même que tu payes et il faut quand même que tu joues en rituel. Ok. Ouais, bon, ok. Elle est comme ça, mais si elle meurt, elle reste out. Ouais. Bah désolé, mais c'était trop chiant. Ouais. À moi de jouer ou pas ? Ouais. Ah, ça copie pas du coup ? J'attendais que ça, gros. Oui, parce que lui, il a un truc qui va nous baiser tous. Mais bon, de toute façon, il faut choisir. T'attendais quoi ? J'attendais que ça, que tu... En fait, tu prennes à sa place. En fait, il nous a dit tout à l'heure qu'il avait un truc qui compterait. Moi, je vous ai révélé toute ma main tout le temps, donc j'avoue que je suis un fond. S'il a plus de truc qui contre... J'ai le seum. Putain, je me suis encore gouré de cartes. Bon. Xari, t'es à 11. Non mais moi je suis mort de toute façon. J'ai ruiné, putain, je me suis encore gouré de cartes. Bon, c'est pas grave. Ça me fait mal, mais bon, ça me fait mal que ce soit comme ça, mais bon, faut bien finir la game. La manœuvre du diable, inflige X blessure à n'importe quelle cible. Ah. Je suis mort. Donc, mais en vrai, je suis... 2. Mais attends, 3, mais à n'importe quelle cible, c'est à une seule cible. 4. Tu 5, peux pas répartir. 6, non. 5, 6, même 7. Si tout le monde en 8, un coup, ce serait énorme. Et un 9, tu prends... Ah non, t'es à 11, putain. 10, 11. Zary est mort. Ouais. Je me suis encore gouré de cartes parce que j'aurais pu. En gros, j'avais. Je sais pas pourquoi. J'échange des cartes, j'en ai trop. En fait, je voulais j'avais ça en. Je voulais mettre ça en face cachée, j'ai mis celle-là, je sais pas pourquoi. Oh putain, t'as été génial. Oui, mais en même temps. C'est ma faute, c'est ma faute. Pour ta défense, la gros, t'as des mains de 24 cartes. Ça va dans cartes, ta gueule, en fait. Moment, ouais. Ah, tu peux être suicidé ou tuer Ponce. Non, mais je pouvais tuer quelqu'un. Mais j'ai mal joué parce qu'en fait, j'ai voulu jouer vite et du coup, je me suis échangé de cartes. Enfin bref, j'en avais. En même temps, il avait 24 cartes. J'avais trop de cartes en main, j'avoue. C'était infernal. Bon, GG les gars. GG. Très bien. Donc j'ai fait ça. Comme j'ai fait ça, du coup, j'ai joué un sort depuis n'importe quel truc. Je vais mettre 2 blessures à Ponce. Ok, bah je passe à 12. Très bien. Très bien, très bien, très bien. J'avais ça aussi qui était marrant. J'étais en mode je le garde pour un moment. Ça crée tellement de déception. Quand tu lances un sort que le mec fait « Eh bien non !» Et t'es là en mode « Oh gros, surtout que... je viens de lâcher 11 mana bah, !» oui. Surtout quand FFA, c'est quand même... Ah, mais moi, j'avoue que là j'avais trop à lire et j'étais en mode « C'est impossible, quoi. » Mais je suis con, parce qu'en vrai, j'aurais pu m'en sortir, du coup. Mais bon, c'est pas grave, c'est marrant. J'ai fait des tours marrants. Tu peuples à chaque tour. Bon, je suis désolé, moi je vais les tracer parce que j'ai pas un récap. En vrai, ça me fait un peu chier que ça se finisse. Mais en fait, j'avais envie que ça se finisse jamais, tu vois. Bah, mais bon, fallait bien. Ça se finisse jamais. Et en fait, en vrai, je savais que Xari était celui qui a un potentiel et qui juste. En fait, tout le monde. Je crois que tous les jeux sont vraiment très forts. Oui. Xari peut faire des choses qui étaient vraiment insane. Enfin, ouais, son deck, c'est quand même un peu what the fuck, quand même. Hein, mais que genre. Retourner toutes les cartes. Mais en fait, moi, j'ai gagné. Quand on avait joué et je jouais son deck et j'ai gagné grâce à cette carte. J'ai fait retourner tout et les mecs étaient en mode oh bah non. Bon, je vais jouer Sage Céleste yes. Immaculée. C'est une 6-4 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, je la dégage et laquelle la protection que la couleur. Attends, mais qu'est-ce que tu fais du coup? Tu crées une 6-4 vol. Ah d'accord. Ah oui, non, mais il faut le baiser lui là. Parce que je pense que... 4. Et du coup, je prends donc j'ai pris 3 plus 3 trucs. Donc donc ça fait 6. Il me reste 6 trésors. J'ai de quoi attaquer, mais non, ça me sert à rien. C'est à. Donc ça, du coup, c'est exilé. C'est la ponce. T'as qu'une 1-3, c'est ça, max. En même temps, ça servira pas à grand-chose que j'attaque. Donc c'est à toi de jouer, ponce. Et donc je détape tout, je mets... du coup, ça peuple.
attaque, c'est une 5-5. Ouais, en même temps, lui, il va être relou aussi. Non, mais en fait, on est d'accord que tous les decks sont relous. Hein. Enfin, du coup, je pioche deux fois. Parce que ça plus mais Xaris, il avait. Enfin, après, il avait un deck qui était compliqué en vrai. Non, mais il avait je pense qu'il avait un peu fait ses plaies. Ouais, ouais, en mode c'est bon, j'ai. Genre, là, il avait un peu tout dégueulé. Il avait pas l'air d'être trop aigri quand. Ok, je vais. Xari, quand tu perds, il perd. En mode. Ok. Il y a des fois quand il a pas fait grand chose, c'est que la dernière fois, par exemple, il était un peu salé. Parce oui, qu'il mais avait c'est pas, pas parce qu'il est mort, c'est parce qu'il a pas joué. En fait. Je vais jouer l'heure du changement. Le mec, il a pris tous ses landes, et en fait, non, c'était le dernier. Oui. Il fallait. Ouais, et ben dans. Détruisez toutes les créatures non jetons. Allez, l'idée c'était de finir pour la vidéo. Est-ce qu'on, en vrai. Après, sinon, on fait le classement, on dit bah moi je suis troisième. Enfin, Xari a perdu, en vrai, je suis troisième. On peut juste dire qu'on a gagné tous les trois, que Xari a perdu, est-ce que c'est on ça, ça. Voilà, j'allais détruire toutes vos créatures non jetons. Et derrière, j'allais juste pulvériser, donc on peut dire que j'ai gagné, en un sens. Non, mais oui, en vrai, avec la vengeance et le fait que je puisse reprendre les cartes du cimetière, là j'avais un truc qui enfin pouvait mettre des points sur. Ok, exilé. Bon. Moi, mon plan c'était de jouer ça. À chaque fois que vous recyclez, vous défaussez une carte, vous payez 1. Si vous faites ainsi, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2. Voilà, en fait, je pense qu'il y a moyen que je vous encule ce avec genre ça. De truc là d'enchantement qui disent bah, je gratte au moins des points et pas juste genre je mets des bêtes qui peuvent en fait se faire bloquer. Voilà. Bon, écoutez. C'était intense. Moi aussi, je peux faire mon retour sur ce genre de game. Pour moi, c'est vraiment, comme tu le disais, c'est des games qui se jouent entre potes, quand tu sais que tu as une bonne soirée, nuit devant toi. Parce que cette game-là, on a terminé maintenant, mais très honnêtement, ça aurait pu durer 4 heures de plus. Enfin, peut-être pas 4 heures parce que Xari avait plus trop de cartes, mais ça aurait pu durer super longtemps. Et c'est le genre. Par contre, mes cartes, là, je viens de piocher juste mes 3 prochaines cartes. Folie pour 2, détruisez la créature engagée ciblée. Folie pour 1, détruisez une créature non noire ciblée. Oui. Enfin, c'est infini. Ouais, on a. Non, on a arrêté parce que la régie, ça fait une heure qu'il faut du rabais, en fait. Comme d'un moment. Mais en tout cas, merci. Parce que du coup, on cut la vidéo YouTube. On va cut, okay. Effectivement. Eh bien, merci salut à tous. Toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était vraiment très sympa. Rendez-vous lundi prochain, 14h30, pour encore plus de Magic. Ciao. Thank you.